Bien-aimés, bonjour, bonjour ou bonsoir à tout le monde. Soyez les bienvenus à Océan des Grâces TV, à Océan des Grâces International et au ministère Océan des Grâces. Soyez les bienvenus. Bonjour ou bonsoir à ceux et celles qui sont déjà en train de se connecter. Euh, voilà, je ne sais quelle heure il est chez vous, ni de quel pays vous êtes en train de prendre en ligne, mais je vous souhaite les bienvenus. Soyez les bienvenus et euh, voilà, installez-vous, nous allons sans plus tarder à commencer à prier, nous allons commencer à prier. Voilà, ça fait deux fois aujourd'hui que vous êtes servis en prière <laughs> et en combat spirituel et je suppose que c'est pour la gloire de Dieu. Alors, bien-aimé, si tu es aussi d'accord avec moi en disant que oui, tu es là pour la gloire de Dieu, je t'invite sans plus tarder à, à, à remercier le Seigneur et à lui dire que tu sais que tu es là pour sa gloire. Sois béni. Aujourd'hui, nous allons voir... Euh, la puissance de la prière fervente. Voilà. Nous allons voir la puissance de la prière fervente. La puissance de la prière fervente. Voilà. Nous allons prier et nous allons aussi voir l'enseignement que le Seigneur nous aide à réussir ce programme. Voilà, bien-aimés. Nous allons remercier le Seigneur. Élevons la voix et disons merci à notre Créateur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom parce que tu es Dieu. Nous te louons parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Nous te rendons grâce parce que tu es bon. Sans toi, Père, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Et sans toi, nous n'avons rien. Voici la raison pour laquelle, Père éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton nom et te louons. Nous te magnifions et te exaltons. Nous te célébrons et te glorifions. Sans toi, éternel, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, sans toi, nous n'avons rien, et sans toi, nous ne sommes rien. Voici la raison pour laquelle, Père, je t'invite ce soir à venir nous aider, à nous conduire, à nous guider, afin que, Père, ta volonté soit faite par-dessus tout. Alors que nous entrons dans ce moment de prière, Père, nous demandons ta présence et ta puissance. Nous demandons ta cou couverture et ta grâce, parce que tu as promis de nous environner de ta grâce comme d'un bouclier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens nous environner de ta grâce comme d'un bouclier. Il est écrit en Somme 91 que celui qui demeure sous l'abri du trône -re repose à l'homme du Tout-Puissant, Père. Nous avions mis notre confiance en toi et nous aimerions demeurer sous ta protection divine et bénir, euh, recevoir ta bénédiction, Père, parce que tu es Dieu. Sans toi, nous ne sommes rien, Père. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu vois tous les complots que l'ennemi est en train de formater dans notre dos et en cachette dans l'espoir de changer nos destins. Mais Père éternel, Dieu tout-puissant, tu es Dieu, nul n'est semblable à toi, et tu es Dieu, tu sais tout, tu es Dieu, tu es roi, et tu es celui-là qui est le maître des temps et des circonstances, tu es tellement fort, puissant et redoutable que nous ne pouvons invoquer personne d'autre que toi. Voici la raison pour laquelle, Père éternel, Dieu tout-puissant, nous sommes là, parce que nous aimerions voir ta gloire, ta puissance et ta bonté dans notre vie. Viens donc prendre le contrôle de ce moment éternel, Dieu tout-puissant. Viens guider, viens contrôler et agis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avions prié. Amen. Bien-aimé, si tu es là pour suivre ce programme, je te conseille d'être disposé parce que ce moment-là va être accompagné de prières. Alors lorsque nous parlons de disposition, cela veut dire que je t'invite, bien-aimé, à être concentré. Je t'invite à éviter la distraction. Je t'invite... À éviter d'être perturbé. Je t'invite à tout faire pour être concentré. Je t'invite à tout faire pour rester assis et à prendre toutes les dispositions pour que tu ne change pas ta destinée ou ne s'oppose pas à ta bénédiction. J'aimerais donc commencer par t'inviter. Amen invité à partager avant qu'on ne commence. Parce que certains n'aiment pas ça du tout, qu'on leur demande de partager, mais nous sommes obligés de le faire. Nous sommes obligés de le faire parce que dans l'utilisation de ces chaînes que nous utilisons, ceux qui signalent plus l'emportent sur ceux qui partagent plus. Ceux qui détestent l'emportent sur ceux qui aiment. Donc, si ceux qui partagent ne sont pas plus que ceux qui détestent nous sommes immédiatement coupés amen donc je t'invite à le faire ne le fais pas pour moi mais fais-le pour Dieu parce que je sais que si tu si c'est à cause de moi là c'est pas la peine que je demande que tu fasses ça pour moi <laughs> on comprend déjà donc maintenant fais-le pour Dieu pas pas ne reste pas un, Indifférent. Voilà. Fais-le pour Dieu. Pour moi, ce n'est pas grave. Bien-aimé, fais-le pour Dieu. Participe. Ne reste pas indifférent comme ces sorciers-là qui se connectent pour nous espionner. Et ils ont peur de partager pour qu'on ne sache pas qu'ils qu qu sont là. Mais toi, tu es un enfant de Dieu, partage. Sauf si tu ne sais pas comment partager. Là, on comprend. Voilà. Là, on comprend. On ne veut pas t'attaquer directement. Mais au moins, on dit la vérité. Alors, bien-aimé, sans plus tarder, tu vas dire encore merci à Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, ce soir, j'aimerais voir ta bonté, ta fidélité, j'aimerais expérimenter ta grâce. Tu vas lui dire, Seigneur, j'ai envie d'être disposé et touché. Je ne suis pas venu sur Internet, mais je suis venu sur la, dans la présence de, de notre Dieu. Je suis venu dans la présence pour voir la bonté de notre Dieu, parce que sa parole déclare que celui qui demeure sous l'abri du clair haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Alors bien-aimé, je t'invite à déjà remercier le Seigneur parce que moi j'ai la conviction que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui est déjà euh, gagné d'avance. Donc tu vas lui dire que tu lui rends gloire, tu le, tu, tu le remercies, tu lui dis merci parce qu'il t'a déjà donné la victoire. Élevons la voix et bénissons le nom de notre Dieu. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te louer, te magnifier, t'exalter, te célébrer? En voyant tout ce que tu fais pour nous, Père, on ne peut que te louer. En voyant tout ce que tu fais pour nous, Père, on ne peut que te louer, te célébrer, magnifier ton, ton puissant nom. Tu es bon, nul n'est semblable à toi. Tu es roi, il n'y en a point d'autre. Merci Seigneur pour ceux et celles qui sont connectés. Merci pour les fidèles, merci pour les habitués, merci pour ces membres, merci pour ces personnes loyaux qui sont connectées. Merci pour cette communauté forte et puissante que tu nous as aidés à bâtir. Merci pour cette famille invincible et imbattable que tu as fait de l'océan des grâces. Merci Seigneur pour ta grâce. Parce que malgré la méchanceté et l'acharnement de nos ennemis, Père, tu es avec nous. Voici la raison pour laquelle, Père, je te remercie, parce que je sais que nous avons déjà la victoire. Je sais que l'ennemi nous fera la guerre, mais nous sommes toujours combattus, mais jamais vaincus par ta grâce. Éternel, ta parole déclare que nous ferons la guerre, mais ils n'arriveront pas à nous vaincre. Voici la raison pour laquelle nous sommes encore en vie, car, Père, c'est toi seul qui décide. Nous te louons donc, te magnifions, t'exaltons, te célébrons et te glorifions, parce que tu es le Dieu des dieux, le roi des rois, l'Alpha et l'Oméga, le Seigneur des Seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Nous t'aimons, Seigneur. Nous te bénissons, nous te magnifions, parce que nous savons que en partant de ce programme, nous serons bénis et visités, remplis et fortifiés. Voici la raison pour laquelle, Père éternel Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons manquer de te dire merci, parce que pour nous, nous avons déjà la victoire. Que l'honneur et l'adoration te reviennent. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, il faut être un, un, un chrétien qui a l'assurance de son miracle. Je veux que tu dises à quelqu'un, j'ai l'assurance de mon miracle. J'ai l'assurance de ma victoire. J'ai l'assurance de ma bénédiction. Alléluia. Le Seigneur m'a donné une victoire, une victoire dans quelque chose que j'attendais depuis des années. Et il m'a donné la victoire. Ma soeur m'a dit, on va fêter. Ma femme m'a dit, on va fêter. J'ai dit, je ne fête pas. <laughs> Et puis on m'a demandé, mais pourquoi tu ne fêtes pas? J'ai dit, mais moi j'avais déjà la victoire il y a longtemps, j'ai célébré ma victoire dans la tête là. Dans mon cœur, j'ai déjà célébré la victoire. <laughs> tu comprends un peu? Bien aimé, pourquoi je ai dis ça? J'ai dit, pour moi, ce n'est pas une surprise. En fait, c'est ceux qui ne savaient pas qu'ils allaient gagner là, qui sautent. Mais bon, j'ai rends toute la gloire à Dieu. Mais dans ma tête, j'étais déjà gagnant. J'avais déjà gagné. J'avais déjà l'assurance de ma victoire. Donc, tu comprends que pour moi, c'est rien. <laughs> pour moi, c'est un temps normal. Tu vois, un peu, c'est un temps normal. C'est un peu comme on dit, mais attends, tu as réussi à gagner ça. Et puis, tu es là, tu dis rien, tu dis, mais j'ai déjà la victoire il y a longtemps dans ma tête. Bon, peut-être pour vous, on va fêter. Il n'y a pas de problème. Bon, d'ailleurs, on ne fait pas. <laughs> Donc, voilà. Donc, mon ami, toi qui es en train de me regarder là, moi je te dis que tu peux avoir la victoire. Ça dit, tu, tu n'as rien à craindre. Donc, si tu ne rentres pas dans ce moment de prière en disant à Dieu, mais écoute, moi j'ai déjà la victoire. Ça dit que quand moi j'ai annoncé quelque chose là, ne vous inquiétez pas du reste. On a déjà la victoire. Parce que si ce n'est pas sûr, on ne vient pas parler aux gens. Eh, ces chrétiens-là, <laughs> rapporteurs, là. ils vont aller dire aux gens que tu as menti. Donc, euh, quand c'est pas sûr, il ne faut pas venir parler en direct. Il faut avoir la victoire d'abord avant de venir parler. Toujours combattu, jamais vaincu. C'est pour ça. Ils ne vont plus te faire confiance si tu t'amuses. Donc, moi, je sais que j'ai déjà l'assurance de ma victoire. Mon ami, tu sais que c'est de toi que je parle. Il ne faut pas faire confiance à la bouche des, des chrétiens. Ils sont là, ils font semblant. Il ne faut pas les regarder comme ça. Il ne faut pas jouer avec eux. Alors, bien-aimé, tu vas vraiment te disposer comme quelqu'un qui a la victoire. Si tu pleurais là, prends ton mouchoir, tu jettes à la poubelle. Tu as l'assurance de ton salut. <laughs> Allez là. Je dis, si tu étais dans je ne sais quelle panique, si tu étais en train de t'affoler, reste tranquille. Assieds-toi tranquillement et puis regarde-moi. Il faut dire, j'ai l'assurance que j'ai la victoire. Même si ça. Même si, même si pendant que tu es en train de dire en Jésus, je confesse et je prophétise, et puis il y a une petite voix qui te dit, mais demain le propriétaire vient encaisser la maison, tu dis quoi? Même s'il si y a une petite voix au fond de toi qui dit, mais tu es sûr? Tu lui dis, ferme là. Tu lui dis tout simplement, boucle là. J'ai dit, j'ai l'assurance. Ça, tu penses que quoi? Le juste vivra par la foi. Donc, même si tu as une petite voix au fond de toi qui veut te faire douter, tu lui dis Tête-toi, le juste vivra par là. En tout cas, j'espère que tu commences bien ce moment. Et pour moi, la victoire, c'est la victoire. Jésus n'a jamais perdu. Il n'a jamais commencé pour terminer. Alors, tu vas dire merci à Jésus. Et puis, tu dis à cette petite voix qui t'embrouille toutes les nuits, la terre. Amen. Ce petit démon qui vient s'asseoir dans ton esprit et dans ton cœur pour te tourmenter là. Tu lui dis aujourd'hui, tout petit démon, tout esprit familier qui vient s'asseoir dans mon esprit pour me faire douter de Jésus, pour me faire douter de ma victoire, pour me, pour, pour me pousser à pleurer, tu es vaincu, tu es lié au nom de Jésus. Amen. Tant que vous n'aurez pas vaincu ces petits démons-là, ça va être difficile pour vous de rentrer dans la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des chrétiens qui gênent, qui prient, mais qui n'ont jamais l'assurance de leur victoire. C'est la vérité. Il faut les effrayer demain. Il faut voir s'ils ils ont cru. Ils vont dire, non, je sais en qui j'ai cru. Tu sais en quoi? Je sais en qui j'ai cru. Tu les vois comme ça, là. Ils savent en qui ils ont cru. Mais quand ça ne va pas, ils oublient à qui ils ont cru. Donc, ma sœur, tu ne peux pas expérimenter la fidélité de Dieu si tu ne lui fais pas confiance. Ce n'est pas confiance dans la bouche, confiance dans le cœur, confiance dans les pensées. Quand il y a la confiance en Dieu... La peur disparaît là où il y a la confiance en, en Dieu. La, 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 le stress disparaît. Cesser d'être des faux chrétiens et des peureux. Ce combat-là, je veux qu'on rentre dedans dans la sincérité. Je ne vous ai pas réunis pour vous insulter, mais je veux dire la vérité. Parce qu'il y a des chrétiens, des mamans, surtout les papas, les mamans qui sont là. Elles prient beaucoup, mais elles croient en rien. <laughs> elles croient en rien. Elles croient en personne. Même le prophète va venir dire ainsi dit l'éternel, ils ne vont pas croire. <laughs> Amen. Ainsi dit l'Éternel. Ils ne vont pas croire. Donc arrêtez de me fatiguer. <laughs> Même si tu leur disais que Dieu a dit demain, il va venir. Ils ne vont pas croire. Donc mon ami, pour commencer cette prière-là, il faut enlever ton manteau de, douce, de doute et d'incrédulité. Tu mets ça quelque part. On ne vient pas ici tant qu'on ne fait pas confiance à Jésus. Il faut dire aux mamans, aux papas, aux tontons qui sont connectés, on va commencer une prière. Mais est-ce que tu es prêt à assumer voilà. Est-ce que même quand l'ennemi va t'attaquer, tu vas rester serein, imperturbable Est-ce que quand même les bouches vont s'élever pour dire, oh, tu as tel problème, est-ce que tu vas rester serein, imperturbable Moi, je me rappelle, il y avait un monsieur camerounais qui m'avait appelé, il dit qu'il avait le cancer. Ce monsieur-là était paix à son âme, il était, il était abattu. Il m'a dit, non, il a le cancer, il paraît que c'est arrivé à la phase terminale. Je lui ai dit, mon ami, il faut bien m'écouter. On prie Dieu pour que Dieu te délivre. Hein? Mais même si Dieu dit qu'il ne te délivre pas là, au moins tu es au courant. <laughs> si tu meurs là, tu ne vas pas en enfer. C'est tout, tu seras même content. Écoute-moi, mon ami. Je lui ai dit, tu te stresses pourquoi il, il y a quoi de bon même ici sur si toi Tu te stresses pourquoi Je lui ai dit, on va prier Dieu pour te guérir. Même si Dieu dit qu'il ne veut pas te guérir là, au moins tu es au courant. <laughs> au moins tu es au courant. Tu t'arranges, tu te répands, tu laves tes vêtements, tu demandes pardon à tout le monde. Quand tu meurs, là, tu vas au paradis. Quand je lui ai dit ça, là, il était fortifié. Même les derniers jours de sa vie, même là, c'est lui-même qui fortifiait les gens parce qu'il était prêt dans sa tête. Il dit si Dieu veut, il me guérit. Si Dieu ne veut pas, il ne me guérit pas. C'est pour ça, que moi, j'ai quitté quand on dit non, on a rêvé que ton avion va s'écraser. Il dit il n'y a pas de problème, je m'en vais. Et puis, avant de monter dans l'avion, il a dit Seigneur, au moins au ciel, là, je suis à côté de toi. Voilà. Donc, je te donne ma vie, je, te, je me confie en toi. Même si l'avion s'écrase, là, moi, je vais au ciel. Parce que quand je monte dans l'avion, là, avant que le pilote ne décolle, là, j'ai fait la paix à Jésus. Même si j'avais fait, j'ai refait. Avant de monter, là, quand on dit préparez-vous pendant que les gens sont en train d'attacher leur ceinture, en train de manger des chiffres, c'est réadmettre les filles qui vont regarder. Moi, je commence à régler mes comptes à Jésus. Je dis, Seigneur, pardon. Aujourd'hui, là, si, si, si ça va être comme ça, je sais que ça ne va pas arriver, mais au moins si je meurs, je vais au ciel. Seulement, il ne faut pas oublier ma famille. Un enfant de Dieu doit avoir l'assurance de sa victoire. Et je veux que tu rentres dans cette prière avec l'assurance de ta victoire. Je veux que tu dises à Dieu, j'ai l'assurance de ma victoire. Pleure là, ça a déjà changé quoi Vous entraînez, on dirait, se parler d'un funérail chinois. Pleur a, pleur a déjà changé quoi J'ai dit, oh, la peur a déjà changé quoi Pleur a déjà changé quoi Plainte a déjà changé quoi Expliquer ta vie aux gens a déjà changé quoi Dis-moi. Tu perds ton temps, tu, tu gaspilles même ton énergie. Faut, faut, faut me dire ça. J'ai dit, oh, la peur a déjà changé quoi L'inquiétude a déjà changé quoi Le doute a, a déjà changé quoi Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, mais tu crois en rien. Tu crois en rien, tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois même pas en la parole de ton pasteur, tu veux quoi même? Tu, veux, tu es venu chercher quoi là? Dis à quelqu'un, si tu n'as pas compris ça aujourd'hui, c'est que toi, ton calme, on va régler quand Jésus revient. Donc regarde-moi bien et puis il faut me dire. Tu t'inquiètes, tu te plains, tu boudes le monde, tu stresses, tu paniques, tu tremblotes là. Ça change quoi? Il faut me dire. Depuis que tu es là en train de greloter comme quelqu'un qui a paludisme en Côte d'Ivoire là. Ça a changé quoi Depuis que tu pries, tu pries, tu pries, tu crois, tu crois en rien, tu crois même pas en Dieu, tu crois même pas en... Ça dit, toi-même, ta propre parole, tu doutes de ça. Maintenant, qui va te faire confiance Toi-même, ta propre parole, tu doutes de ça. Tu vas faire confiance à qui Alors, assieds-toi aujourd'hui, là. Et puis, bon, on va prier. Voilà. Tellement vous avez peur parfois, mais vous, vous priez Jésus car ça ne marche pas. Vous allumez bougie pour invoquer vos grands-pères. Maintenant, c'est les grands-pères. C'est les grands-pères qu'on invoque. On prie le Dieu des ancêtres. Il faut t'asseoir ici, on va prier. Tu vas demander pardon à Dieu de ne lui avoir pas fait confiance. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Il y a des gens qui ont déjà envoyé l'argent au pays. Les parents n'ont qu'à aller consulter les féticheurs pour eux. Honte à vous qui ne faites pas confiance à Jésus. Tu vas t'asseoir et puis on va prier. Tu vas dire à Jésus, je te demande pardon. Avant de rentrer dans ce moment de prière, tu vas lui dire, Seigneur, moi, je demande tout simplement pardon pour mes péchés. Tu vas lui dire, Seigneur, je suis désolé de ne t'avoir pas fait confiance. Tu vas lui dire, je sais que parfois moi-même, je suis dedans. Tu vas lui dire, Seigneur, je suis désolé. Je suis désolé pour mes péchés. Je suis désolé de m'être bloqué. Je suis désolé de m'être lié. Tu vas lui dire, je suis désolé de ne t'avoir pas fait confiance. Tu vas lui demander vraiment pardon. Pardon pour tes péchés. Tu vas lui dire, Seigneur, je sais que personne sur terre n'est juste. Je ne peux pas me permettre de faire passer pour quelqu'un qui est juste. Ta parole déclare que si quelqu'un dit qu'il n'a rien fait de mal, il fait passer Dieu pour un menteur. Si quelqu'un dit qu'il agit bien, qu'il est parfait, il fait passer Dieu pour un menteur. Bien aimé. Arrêtons de nous frapper la poitrine. J'entends des femmes qui m'appellent, disent non, pourtant je n'ai rien fait, ma soeur. Arrête de te mentir. Si tu n'avais rien fait là, Dieu n'est pas bête. Voilà. Tout simplement, tu ne veux pas reconnaître ce que tu as fait. Je vais te le dire aujourd'hui là. Peut-être que tu, tu ne sais pas que c'est un péché. Voilà. Dieu n'est pas bête. Donc aujourd'hui là, tu t'assois et puis tu demandes pardon. Pour ce que tu crois être ta, une vie parfaite et puis qui te bloque là. Assieds-toi, on va gérer ça. Dis à quelqu'un, assieds-toi tranquille, on va régler ça. Donc voilà, tu vas dire à Dieu, je suis désolé. Ta parole déclare que les voix d'un homme sont parfaites à ses yeux. Les voix d'un homme sont parfaites à ses yeux. Les actions d'une personne sont parfaites à ses yeux. La façon de parler d'une personne sont parfaites à ses yeux. La façon de marcher d'une personne sont parfaites à ses yeux. La façon de vivre avec les autres d'une personne sont parfaites à ses yeux. Mais Père, ta parole déclare que c'est l'éternel qui pèse les cœurs. Seigneur, ta parole déclare que si nous agissons bien, tu nous béniras. Tu disposeras même le cœur de nos ennemis. Père, je suis un pécheur. Quant à ceux qui pensent qu'ils sont parfaits là, tant pis pour eux. Seigneur, pardonne-moi. Moi, mes péchés. Pardonne mes faiblesses. Pardonne mes erreurs. Pardonne mon comportement. Seigneur, je ne suis pas un homme juste. Je suis un pécheur, je suis un menteur, je suis un voleur, je suis je ne sais quoi, je suis tout ce que les gens peuvent penser que je suis. Seigneur, j'accepte parce que je suis un homme imparfait, avec beaucoup de défauts, toujours jugé et critiqué en cachette. Et je reconnais que je suis un homme imparfait. Alors Seigneur, pardonne mes péchés, bien aimé, ouvre la bouche et prie. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi même de t'avoir volé. Voilà, parce que depuis mon enfance, Père, tu m'as béni. Mais je ne payais pas ma dîme et je ne donnais pas d'offrande. Je sais que j'étais volé. Pendant des années, Père, j'étais volé. Voilà. Tu m'as béni, mais je ne savais pas ce qu'il fallait faire. Tu m'as aidé, tu m'as sauvé, jamais je n'ai posé d'acte. J'ai eu du boulot, jamais je n'ai donné d'action de grâce. J'ai eu du boulot, du boulot, des opportunités, jamais, Seigneur, je n'ai donné euh, des prémices. J'ai été un voleur à tes yeux, un menteur, un escroc à tes yeux. J'étais escroqué. Seigneur, nous t'avons prié, nous t'avons demandé des choses, nous t'avons fait des promesses, mais après que tu nous as exaucés, nous avons oublié toutes nos paroles. Nous sommes des menteurs. bien mais tu vas demander pardon à Dieu. Pardon à Dieu pour toutes les fois que tu lui as menti. Pardon à Dieu pour toutes les fois que tu as fait des promesses que tu n'as jamais exaucées. Au dernier jour, la parole de Dieu déclare que chacun rendra compte pour ses actes, pour ses paroles. Amen. Et moi, en entrant dans les détails, c'est pour t'ouvrir l'esprit. Quand tu entends, au moins tu te souviens de quelque chose. Bien-aimé, si on te dit repentons-nous là, alors que ce n'est pas spécifié, ce n'est pas détaillé là, tu peux faire une repentance qui est plate. Amen. Tu peux faire une repentance qui est plate. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire une prière, une prière redoutable, une prière puissante. Amen. La parole de Dieu déclare en Matthieu 3, verset 7 à 9, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de saducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas, vous, ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour Père, car je vous le déclare, que c de ses pierres, si Dieu peut susciter un enfant à Abraham, bien aimé, ici la parole de Dieu nous dit des produits, des, des fruits dignes de la repentance. Vous et moi, vous savez que ce n'est pas pour juger quelqu'un que je le dis, mais je le dis parce que la parole de Dieu le dit. Longtemps on a dit qu'on ne sait pas pourquoi on souffre. Longtemps on a dit qu'on ne sait pas pourquoi on est bloqué. Longtemps on ne sait pas pourquoi on est en retard. Bien aimés aujourd'hui là, il y a des femmes à qui tu peux pas parler de dépouillement, elles vont t'insulter. Il y a des gens à qui tu ne peux pas parler d'habillement mondain. Elles vont t'insulter. Si tu dis la vérité, on te condamne et on te fuit. Pourtant, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Or, certaines vérités n'ont pas pour but de vous faire du mal. C'est la vérité que je vous dis. Certaines vérités ont pour but de vous ouvrir les yeux sur la raison pour laquelle vous priez, mais vos prières sont sans effet. Pour être honnête avec vous, quelqu'un qui vous aime là, est-ce qu'il va vous dire des vérités par rapport aux choses que vous devez abandonner pour que votre vie avance? Pardonnez-moi de le dire. Il y a des gens qui viennent sur Internet, assis, beaux gosses, beaux visages, belles cravates, beaux habits. Ils t'ont une fois dit de quitter le péché pour que tu ailles au ciel. Ils s'en foutent. C'est juste des messages de flatterie, de motivation. Bien-aimé, tu vas aller au ciel. Bien-aimé, tu vas être marié. Oh, ben, je vois que Dieu. Oh, je vois un bouteille de mariage. Mais nous savons. En vérité, que le pécheur ne prospère jamais. Ça, le diable même est au courant. Vous savez pourtant que la parole de Dieu déclare que celui-là qui ferme l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Ça sert à quoi que je me mette en cravate pour venir vous mentir en vous faisant que vous serez béni, alors que ça fait des années que vous traînez les mêmes habitudes et caractères, impudicité, mensonge, orgueil, division, querelle, rancune, haine et une vie de mensonges de faux, de faux usage de faux, on fait des faux papiers pour, 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 pour trucs et on se marie, on fait de faux mariages. On, on, vit, on vit dans une vie à risque. Et puis nous, on dit qu'on est vos pasteurs, on vous aime, on veut votre argent, mais on ne vous dit pas la vérité pour que vous soyez sauvés. Sur tout peut sembler être une aide, mais demain, vous saurez que on a fait semblant de vous mentir, mais on ne vous a jamais aidé en réalité. Vous, avez, vous nous avez donné votre argent, mais on ne vous a jamais réellement aidé. La meilleure façon de vous aider, c'est de vous encourager à abandonner ce qui fait que Dieu ne vous écoute pas. Bien-aimé, je ne prétends pas être le meilleur des pasteurs. Mais bien aimé, ça fait des années que tu traînes tes problèmes partout. Ça fait des années, ma soeur, tu traînes ton même mari de nuit. Ça fait des années, tu traînes tes mêmes problèmes. Ça fait des années tu traînes ton même caractère. L'une des choses que tu n'as jamais réussi à faire, c'est d'échanger pour que Dieu te donne une nouvelle vie. Parce que quand le diable te maintient dans une position là, lui il prend ta vie et juste à ce que tu quittes dans la position que le diable t'a donnée, tu ne rentres pas dans le plan de Dieu. Tu vas faire cette prière avant de continuer. Dis avec moi, Seigneur, que tout ce que l'ennemi veut introduire dans ma vie afin de changer mon destin soit brisé. Seigneur, enlève de ma vie les habitudes qu'ils ont introduites dans ma vie en échange de mes destinées. Seigneur, enlève de ma vie les caractères, les péchés qu'ils ont introduits dans ma vie en échange de mon, de mon destin. Tout ce qu'ils sont en train de faire pour changer ma destinée soit nul et sans effet. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est la vérité que je vous dis. Juste à ce que vous abandonniez la volonté du diable pour Dieu ne se fera jamais dans votre vie. Tous les décès, mes bien-aimés, qui sont dans votre cœur ne viennent pas de Dieu. Le diable est tellement malin. Qu'il est capable de mettre dans ton cœur des désirs qui ne viennent pas de Dieu. Et une fois tu mords à la maison, il te vole. Ce n'est pas pour rien, vous voyez des femmes, on les vole toujours en rêve. Ta robe de mariée, là, ils ont pris ça. Parce que toi aussi, tu allais coucher un mari de quelqu'un d'autre. C'est la vérité que je vous dis. Est-ce que vous avez déjà compris la loi divine selon Apocalypse Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Est-ce que vous avez compris le sens de ce que, ce que la Bible dit? Par le mot. Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. On vous parle de la loi du retour, que les gens du monde appellent la loi du karma. Tu as menti, on te ment. Tu as volé, on te vole. Tu as couché avec le mari de quelqu'un. Le diable prend ton mari aussi pour aller donner à une autre femme. Tu as couché avec la femme de quelqu'un. Si tu ne te réponds pas, ta femme aussi, quelqu'un va coucher avec elle. Je vous dis la vérité. Donc, quand le diable, il a encore le droit. Par rapport à, aux erreurs, aux erreurs qu'il vous a poussé à faire, que vous n'avez pas encore contesté. Il ne libère pas ta vie. Il a ce qu'on appelle en combat spirituel ou dans la vie spirituelle, un droit légal. Et quand on parle de droit légal, c'est quelqu'un qui a une autorité, une autorité que même Dieu respecte. Voici pourquoi vous allez remarquer qu'en Proverbe, Dieu nous dit que si tu as donné ta parole à un homme, tu as donné ta parole à ton prochain, tu t'es engagé. Tu t'es tu, tu tu cautionné pour autrui. La Bible dit, si tu te rends compte que c'est une erreur, par exemple, tu as promis ta vie à un homme en lui disant que de toute ton existence, tu n'appartiendras à personne d'autre que tu n'aimeras que lui. La Bible dit, une fois que tu te rends compte que c'est une erreur fatale, tu vas faire des instances. La Bible dit, ne laisse ni sommeil à tes yeux. La Bible dit, ne ferme même pas tes yeux. Ne passe même pas une nuit pour ça. Va bah, lui dire. Je t'ai promis que toi et moi, c'est juste à ce que la mort nous sépare. Mais comme ça n'a pas marché et je vois que ça va mal, je déclare désormais, je retire ma parole. Et la Bible dit que tellement ça là, c'est puissant et fort, tu peux te bloquer, tu peux te verrouiller, tu peux sceller ton destin avec cette parole, ta promesse, ton vœu. Donc la Bible dit, ne donne ni sommeil à tes yeux. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu ne dois pas laisser traîner pendant des années pardonne-moi de le dire, mais pour toi là, tu as traîné avec ça pendant des décennies et tu traînes avec ça. Ma soeur, pardonne-moi de te le dire et d'être franc avec toi parce que vous autres là, quand on fait, quand on veut dire la vérité là, ça vous énerve et vous vous sentez visé. Mais si quelqu'un t'aime, il te dit ce qui va te faire avancer ou il te ment pour te maintenir dans, dans ta souffrance. Regarde-moi ma soeur, mon frère, ça fait des années tu traînes d'église en église. Dieu est dans sa parole. Il dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il dit même dans sa parole, produisez des, des vrais sacrifices. C'est lui qui dit ça. Il dit, produisez des vrais sacrifices. Mais bien aimé, je vous ai insulté. Aujourd'hui, là, le sacrifice que Dieu approuve, c'est le sacrifice de quelqu'un qui a donné sa vie à Dieu. Le sacrifice de quelqu'un qui veut s'engager avec Dieu. C'est ce qu'on appelle le sacrifice de bonne odeur. On sait que Dieu a refusé le sacrifice de Caïn parce que Caïn faisait le sacrifice à dessein, mais pas parce qu'il servait Dieu. Mais la Bible déclare que Abel a fait un sacrifice agréable à Dieu. Et Dieu aussi aurait aimé que tu lui fasses des sacrifices agréables. Pardonnez-moi de le dire. Dieu aurait aimé qu'on lui donne des sacrifices agréables parce qu'on a résolu de nous donner ces sacrifices. Parce qu'on a résolu qu'il nous bénit ou pas, on lui donne ces sacrifices. Pardonnez-moi de le dire encore. Mais votre sacrifice, c'est pourquoi? Ce n'est pas des sacrifices de manipulation. Je ne suis pas en erreur. Je ne vous gronde pas. Mais je veux tout simplement que vous ouvrez vos yeux. Parfois, on vous ment, parfois on vous manipule. Vous ne vous ouvrez même pas les yeux. Pardonnez-moi, mes bien-aimés. Comme le Seigneur veut que je le dise. Vous croyez que vos sacrifices là, votre façon de faire les sacrifices à Dieu, Dieu approuve ça? Vous avez fait plein de sacrifices à tous les pasteurs que vous aviez rencontrés, mais votre vie est bloquée. Ma bien-aimée qui m'écoute, mon frère qui m'écoute, Dieu ne veut pas que le sacrifice que tu lui donnes là soit un sacrifice de manipulation. Ma soeur, Dieu ne voudrait pas que ta dîme soit une dîme de manipulation. Dieu ne voudrait pas que ton action de grâce soit une action de grâce de manipulation. Il faut que nous, les serviteurs de Dieu, nous ayons le courage de vous dire la vérité. Même si ça fait mal, même si pour ceux qui aiment la facilité, ils préfèrent nous fuir pour aller payer des pasteurs en espérant avoir la bénédiction. Moi, je me tiendrai toujours sur l'autel de Dieu et je vous dirai la vérité. Ceux qui ont des oreilles entendront, ceux qui sont vendus par le diable refuseront d'entendre. Ça sert à quoi que je vienne m'asseoir de vous dire de venir bâtir des hôtels. Alors que chez vous, à la maison, vous n'avez pas d'hôtel de prière. Ça sert à quoi De te mentir. On n'a pas besoin de, de que tu viennes bâtir un hôtel. Ce dont on a besoin, c'est du sacrifice de ton hôtel. Tu as un lieu de prière où tu te mets à genoux. Tu soumets ta situation à Dieu pendant des heures, pendant des années. Quand ton sacrifice d'hôtel atterrit chez le pasteur, ta prière est déjà montée au ciel. Je le dirai que tous les pasteurs qui m'en veulent, bien aimé, aujourd'hui Dieu m'a montré qu'on aura une attaque cyber, un cyberattaque. Pas des gens qui se cachent pour nous écouter, qui ne sont pas d'accord. Ils vont essayer de faire couper la vidéo. Mais je suis préparé à ça. Je suis préparé à ça. Et d'ailleurs, on aura notre chaîne télé d'ici quelques mois. Donc, bien aimé, ça sert à quoi Au lieu que je te dise comment avoir la relation, parce que ce n'est pas moi, mes paroles qui vont te bénir. Si tu as la vie, ça va te bénir. Mais je veux que chez toi, à la maison, la présence de Dieu soit là. Pour que ta maison a il la faveur Pour que ta maison a il la grâce Excuse-moi, parfois tu vis dans l'impudicité, dans la masturbation. Tu te donnes aux hommes qui te traitent comme une poufiaste, qui ne te respectent même pas. Ta bouche, tes oreilles, ton nez, ils mettent leurs trucs partout, comme si tu étais un torchon dont on veut se servir. Comme si tu étais un orger banal qu'on veut presser, sucer et vider, puis on va jeter. On ne te traite même pas à la dignité. Et quand tu as des problèmes... Et des blocages à cause de ta, ta vie de désordre. Les pasteurs, au lieu d'ouvrir la bouche pour te dire, ma soeur, aie un hôtel de prière chez toi, aie la présence de Dieu chez toi, un aie une relation avec ton Dieu, améliore ta vie parce que c'est dans ces conditions que Dieu bénit une personne. Et puis ils sont là, ils ouvrent la bouche pour venir te dire, il faut venir bâtir un hôtel. C'est écrit où dans la Bible Va prendre ta Bible et tu viens me montrer dans quel passage biblique. Il est écrit que vous devez vous promener chez vos pasteurs pour bâtir des hôtels alors que votre vie de prière est nulle, alors que votre relation de, avec Dieu est nulle. Un hôtel de prière, c'est dans votre maison. C'est le sacrifice de l'hôtel qu'on donne aux pasteurs. On a d'abord une relation avec Dieu. On a d'abord une marche avec Dieu. On lit d'abord sa parole. On soumet déjà des problèmes à Dieu à travers le sacrifice et, et l'hôtel. On dépose là et on dit à Dieu Tu as dit que c'est lui qui apporte. Un verre d'eau ne perdra pas sa bénédiction. Je vais apporter un verre d'eau à ton serviteur. Je vais soutenir son ministère. Et le véritable hôtel que tu dois bâtir, c'est la contribution au bâtissement de quelque chose. Et là, Dieu se souvient de toi. S'il vous plaît, si vous croyez que je mens, demandez à la porte à Kokanjo, Quand il était sorcier, ils ont cherché à tuer une femme. Ils n'ont jamais pu tuer la femme. Même le diable a essayé, il n'a pas pu. Parce que la femme a acheté, a vendu sa télé pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Et toujours, son sacrifice était devant Dieu. Ils ont essayé de la tuer, ils n'ont jamais pu la tuer. Pourtant, ce n'était pas une servante de Dieu, rien qu'une chrétienne. Dieu a vu ça comme un hôtel. Un sacrifice qui a quitté sur ton hôtel de prière. Seigneur, je n'ai rien, mais je vends ma télé pour soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu s'est souvenu de ça jusqu'à même à présent. Donc, on prend la parole de Dieu, on tort Et puis quand tu parles, les gens, ils te jugent, ils te critiquent. Et depuis que... Dis-moi si je mens. Ta vie de prière est nulle. Ta vie de prière est moche. La paresse est en train de te tuer. La distraction. Et depuis qu'on te bourre les oreilles, c'est mensonge que tu as avalé depuis des années. Au lieu qu'on te dise arrange ta vie, prie Dieu, reste dans les conditions pour que Dieu puisse te bénir. Au lieu qu'on te dise la vérité, tu es allé où est ça c'est un peu comme tu as un problème, tu vas voir des gens qui doivent te dire la vérité pour que ta vie avance, et puis on t'enfonce dedans avec des mensonges. Si j'ai menti, dis-moi. Donc, bien aimé, ça sert à quoi qu'on vole Dieu? Et puis c'est au moment où on a des problèmes, on vient sous prétexte qu'on veut venir payer dîme. Depuis que tu es né là, tu ne savais pas que tu devais payer dîme. Depuis que tu es né là, tu ne savais pas que tu devais poser une action de grâce. Depuis que tu es né là, tu ne savais pas que tu devais servir Dieu avec tes biens. Et d'ailleurs, même comme je le dis depuis des années, quand tu viens comme ça, là, tu n'es même pas digne même d'ouvrir ta bouche pour dire que tu es venu faire une offrande à Dieu pour qu'il te délivre. Tu dois d'abord dire, je suis venu faire une offrande à Dieu parce que je lui ai volé pendant des années. J'ai ignoré pendant des années. Donc, quand vous venez comme ça, là, vous devez venir pour vous réconcilier avec Dieu. Vous devez venir pour marcher avec votre Dieu. Vous devez venir pour servir votre Dieu parce que ça fait des années qu'on lui vole, qu'on lui ment et autres, et quand on vient devant Dieu, on ne nous donne même pas le temps de prier, on ne nous donne même pas le temps de nous repentir. dès que tu rentres en vidéo, feu, feu, feu et puis après toute l'église c'est toi on poursuit, parce que tu es rentré dans la vidéo là, il n'y a pas eu des moments de repentance, il n'y a pas eu des moments de réconciliation parfois tu n'es même pas converti parfois tu n'es même pas baptisé parfois tu es moitié chrétien moitié bouddhiste parfois tu es païen c'est juste la prière qui te plaît. Mais tu n'as pas encore donné ton cœur à Jésus. <laughs> Parfois, même, tu es encore musulman. On n'a rien contre les musulmans, mais je dis. Parfois, tu es moitié. Parfois, tu es cato. Catholique. <laughs> eh, tes mille statues de la Vierge Marie qui sont calées chez toi. Eh, tes amulettes et tes fétiches. <laughs> et après, là, tu as venu dire non. I don't know why I pray. But God doesn't answer. Il n'a Donc, mon ami. La vérité fait mal. Ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Pour <laughs> bon, venir me trouver, on va prier. Alors, on va commencer par une sincère repentance, OK? Le jour où tu accepteras d'aller jeter tes statues là, Jésus acceptera de venir dans ton cœur. Entre-temps, continue de te mentir. Tu ne vas pas dire à Dieu qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a jamais dit ça. Moi, je dis ça et je répète. Même si tu te déconnectes là, ma, ma voix va te suivre. Ça va sonner dans ta tête pendant toute la semaine. J'ai dit, tu ne peux pas mentir à Dieu pour dire non, je ne savais pas. <laughs> tu sais. Moi, je prends le risque de te dire ça. Même si je sais que tu vas me bloquer, je le dis en même temps. Donc, mon ami, il ne faut jamais te dire à Dieu non, je ne savais pas que maquillage n'est pas bon. Je ne savais pas que faux cheveux n'est pas bon. Seigneur, elle sait, elle a entendu. Elle a décidé tout de même d'ignorer. Seigneur, elle sait, elle écrit son nom. Elle sait, les tu là. Les rebelles spirituels, là, elles savent. Celles-là qui ne se soumettent jamais à un seul père spirituel, là, celles qui sont connectées. Elles savent. Mes collègues voleurs, là, ils sont connectés. Nous, là, on te vole en dîme en offrande. Nous, là, on te vole en temps. Nous, là, on te vole, là. Ils sont connectés. Donc, le Seigneur a écrit le nom de tout le monde. Il n'y a pas de « Oh my God » ici. <laughs> « Oh my God ».« Oh my God » quoi faut te répentir, on va avancer. Donc, si tu es content, on va avancer. C'est affaire-là qui est affaire là. Qu Des pasteurs peureux, vous ouvrez la bouche. Au lieu de prêcher la parole de Dieu, vous cherchez maïs. <laughs> vous cherchez riz. Vous cherchez bouteille de vin. Vous croyez que bouteille de vin, là, si on fait bien le travail de Dieu, elle ne va pas toucher les cœurs. Les chrétiens n'ont qu'à être avares, mais tout le monde n'est pas avare. Donc, mon ami, il faut te mettre là. On va prier. Tu vas demander pardon à Dieu. <laughs> qui est en train de te chercher? Jean-Claude, tu vas où? <laughs> Jean-Claude, tu vas où? Il faut venir t'asseoir, on va prier. Arrête de te sauver. Tu t'assois ici. Pasteur Florent, faut dire à Jean-Claude, il va venir t'asseoir on va prier. Donc, mon ami, on prend la parole de Dieu et puis on joue à ça. Non, il n'y a pas de haï. assieds toi on va prier. Donc, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon. Voilà. Tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon. Pardon, si ta famille te combat là, il faut, faut te répentir. <laughs> Répands-toi sincèrement. Ils ne pourront plus rien contre toi. Moi-même, on me combat. Donc pour toi, là, tu gardes là-bas et puis chacun va gérer pour lui. Alors, tu vas demander à Dieu pardon. Tu vas lui dire, Seigneur, je suis désolé. Je suis désolé parce que j'étais t'ai menti. Je suis désolé parce que je joue avec mon temps. Je suis désolé parce que je suis une balance fausse. Je suis désolé parce que je pense plus à mes propres intérêts, le travail, l'argent, aller au travail, plutôt que de t'accorder ne serait-ce que quelques minutes de mon temps. Mais lorsque ça ne va pas là, je te connais. Dis-lui Seigneur, je suis désolé parce que je suis hypocrite envers toi hypocrite envers ta parole. Je n'ai jamais le temps de prier, mais ça ne va pas. Je suis prêt à prendre des jeunes pour mes intérêts. Amen. Aujourd'hui, je veux que tu découvres la puissance de la prière fervente. Ma soeur, mon frère, vous voyez des jeunes hommes qui souffrent, des jeunes femmes qui souffrent. Il y a des choses que l'ennemi a introduites dans votre vie et qui vous empêchent d'avancer. Vous devez les enlever aujourd'hui. Vous savez, vous êtes des appelés de Dieu, des choisis de Dieu et des élus de Dieu. Contrairement à ce que vous croyez, vous êtes des êtres spirituels, plus spirituels que physiques. Or, oh, pour, pour des êtres spirituels qui vivent dans des corps physiques, la loi divine doit être respectée pour que vous puissiez impacter le monde. Si la parole de Dieu n'est pas respectée dans son entièreté, on lutte mais on n'avance pas. Et chacun a une loi qui ne doit pas violer. Et le Seigneur établit des lois pour chacun d'entre nous. Il y a des femmes qui doivent jamais boire d'alcool à cause de l'esprit de Dieu qui est en toi. Même le parfum de l'alcool te rend ivre et te fait perdre le contrôle. C'est pour ça que certains ne, ne font que goûter et ils ne peuvent pas parce que tu es consacré d'avance. Il y a des gens qui doivent tout simplement se garder de la souillure. Tout le monde peut aller vivre dans la débauche mais toi, le jour que tu te donnes ne serait-ce qu'à un seul homme. Une seule femme. Tu n'as que des malheurs et des souffrances. Parfois, il suffit seulement même d'avoir une conversation à caractère, ce que tu sais déjà, que toute la semaine, tu es attaqué. Parce que tu es un élu de Dieu, ce qui le diable veille, cherchant des moindres détails pour eux, même dire à quelqu'un des mots qu'il ne faut pas, déclenche des attaques. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Ce que l'autre fait, et puis tu copies dessus, il fait et puis il prospère. Toi, quand tu fais, tous les malheurs sont sur ta vie. Alors, on est sur Terre, mais on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes pour suivre les autres. On n'est pas les mêmes. Chacun a sa consécration. David a eu sa consécration. Jonas a eu sa consécration. Et en fonction de la consécration de chacun, selon le plan de Dieu, Dieu avait établi des limites et de ça, ne le fait pas. Ça, ne mange pas. Toutes nos familles africaines ne font que copier dans la Bible ce qui est écrit. Voici pourquoi toutes vos familles consacrées au diable on dit, ça, tu ne manges pas, c'est ton totem. Toutes vos familles consacrées aux rivières, on dit, tel jour, tu ne vas pas au champ. Tel animal, si vous mangez, vous ne brûlez pas les eaux. Telle chose, vous ne devez pas faire. Tel jour, ta mère ne doit pas aller au champ. Elle doit s'habiller en blanc parce qu'il y a un esprit qui vient. Ils ont copié tout ce qui est dans la Bible. Mais pourquoi n'ouvrez-vous pas les yeux pour savoir que ce qui est dans la Bible... C'est pour vous permettre de vivre bien. Donc, tu dois te joindre à moi pour dire à Jésus, Seigneur Jésus, lave-moi et purifie-moi. Parce que si l'ennemi t'attaque, c'est que tu as mangé ton totem. Et pour reconnaître ton totem, regarde en toi. Tu as beaucoup de qualités dans beaucoup de domaines. Mais il y a cette chose-là qui est comme ta faiblesse. Et si tu, te, tu peux reconnaître ta faiblesse, c'est ce que tu dois surmonter. Parce qu'en dehors de cette faiblesse, ils ne peuvent jamais t'avoir. C'est leur arme fatale qui est là. C'est leur point fort qui est là. Toi, pour toi, c'est ta faiblesse. Mais pour eux, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux dire tout ce que tu veux. Tu peux résister en toute chose. Mais toi, ta faiblesse, là, c'est ça. Pour certaines femmes, ta faiblesse, ce sont des hommes. Tu n'as pas la capacité à dire non à un homme. Parce qu'ils savent que toi, là, c'est que Dieu a déposé en toi, là. Il faut ça là pour gaspiller ça. Et voici comment tu as gaspillé ta vie. En vendant tes grâces à tous les hommes. Tous les hommes à qui tu as écouté, tu as couché. Certains sont devenus des ministres, des PDG. Et toi, tu es resté pauvre et misérable parce que le diable veut que tu gaspilles ton onction. Tu gaspilles ta grâce, tu gaspilles ta faveur. Il y a des hommes aussi ces femmes. Certains ils ont fait des recherches, ils savent que pour toi c'est l'alcool. Pour d'autres, ils savent que dans votre famille là, la seule chose qui peut vous avoir, c'est la colère. Voici pourquoi ton mari et toi, colère, dispute, ça quitte où Vous ne savez pas. Ça commence comment Vous ne savez pas. Comment ce qui est sûr? vous savez que c'est ce qui vous domine le plus. Et en analysant ce qui vous domine le plus. Vous allez remarquer que les femmes qui ont une langue autorisée, les gens que, même s'ils disent bonjour à Dieu, Dieu répond. Même s'ils demandent quelque chose à Dieu sans réfléchir, Dieu répond là. L'ennemi a fait quoi Il met dans leur bouche la médisance. Le diable va faire de toi une experte en médisance. Celles-là qui ont des grandes destinées et des grandes étoiles, le diable va te donner quoi Le bavardage. Ça dit que toi, ils savent que tu es né pour des grandes choses mais on te rend bavard. Ta bouche, ça parle on dirait machine à coudre. <laughs> et comme ça, ça les arrange. Parce que dès que tu entends la nouvelle, deux minutes après, tout le monde est au courant. Là, ils savent ce qui arrive dans ta vie et puis tu es bloqué. Donc, vous allez comprendre qu'ils sont tellement malins qu'ils exploitent les faiblesses de chacun selon son potentiel. Ceux-là qui ont le don d'entendre Dieu. Tu vas voir, tu as seulement que des associations, des commérages qui bourrent tes oreilles. Ceux, celles-là qui ont la, les dons des visions, tes yeux-là, c'est braqué sur des films et des affaires qui ne te regardent pas. Parce que l'ennemi sait que le jour où tu vas ôter tes yeux de ces saletés, tu vas commencer à avoir des visions. Avant même, tu avais des visions. Tu avais des rêves clairs. Et maintenant que tes yeux se promènent dans le pantalon de tout le monde-là, tes visions sont passées où Depuis que tes oreilles, là, tu es au téléphone. Allô Parfois, même tu oublies que tu as ramassé le téléphone. Oui, eh, tu m'aimes. Moi aussi, je t'aime. I love you. Yes, I miss you. OK, yeah. Ah, my darling. Depuis là, tu entends quoi? Ça fait des années que tu dis à Dieu dans de parler par rapport à ta destinée. Tellement tes oreilles sont bouchées maintenant. Il tu, tu, y a des gens qui disent J'ai entendu Dieu. Toi-même, tu sais, tu dis On entend Dieu comment même? <laughs> Dieu même, il parle comment? Nous, on l'entend. Et toi, tu ne peux pas l'entendre parce que déjà tes copains ou tes copines ont déjà bouché tes oreilles. Là, les I love you. Là, hein? tes I love you qui ne sont jamais concrétisés. Là. Hein? Donc, tu comprends un peu. la love you qui ne se concrétise pas depuis je ne sais combien d'années. là. Donc, tu comprends pourquoi le diable est malin. Alors, si tu es malin, tu vas dire à Jésus de te laver les oreilles, de te déboucher les yeux et de te purifier. Voilà, on veut les vrais I love you. Ce n'est pas les mensonges de tous les jours. Alors, mon ami. Mets-toi à genoux, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je veux vraiment que mes prières soient ferventes. Voilà. Comment même? Ferme les yeux, on va prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, lave mes oreilles. Éternel Dieu Tout-Puissant, vraiment, j'ai besoin de toi. Tu vas lui dire, Seigneur, lave ma bouche. Voilà. Tu vas lui dire, Seigneur, purifie mon cœur, mon âme, mon esprit. Amen. Tu vas lui dire, Seigneur, j'ai besoin d'être sanctifié. J'ai besoin d'être purifié. Dis-lui Seigneur, moi j'ai besoin d'être lavé, nettoyé, brossé, ciré, parfumé dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, lave tes enfants et purifie-les dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, apprends-nous à faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on pense, à ce qu'on voit, pour que nos yeux, nos cœurs, nos âmes, nos mains soient purifiés. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de ta puissance dans la prière. Nous avons besoin de ton onction et nous avons besoin de ta grâce. Nous avons besoin de ta puissance redoutable. Seigneur, lave-nous au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas demander à Dieu de laver ta vie. Je dit, peu importe ce qu'ils ont dit dans ton dos. Peu importe ce qu'ils ont fait, peu importe qu'est-ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, tu vas dire à Dieu de te laver et d'enlever tous les dépôts de tes ennemis. Tu lui dis Seigneur Lave-moi et enlève tous les déchets, les dépôts et les souillures de mes ennemis. Tout ce qu'ils ont déposé dans mes pensées, dans mon corps, dans mon ventre, soit consumé et détruit. Soit détruit. Toutes choses qu'ils ont déposées, Alléluia, dans nos corps, dans nos pensées, dans nos âmes, soit consumées au nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont mis sur nous, les déchets et les choses négatives, les voiles, tout ce qu'ils ont mis sur nous, soit détruit. Nous détruisons les œuvres de l'ennemi. Nous détruisons les déchets de l'ennemi. Nous détruisons les envoûtements de l'ennemi. Nous détruisons tout ce qu'ils ont fait pour mettre la séparation entre Dieu et nous. J'ai détruit toutes les semences de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a déposé dans ma vie, tout ce que l'ennemi a déposé dans nos bouches et dans nos corps. Tout ce que l'ennemi a sémé dans nos vies pendant notre sommeil soit consumé au nom de Jésus. J'ai détruit toutes les semences de l'ennemi. J'ai détruit tous les problèmes de l'ennemi. J'ai détruit tout ce qu'ils ont sémé dans nos corps, dans nos vies, dans nos âmes, dans nos esprits, pour pouvoir nous bloquer. Que le sang de Jésus lave nos vies au nom de Jésus. Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, nettoie-moi. Seigneur, nettoie-moi. Pour que mes prières soient puissantes. Seigneur, lave ma vie, lave mes yeux, mes oreilles, mon cœur, mon âme, mon esprit. Purifie-moi. Purifie-moi pour que je te sois agréable. Seigneur, lave mon cœur, lave mon âme. Lave ma vie, lave mon âme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu vas prier. Mais je te donne un petit conseil. Pendant qu'on prie, arrête d'écrire. Après la prière, tu peux mettre tous les commentaires. Et d'ailleurs, je t'invite à faire quoi Je t'invite à partager. Vous savez, nous, nous recevons beaucoup de cyberattaques, des gens qui signalent parce que ça les énerve de voir des gens prier, des gens qui veulent qu'on coupe notre chaîne. Il y a beaucoup d'attaques. Donc, bien aimé, je t'invite à, à partager, à mettre beaucoup de cœurs, et on va reprendre la prière. Tu vas demander à Dieu, à Dieu de te fortifier. C'est très important de demander à Dieu de te fortifier. Vous savez pourquoi? Si vous ne priez pas, l'ennemi va vous faire la même chose qu'il fait. Mais bien aimé, pourquoi on doit demander à Dieu de nous fortifier? Chaque jour, faites cette prière. Seigneur. Que toute parole envoyée pour me, pour me faire du mal soit nulle et sans effet. Que toute provocation soit nulle et sans effet. Tout âme forgée contre moi soit nulle et sans effet. Frère, vous allez voir, ça va marcher. Un jour, mon pasteur nous avait enseigné une prière que voici Que toute flèche spirituelle tirée contre moi dans le monde spirituel tombe et meurt. Ce qui ressemble à une prière banale a eu une efficacité incroyable. Effectivement, une nuit, j'ai fait un songe et je voyais un homme qui tirait des flèches contre moi. Il était arrêté en Côte d'Ivoire et moi, j'étais arrêté devant la maison de mon grand frère. Il a tiré au moins à trois, quatre reprises. Toutes les flèches qu'il a tirées contre moi sont tombées et ne m'ont jamais atteint. Vos paroles ont de l'efficacité. Vos prières ferventes ont de la puissance. Mais vous devez prier aussi simple que la prière est. Bien aimé, aussi oh, simple, Dieu, Dieu écoute. Votre parole agit. Avant de faire cette prière, un jour, j'avais aussi fait une prière. Tout sorcier qui poursuit mon âme glisse et tombe dans le nom de Jésus. Tout voleur spirituel qui vient pour me voler. Au nom de l'Éternel, je te le donne. Glisse et tombe. Frère, je te le dis et le Seigneur m'entend, je ne peux pas jurer, mais vous savez que j'ai dit la vérité. J'ai fait un songe où j'avais une belle moto. Un voleur est venu prendre. Au moment où il voulait fuir avec la moto, il a glissé, il est tombé et il s'est enfui sans la moto. Dans le songe, j'ai commencé à rire. C'est là que j'ai compris que... La prière fervente du juste a une grande efficacité. Un autre jour, j'ai prié. Tout avion satanique qui vient de mon village pour me combattre, je te le donne. Écrase-toi et brûle tout, tes occupants. Malheur pour les sorciers. Ils ne savaient pas que quelque chose les attendait. Quand ils ont décollé leur avion, l'avion s'est écrasé. Tous ont été brûlés. La prière fervente du juste. A une grande efficacité. Ma sœur, la parole de notre Dieu dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Aussi courte et simple qu'elle soit, elle a une grande efficacité. Qu'est-ce qui empêche tes prières d'être puissantes Qu'est-ce qui empêche tes prières de monter à Dieu Ne te fais pas passer pour une personne saine. Même moi qui suis là, chaque minute, je demande à Dieu pardon. Si j'ai dit quelque chose que je ne sais pas, pardonne-moi. Si j'ai fait quelque chose, pardonne-moi. Mais il y a des femmes qui disent, moi je n'ai rien fait, moi je n'ai rien dit, bien aimé, si tu n'as rien fait, tu n'as rien dit. Tu ne devrais pas être bloqué. Mais tu es bloqué. Voilà. Donc, au lieu de te faire passer pour madame parfaite ou monsieur parfait, là, sois humble devant Dieu en lui disant, Seigneur, si j'ai fait quelque chose, peut-être que pour moi ça paraît bien. Si j'ai un caractère, si j'ai une attitude, si j'ai une façon de faire les choses, mais peut-être que devant toi, ce n'est pas bon. Pardonne-moi, tu vas dire à Dieu que toute flèche spirituelle lancée contre moi depuis le monde des ténèbres, depuis le monde marin, tombe et meurt au nom puissant de Jésus. Que toute flèche invisible tirée contre moi depuis le camp de mes ennemis tombe et périt dans le nom de Jésus. Que toute flèche invisible, que toute flèche mystique, que tous les couteaux spirituels qui m'ont été lancés. Retourne et frappe l'envoyeur au nom de Jésus. Que toute flèche de maladie, que toute flèche forgée contre mes enfants, que toute flèche lancée contre mon ministère retourne et frappe l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Que toute âme spirituelle forgée contre moi et ma maison retourne et frappe l'envoyeur. Que toute flèche, toute flèche de perturbation, toute flèche maléfique, toute flèche de maladie. Toute flèche de maladie qui m'a été lancée depuis le monde des ténèbres, tombe et brise-toi au nom puissant de Jésus. Brise-toi et tombe. Brise-toi par l'épée. Sois brisé par l'épée. Sois brisé par l'épée. Sois brisé par l'épée au nom puissant de Jésus. Que toute flèche mystique, que toute flèche diabolique qu'ils ont lancée contre moi et ma maison, contre moi et mes finances contre moi et l'œuvre de Dieu. Tombe et retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Retourne contre le cœur de l'envoyeur. Retourne foudroie, retourne et frappe que toute balle spirituelle qui m'a été lancée depuis le royaume des ténèbres. Retourne immédiatement au nom de Jésus. Frappe et foudroie l'envoyeur que toute flèche, que tout honneur, que toute foudre, que toute balle spirituelle que mes ennemis ont forgé contre moi. Contre moi et ma maison, contre moi et mon foyer, contre moi et mes projets. Au nom de l'Éternel, au nom de Jésus, je te le donne. Retourne cent fois plus fort et frappe maintenant mes ennemis avec un effet immédiat. Frappe mes oppresseurs avec un effet immédiat. Que toute flèche mystique, que toute flèche invisible, que toute flèche diabolique, que toute flèche satanique qu'ils ont lancée contre moi depuis le monde des ténèbres. Frappe mes ennemis avec un effet immédiat. Que toute flèche tirée contre mon ministère, toute balle, toute flèche, toute chose envoyée contre moi et ma maison, frappe l'envoyeur au nom de Jésus. Frappe-le, frappe-le, frappe et déstabilise. Tout envoyeur, toute balle, que tout missile, que toute bombe spirituelle envoyée contre moi, retourne immédiatement et frappe l'envoyeur. Frappe l'envoyeur avec un effet immédiat. 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 Que toute balle, que toute flèche mystique fera envoyer contre ma maison, contre mes frères, contre mes sœurs, retourne et frappe l'envoyeur au nom puissant de Jésus. Que toute flèche mystique envoyée, 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 envoyée depuis le monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois retourné par la force. Écoute-moi, au nom de Jésus, je te le donne. Retourne et frappe l'envoyeur. Retourne et frappe l'envoyeuse. Frappe l'envoyeur. Frappe l'envoyeuse. Frappe l'envoyeur. Frappe l'envoyeuse. Frappe l'envoyeur. Frappe l'envoyeuse. Frappe, frappe tes envoyeurs. Frappe 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 frappe. Que toute flèche, que toute flèche, que toute flèche envoyée contre moi. Depuis les eaux, depuis les ténèbres, depuis les montagnes, depuis les grottes, depuis la cachette de mes ennemis, retourne et frappe l'envoyeuse, frappe ton envoyeur, frappe celui qui t'a ordonné de venir contre moi, que toute flèche de mort, toute balle, toute épée, toute arme, forgée contre moi, retourne, retourne, j'ordonne, que toute flèche, j'ordonne à toute flèche, j'ordonne à toute balle, j'ordonne à toute parole, j'ordonne à toute malédiction, envoyée contre moi, de se retourner et de frapper l'envoyeur, frappe frappe, 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 toute aiguille spirituelle, toute flèche, tout couteau, toute arme mystique, toute balle, tout fusil spirituel forgé contre moi, retourne et frappe l'envoyeur. Tu ne m'atteindras pas. Frappe ton envoyeur. Frappe, 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 avec un effet immédiat. Que toute balle lancée contre moi, que toute malédiction lancée contre moi, frappe l'envoyeur et ses complices. Frappe l'envoyeur et sa descendance. Frappe, 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 frappe. Il est écrit que Dieu rend à chacun selon ses œufs. Il est écrit que Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Il est écrit que Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Que toute balle, que tout complot forgé contre moi pour s'accomplir en ce mois, en cette année, en ce mois, en cette semaine retourne au nom de Jésus-Christ. Je te le donne. Frappe l'envoyeur, frappe l'envoyeur, frappe l'envoyeuse, frappe l'envoyeur, frappe l'envoyeuse, frappe l'envoyeur, frappe l'envoyeuse, frappe l'envoyeur. Toutes choses, envoyée contre ma gorge, contre mes pensées, contre mon cœur. Je te le donne. « Retourne et frappe l'envoyeur. Au nom de Jésus, je te l'ordonne. Retourne. Frappe, 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 frappe. Toute date, toute date qu'ils ont prévue pour ma mort devient la date de la mort de la personne qui l'a prévue. Toute date d'accident qu'ils ont fixé pour moi, toute date de mort qu'ils ont fixé pour moi devient la date de leur accident, de leur mort, de leur exécution, de leur mort, de leur exécution, de leur mort. » Au nom de Jésus, que toute balle, que toute balle, que toute balle qui a été forgée contre moi, toute flèche, toute balle, tout fétiche envoyé contre moi, frappe l'envoyeur. Je te le donne. Frappe, 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 Toute crise cardiaque, toute mort subite qu'ils ont envoyée contre moi et mes proches, retourne et frappe l'envoyeur. Retourne et frappe, 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 frappe. Au nom de Jésus. J'invoque le marteau de l'éternel pour foudroyer tout agent des ténèbres qui a ordonné ma mort et qui a donné sa permission pour mon exécution. Que le marteau de l'éternel frappe tout agent des ténèbres qui a ordonné ma mort ou qui m'a livré au nom puissant de Jésus. Toute personne qui a donné son autorisation, sa permission pour que je sois tué. Tout sorcier qui m'a vendu qui que tu sois, quoi que tu fasses, où que tu sois, à l'instant même, sois frappé avec un effet immédiat. Sois frappé, sois frappé, tout agent des ténèbres, ayant donné son autorisation, tout pouvoir de ma fondation, tout pouvoir des ténèbres, toute force des ténèbres, tout agent des ténèbres, tout sorcier ayant donné son accord, ayant donné son autorisation pour que je sois persécuté, pour que je sois exécuté, pour que je sois tué. Au nom de Jésus, sois frappé maintenant par ta mort. Soit frappé, soit frappé, soit frappé, soit frappé, soit frappé, soit frappé par la maladie que tu m'as lancée, soit frappé par les sortilèges que tu m'as lancés, soit frappé par la maladie que tu m'as lancée, soit frappé par les incantations, soit frappé par ton fétiche, soit frappé par ton fétiche, soit frappé, 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 soit frappé. Au nom puissant de Jésus. Sois frappé. Tu vas dire à Dieu que tout sorcier qui te poursuit sans relâche glisse, tombe et se brise la nuque au nom puissant de Jésus. Tu ordonnes que tout agent des ténèbres qui poursuit ton âme, ton esprit, ta vie, qui persécute ton âme sans relâche, soit poussé par les anges de Dieu, qu'il glisse, qu'il tombe, qu'elle glisse, qu'elle tombe. Et se brise la nuque immédiatement au nom de Jésus. Ange de l'éternel, que tout sorcier, j'ordonne que tout agent des ténèbres qui me tend des pièges, qui me poursuit, qui me harcèle nuit et jour, glisse, tombe et se brise la nuque au nom puissant de Jésus. Tout agent des ténèbres qui me pousse, tout agent des ténèbres qui me poursuit, tout agent des ténèbres qui médite le mal contre moi, glisse, tombe et brise-toi au nom de Jésus. Glisse, tombe et brise ta nuque. Sois poussé, soit poussé, soit poussé. Que tout agent des ténèbres qui me persécute dans mes songes, qui me persécute physiquement, qui me persécute spirituellement, glisse, tombe et se brise la nuque au nom puissant de Jésus. Que tout agent des ténèbres, tout pouvoir et ennemi de ma vie qui cherche à me tuer, qui me poursuit sans relâche, qui me harcèle sans relâche, qui me, qui me combat sans relâche, glisse. Tombe et brise-toi la nuque. Glisse, tombe et brise-toi. Brise-toi. Brise-toi la nuque. Brise-toi la colonne vertébrale. Glisse, tombe. Sois poussé par les anges de Dieu. Sois poussé, sois poussé, sois poussé, sois poussé et libère-moi au nom de Jésus. Que l'homme fort qui poursuit ma vie, que la femme forte qui poursuit mon étoile, qui poursuit mon destin, glisse, tombe et se brise de la nuque au nom puissant de Jésus. Glisse, tombe au nom de Jésus. Qu'il glisse, qu'il tombe, qu'il glisse, que l'homme fort. Glisse et tombe, glisse et tombe. Que la femme forte glisse et tombe, 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 glisse et tombe. Glisse et tombe. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut repartager. Choque tes ennemis à ça. Partage à plusieurs groupes. Mets beaucoup de cœur. Arrête-toi même. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il y a encore des prières qui arrivent, c'est bon. Il faut écouter. Amen. 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 Parce que vous autres, là, même quand on dit Amen, même là, vos voitures sont sans frein. Tu vas encore prier. Tout ce que vous demandez à votre Dieu, il le fera. Si vous priez dans la sainteté. Ne doutez jamais de vos paroles. La parole de Dieu dit, la prière du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste. Votre problème, c'est que vous ne demandez pas. Vous voulez que quelqu'un d'autre prenne sa bouche pour demander pour vous. Pendant que vous êtes en train de manger à locaux piment là-bas. <laughs> Jésus-Christ ne vous a pas interdit de lui demander quelque chose. Tout ce qu'il vous dit, demandez dans la sainteté. Débarrassez-vous du monde, de sa convoitise et de ses artifices. Tout ce que Jésus nous demande, c'est qu'on devienne des vrais chrétiens. Ce pas des mamans et des papas qui sont là. Tout ce qui les intéresse, c'est aller au travail matin, midi, soit tu cours, tu cours, tu cours. On dirait que tu peux faire quelque chose sans Dieu. Là, maintenant, quand ça ne va pas, tu connais la route de Jésus. Jésus-Christ ne veut pas être ton pneu secours. Ton pasteur, là, il n'est pas là pour être ton pneu secours. Peut-être qu'il y a des pasteurs qui acceptent d'être des pneus secours, là. Mais moi, je ne suis pas là pour que tu te foutes de moi. Je suis aussi un homme comme toi. Tu ne vas pas attendre seulement quand tu as besoin de prière, quand tu as rêvé, tu as vu ton grand-père pour venir m'expliquer. Voilà. Si tu trouves que je suis le pasteur que tu suis là, au moins il faut m'appeler aussi pour me saluer. Là, quand tu appelles une fois, deux fois, trois fois, je te connais. Parce que vous là, vous prenez Jésus comme votre premier secours. Vous êtes là, vous vous cachez. Ce sont les autres qui doivent souffrir pour que votre vie avance. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ veut être ton Seigneur. Et non, ton pneu s'écoule. C'est la raison pour laquelle vous, là, vous criez, Dieu ne vous écoute pas. Ça fait des années, il te dit, donne-moi ton cœur. Tu es là, c'est boisson, tu bois. C'est la bière qui est remplie chez toi. Tu es chrétien, non? C'est la bière qui est remplie chez toi. Toutes les nuits, là, c'est devant ta télé, tu es. Tant que tu n'as pas vidé tout ce qui est sur Netflix, là, tu n'es pas content. Tant que tu n'as pas regardé toutes les émissions mondaines qui sont sur YouTube, là, tu n'es pas content. Et après avoir tripoté ton téléphone au WC, au volant, partout, en tout lieu et en tout temps. Jésus a dit de prier en tout lieu et en tout temps. Parce que l'ennemi cherche des occasions. Toi, en tout lieu, en tout temps, même ton téléphone, même là, même, on dirait que si le téléphone n'existait pas, tu n'allais pas exister. C'est lorsque ça ne va pas, là vous venez chercher des gens qui vont prier pour vous parce que vous avez rendez-vous. Qui a dit que Jésus-Christ, il est là seulement que pour tes rendez-vous. Tu te fous de qui c'est lorsque ça ne va pas, vous allez voir un pasteur pour dire non que vous voulez bâtir un hôtel. Ça fait des années que tu es là, que Dieu t'est béni. Tu as eu du boulot, ça fait longtemps. Est-ce que tu as demandé à Dieu et puis il donné Pourquoi tu devrais seulement attendre que le jour tu es coincé pour venir respecter la parole de Dieu La parole de notre Dieu n'est pas là pour qu'on la respecte quand on n'a pas le choix. Si tu viens seulement parce que tu n'as pas le choix, Dieu s'en fout de ta demande. Dieu n'est pas là pour être ton pneu secours. Jésus veut être le Seigneur de tout. Parce que s'il n'est pas le Seigneur dans tout ce que tu fais, il n'est rien dans ta vie. Et c'est comme ça que vous, vous manipulez Dieu. Hein? Même l'argent qu'il vous donne, les aides qu'il vous donne, vous êtes incapable de donner quelque chose à Dieu parce que votre cœur le désire. Rares sont les gens qui donnent parce que le cœur le désire. Nombreux sont ceux qui donnent parce qu'ils sont contraints d'aller voir un pasteur. Où est votre amour pour votre Dieu? Où est votre amour pour votre Dieu? Quand vous ne donnez à votre, dieu, à votre Dieu que quand vous êtes serré, quand vous ne venez vers Dieu que parce que vous avez rendez-vous à la préfecture, Jésus ne veut pas être ton plus secours. Bien aimé, on ne se moque pas de Dieu et vous le savez. Donc si vous prétendez être des chrétiens que vous ne l'êtes pas là, c'est à vos risques et périls. Est-ce que moi j'ai insulté maman de quelqu'un Si vous allez prendre l'eau de baptême et puis vous ne voulez pas vous repentir définitivement alors que vous êtes venu faire alliance avec Jésus. En disant, je quitte définitivement le péché, je quitte la médisance, je quitte l'impunicité, je quitte la masturbation, je quitte la débauche, je quitte le monde. Et depuis que tu es venu dire, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, tes ongles sont devenus plus longs que pour mamie Iwata. Tes soucis-là même, c'est devenu comme un, euh, comme grillage. Toi-même, quand tu passes la main dessus, là, tu as vu comment ça te blesse. Ce sont des cols seulement, tu mets ici, cols ici, cols partout. Quand on va parler, tu as dit, tu es né de nouveau. Il faut continuer. Donc, bien-aimé, la Bible dit que <laughs> la prière du juste a une <laughs> grande efficacité. Dis à quelqu'un, Seigneur, aide-moi à changer. Amen. <laughs> Alors, madame, Cole alpha. <laughs> Donc, Jésus ne, Jésus ne veut pas être ton pneu secours. Il veut être ton Seigneur. Il veut être ton. S'il même, c'est bon. Il veut, être, il veut être ton Seigneur. Il veut être ton roi. Il veut être ton Dieu. Mais il ne veut pas être ton pneu secours. Dis à quelqu'un, toi là qui attends d'avoir des rêves avant de chercher pasteur là. Jésus n'est pas ton pé secours. Toi là qui prends, tu crois que tu peux manipuler Dieu, tu peux vivre n'importe comment. faire ton gasoil. Et puis quand ça ne va pas, tu vas aller voir un pasteur que tu vas louer pour prier pour toi. Et puis ta bouche là c'est fermée là. faut dire, Jésus n'est pas ton pé secours. Bien aimé, faut dire à quelqu'un, Jésus là, il n'est pas ton petit frère. C'est ton Dieu. Maintenant, là, on te parle toujours les dieux, non? Quand tu vas le trouver en haut là-bas, là. -bas, là tu vas te souvenir de l'objet ici que tu n'as jamais aimé. Dis à quelqu'un Jésus-Christ de Nazareth est ton Dieu. Il n'est pas ton pneu secours. Il a dit de prier en tout lieu, en tout temps. Il n'a pas dit d'attendre de voir ton grand-père pour venir chercher ton pasteur. Il n'a pas dit d'attendre de voir tes grands-mères en rêve pour venir chercher à faire offrande. Il dit de respecter. Il dit Vous me trompez. C'est pour ça que vous êtes frappés par des malheurs. Et Jésus n'a pas dit en sa parole. Attends, quand on te pousse, en... là, tu es venu faire offrande. C'est de la foutaise. Je vais dire ça. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Quand tu vas partir, là, tu vas entendre ma voix. On va prier, mais attends, on va partir. Jésus n'a jamais dit, attendez. <laughs> quand on vous pousse, en rêve, là, allez faire offrande à vos pasteurs. Attendez. Quand on veut vous rapatrier, là, allez bâtir un ils ne vont plus vous rapatrier. Ça, c'est pas dans ma Bible. Peut-être dans pour toi. Les pasteurs qui vous enseignent du n'importe quoi là, envoyez-leur la vidéo La pour leur dire que arrêtez votre escroquerie. Enseignez-nous à honorer la parole de Dieu. On n'a pas besoin de vous manipuler pour que vous veniez payer vos dîmes. Bien aimé, je n'ai pas le temps pour manipuler un chrétien. Si tu veux profiter des prières gratuitement, un jour là, Dieu va tirer tes oreilles. Toi-même, tu as couru. Tu as couru pour venir dire Hé, hey! c'est vrai, hein? la Bible dit faites de toutes parts de vos biens à ceux qui vous enseignent. Alors toi, madame la profiteuse, faut continuer de profiter. Tu as rencontré Jésus là-bas, mon ami. Ton pasteur qui se casse la tête pour toi là, faut pas aller le manipuler. Parfois, ils savent que vous êtes des manipulateurs, mais ils n'osent pas le dire. Tu vois un peu, non Parfois, tu peux appeler le pasteur. Alors pasteur, bon, il <laughs> te fait une dîme. Au fond de lui, il est au courant. Il dit, hmm, il a envie de te dire la vérité, mais il n'a pas envie de perdre la dîme. Pour l'amour de Dieu, il tolère. Tu comprends un peu? Pour l'amour du besoin financier, on s'était. Mais au fond de nous, on s'est dit: Mais attends, donc tu étais là? <laughs> donc tu étais là, tu es où? Parfois, on a envie de te demander: Mais tu étais où depuis là? Tu as dit: Non, pasteur, non, j'avais fait une pause. Non, j'étais ailleurs. Mais maintenant, je vois que c'est chez toi qu'il y a Dieu. Il faut venir. Dis à quelqu'un: Il <laughs> faut te répentir il faut te répentir pour ton comportement de chrétien balançoire. <laughs> chrétien balançoire qui n'a jamais une seule position dans la vie. Donc, il faut dire à Michou, pardon, il <laughs> faut changer ton comportement de chrétien balançoire. On va à gauche, on va à droite, on va devant, on va derrière. Pas fini, on ne sait même plus on a qui comme père spirituel. Parce que tu appelles tout le monde oui papa, oui mon père, oui mon père. Oui mon Père, salut le Père. Parfois même tu te trompes pour appeler un à elle, non l'autre. Alors il faut changer. Dis à quelqu'un, Jésus-Christ ne veut pas être ton pneu secours. Jésus n'est pas ton sapeur-pompier. J'ai dit, oh, toi qui obéis à tu mets tête rouge pourquoi Il faut continuer de mettre tête au rouge, on va t'éjecter d'ici, tu te prends pour qui pour venir mettre tête au rouge. On t'a invité ici. Donc bien aimé, allons seulement. C'est affaire là qui est là. Les chrétiens voyous, on va les bloquer puis ils vont dégager de là. Donc, bien aimé, je vais te dire ça encore, répétez, même si tu n'es pas content là. Ouais, Kobayé, génie, Jésus-Christ ne veut pas être ton Je répète ça, tu es fâché, c'est ton problème. Donc, bien aimé, mets les cœurs. Il y, y a des gens là qui mettent des têtes rouges. Tu crois que c'est de ça, j'ai peur? Moi, je n'ai pas peur des têtes rouges. Regarde-moi même ma tête d'abord. C'est comment? Donc, Jésus ne veut pas être ton pneus secou Je vais répéter ça, rester dans ta tête, dans ton esprit, tu as tes souvenirs de ça. C'est parce que vous prenez Jésus pour votre petit frère que votre vie là n'avance pas. Vous croyez que Jésus est là seulement que quand il est arrivé, il t'appelle pour le servir. Tu fais quoi de ça? Ça fait des années, il dit, réponds-toi, tu fais quoi de dis ça? Dis-moi. Ça fait des années, on dit, repentez vous Jésus revient. Est-ce que ça vous intéresse? C'est vous qui avez des gars à gauche, des gars à droite et autres. Et après, quand on parle, vous êtes là, vous mettez tête rouge. Et puis quoi? Donc, mon ami, dis à quelqu'un, Jésus n'est pas là pour être ton pneu secours. Je vais répéter encore. Moi, je vais insister. En fait, j'ai envie que tu te fâches et puis tu ailles te déconnecter. Vous êtes là, au lieu de respecter la parole de Dieu, vous jouez les durs. Là, quand ça ne va pas, là, c'est vous qui venez avec vos larmes de crocodile. <laughs> Papa, je me répands. Il faut te répandre maintenant. Alors, on va reprendre la prière. La parole de notre Dieu dit la prière du juste <laughs> a une grande efficacité. <laughs> Amen. Non! Quand l'esprit de Dieu dit de parler, il faut parler. Si tu ne parles pas, il va te demander après. Pourquoi tu ne leur as pas dit d'échanger Seigneur, moi, je leur ai déjà dit d'échanger. Celles qui ne veulent pas changer, là, tu les connais. Il <laughs> faut bien les regarder. Tu connais leur cœur. Voilà. Alors, à partir d'aujourd'hui, tout avion satanique qui décolle depuis ton village, je leur ordonne de t'atterrir dans l'eau et de se noyer au nom de Jésus. Ça, au moins, je sais que tu as dit Amen. Tout avion satanique qui va décoller depuis le monde des ténèbres pour venir te faire la guerre, je leur ordonne de s'écraser dans l'eau et de se noyer au nom puissant de Jésus. C'est un ordre divin. À partir d'aujourd'hui, tout avion satanique qui va décoller depuis ton village, qui va décoller depuis le monde des ténèbres pour venir te faire la guerre, atterrit dans l'eau, s'écrase. Et tue tous ses occupants. Je leur donne au nom de Jésus. Bien aimé, partage la vidéo. Reçois cette grâce. Ma soeur, ma prière, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, tout avion satanique qui va décoller depuis le monde des ténèbres, tout sorcier qui va s'envoler, soit immédiatement frappé par la foudre et s'écrase immédiatement. À partir d'aujourd'hui, tout avion satanique qui va quitter le monde du cimetière, le monde pandémonium, le royaume des ténèbres, tout sorcier qui va quitter son corps pour venir nous faire la guerre, soit frappé cette fois sur le champ par la foudre et s'écrase au nom de Jésus. Bien aimé, ils te combattront, mais ils n'arriveront pas à te vaincre. Parce que je sais que par cette prédication que tu entends là, tu es en train de changer ta vie. Tu es en train de changer ta façon de servir Jésus. Tu as compris qu'effectivement, Jésus-Christ n'est pas là. Quand on a des problèmes, il veut être notre Dieu, il veut être notre Seigneur, il veut qu'on soit juste, il veut nous sauver et il nous aime. Donc, à partir d'aujourd'hui, tout avion satanique qui va décoller depuis le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, n'importe quel endroit pour venir te faire la guerre, pour venir m'attaquer, même si c'est un train maléfique, même si c'est un bateau satanique, que le tonnerre de l'éternel frappe et ravage sur le champ. La parole de Dieu déclare que le vent de l'Est brise les navires des taxistes Le vent de l'Est brise les navires, brise les navires des Tarcistes, les navires sataniques. Que tous les navires diaboliques qui vont venir, Amen. Qui vont venir contre nous soient brisés au nom de Jésus. Amen. Tous les navires, tous les navires créés depuis, depuis le monde des ténèbres soient brisés soit brisé, soit brisé, tous les navires de la sorcellerie envoyés contre nous, soit brisé au nom de Jésus. J'invoque le vent de l'Est, le vent du Nord, pour frapper tous les navires de la sorcellerie, tous les navires diaboliques que l'ennemi va envoyer, que le vent de l'Éternel brise, tous les navires diaboliques, tous les navires de la sorcellerie, tous les avions et bateaux du monde des ténèbres, les avions et les balais sataniques soient brisés au nom de Jésus. Que tous les bateaux spirituels, tous les navires sataniques, tous les moyens de transport de nos ennemis soient frappés par le marteau de l'Éternel et se brisent au nom de Jésus. Tout agent des ténèbres qui va faire une projection astrale, qui va quitter son corps, qui va quitter son lieu, qui va quitter son quartier général, qui va quitter son domicile par le dédoublement satanique. Soit immédiatement pulvérisé par le tonnerre. Que tous les navires, les avions de la sorcellerie, les avions des guerres sataniques, leurs bateaux de guerre sataniques, leurs moyens de guerre satanique, leurs missiles sataniques, leurs fusées sataniques, soit immédiatement frappés par le marteau de Dieu et pulvérisés, frappés et pulvérisés, frappés et pulvérisés sur le champ. Tout avion des ténèbres qui décollera depuis le monde des ténèbres. Qui décollera depuis mon village, qui décollera depuis ton village, qui décollera depuis le camp de mes ennemis, au nom de Jésus, soit brisé par le marteau de Dieu, soit brisé et pulvérisé. Que tout agent des ténèbres qui va se dédoubler, qui va s'envoler, qui va quitter son corps, qui va poursuivre mon âme, mon esprit, ma maison, qui va s'envoler en direction de ma maison, soit pulvérisé, soit foudroyé, soit bombardé, soit écrabouillé soit pulvérisé, que tous les navires et les bateaux sataniques, les véhicules sataniques, les balais, les nattes sataniques qu'ils utilisent comme véhicules, comme véhicules, comme véhicules, soient pulvérisés par le tonnerre, soient pulvérisés par le marteau, soient broyés et brisés au nom puissant de Jésus. Tout ennemi de ta vie qui te combat avec la magie et la sorcellerie, soit frappé de plein fouet à la gorge, soit frappé de plein fouet, que tout ennemi de ma vie qui me combat avec des malédictions, avec des pensées négatives, qui me combat avec des malédictions, qui combat mon ministère avec des malédictions, soit frappé de plein fouet à la gauche par la foudre, soit frappé à la gauche, soit frappé à la gauche, soit frappé de plein fouet, soit frappé de plein fouet. J'ordonne, j'ordonne que tout agent des ténèbres, qui me combat avec des paroles, qui me combat avec sa langue, qui me combat avec le fétiche, qui me combat avec la magie, qui me combat avec la sorcellerie, soit frappé de plein fouet soit frappé de plein fouet, soit frappé de plein fouet, soit frappé de plein fouet, soit frappé de plein fouet à la gorge, et neutralisé sur le champ. Que toute flèche envoyée contre moi se retourne et frappe l'envoyeur. Toute balle envoyée contre moi frappe l'envoyeur. Toute flèche, toute aiguille, toute flèche, toute aiguille, que toute flèche, que toute aiguille, que toute flèche, que toute aiguille de la sorcellerie lance contre moi et ma maison, lance contre mon cœur. Retourne et frappe l'envoyeur, 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 retourne et frappe, 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 frappe l'envoyeur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu béni. Alléluia. Fais confiance à Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. Mais ta confiance en Dieu, confine tes projets dans la prière. Notre problème en tant qu'enfant de Dieu, pardonnez-moi de vous le rappeler, on est trop distrait. Mes soeurs, on est trop distrait. L'ennemi vous fait croire que votre vie est moche. Votre vie... N'est pas moche. Bien aimé, si tu veux, ma sœur, tu prends ça pour une prophétie. Si tu veux, tu prends ça pour une insulte. Si tu veux, tu prends ça pour une provocation. Mais moi, je te dis, votre vie, elle n'est pas moche. Je vais te donner le secret des sorciers. Votre vie n'est pas moche. Vous voulez des vérités, non? Vous voulez des secrets, non? L'ennemi, il y a des gens qui volent, mais il y a des gens qui s'assoient sur leur vie. Vous êtes là, vous oubliez que s'il y a une seule chose qui peut vous aider, c'est votre propre prière, la prière de votre bouche. La parole de notre Seigneur dit, la prière du juste a une grande efficacité. D'où vient le fait que maintenant, les gens ont des problèmes sérieux. Ils n'ont pas une vie de prière et ils n'ont pas une vie rangée. Et ils prennent leurs problèmes pour se promener partout. C'est écrit où dans la Bible Même si on dit que les temps vont mal, la prière du juste a une grande efficacité. Il n'y a pas une seule femme qui puisse confier son mariage à Dieu et puis Dieu ne veut pas agir. Il a dit en sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Il n'y a pas un seul malade qui va prier Dieu avec sincérité et puis Dieu ne va pas intervenir. Il a dit en sa parole, invoque-moi au jour de ta détresse, je te répondrai, tu me glorifieras. Il n'y a pas quelqu'un qui est bloqué et puis le Seigneur ne va pas marcher devant lui pour ouvrir les portes. Il a dit en Ésaïe 43, 45. Je marcherai devant toi. Je briserai les verrous de fer. Je romprai les portes des reins. Et j'aplanirai les chemins, mon Dieu. Je vais vous le dire toujours. Votre problème là, comme maintenant vous avez des pères spirituelles sur les réseaux sociaux, vous êtes devenus paresseux, négligents. Beaucoup de vos problèmes là, ils sont là depuis des années. C'est parce que vous les aimez. Ton mari de nuit là, tu as fait bientôt anniversaire de mariage avec lui anniversaire de 5 ans que tu as marié de nuit. anniversaire de 2 ans que tu as marié de nuit. anniversaire de combien d'années que tu es célibataire. anniversaire de combien d'années que tu es au chômage. anniversaire de combien d'années que tu tournes en rond. Mais tu as comme l'impression que tes problèmes, à elle, vilain, vilain, non, là, ça te plaît. Parce que je ne vois pas de femme résolue. Je ne vois pas d'hommes résolus. Les quelques personnes qui ont été résolues, Dieu a toujours intervenu dans leur vie. Toutes les fois qu'une femme ou un homme est vraiment rentré dans la prière, avec l'intention de n'en sortir qu'avec sa bénédiction et sa réponse, Dieu a toujours agi. C'est parce que vous faites semblant de prier et vous avez un pied dans les bêtises. Parfois, vous avez vos bouches entre les jambes de vos maris. On ne sait pas vos bouches, chez, je quoi là-bas. Vous avez vos bouches entre les jambes de vos femmes. Et quand les sorciers vous poursuivent la nuit, vous prenez encore la même bouche pour venir invoquer Jésus. Quand ça ne va pas, vous dites non, qu'il y a sorcellerie dans vos familles. Mais ce que vous vous faites là-même, c'est plus que sorcellerie. Ce que vous faites là-même, là, c'est plus que sorcellerie. Parce que comportement comme ça, là, c'est sorcellerie. Et après, vous êtes étonné que vos prières ne marchent pas. Ça va marcher comment? Avec eh, vos bouches qui se baladent partout là, ça va marcher comment? Parce que ton âme... De combat, la plus redoutable, c'est ta bouche. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Même ta bouche, là, ce que tu fais avec ça, te condamne. Et te dis la vérité, si tu veux, il faut chercher le dictionnaire biblique. Tu n'as pas trouvé dedans la demande à Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'on parle, vous faites comme si, non, non, mon pasteur ne m'a jamais enseigné ça, ton pasteur, là. Est-ce qu'il s'appelle Time? Est-ce que ton pasteur s'appelle Time? Ton pasteur s'appelle pas Ashton, ce n'est pas ça, ce n'est pas... Ce pas comment on les appelle, même là. Les sages d'avant, là. Même nous-mêmes, on apprend. On ne on finit pas d'apprendre. Est-ce que ton pasteur s'appelle Ashtime <laughs> Pour dire non que. Euh, Est-ce que ton, ton pasteur s'appelle Newton Ton pasteur s'appelle pas Newton ni Ashtime. Donc, on ne finit pas d'apprendre. Alors, vous, là, qui raisonnez dans vos têtes, là, soyez délivrés. Voilà des savants. Merci, Esther. Toi, tu as vraiment été intelligente. Que Dieu t'éjoue plein des millions. Donc, ton pasteur n'est pas un savant. Nous tous, on apprend. On ne finit pas d'apprendre. Et là, quand on te prêche, c'est toi qui vas demander au pasteur Oh, pasteur, j'ai entendu l'homme de Dieu, Elo, j'ai qu'ici dit ça. Qu'est-ce que tu en penses Il faut prendre mon nom pour aller là-bas encore. Tu as croisé Jésus là-bas. Vous n'avez pas dit que vous ne voulez pas changer. Quand on vous prêche, Oh, pasteur, le frère Elo, j'ai dit qu'on ne met pas mèche. Le frère Elo, j'ai dit Ton pasteur dit Oh, il faut le laisser. Ce n'est pas ivoirien là. Lui là-même, j'aime pas sa tête. Donc, tu crois qu'il cas dit quoi <laughs> Il faut continuer. Il faut continuer seulement. Va faire ton association de, de voyous là, mais il ne faut pas venir demander à Jésus pourquoi tu pries, ça ne marche pas. Parce que si ton pasteur et toi, vous aviez trop raison là, ta vie allait avancer. Mais tu es bloqué quand même, non? Donc il faut continuer même. Fais ça. faut faire à tous tes gars. Vas-y. C'est trop bon. Et puis après, il ne faut pas venir me demander pourquoi tu ne te maries pas. Allons ah, seulement. Merci Cathy. Donc tu vas dire à quelqu'un d'aider à Jésus, pardon. Il faut laver ma bouche. Il <laughs> faut brosser mes dents. <laughs> là, mes prières vont monter. Il faut pas laisser, faut, faut me laisser à tes histoires de maman Mia. Les chrétiens de maintenant, je ne sais pas, ils ont bu quoi. <laughs> ils boivent quoi ou ils fument quoi. Tu passes à rien. pas. La personne est bloquée. On dit, ma soeur, il faut faire ça là, tu vas prospérer. Tu trouves qu'on parle trop. Non, c'est terrible. Hein? Parfois tu veux sauver les gens jusqu'à toi-même tu pèches devant Dieu. C'est la vérité. Les chrétiens disent maintenant, non. Je crois que vraiment Dieu doit avoir mal au cœur en hein, vous regardant. Pour dire, mais c'est ça, c'est de ça qu'ils ont besoin, mon fils. Parle. Frère éloge, parle. Mon fils de loge, parle. Mais tu parles, tu parles, tu parles. On dirait que sa Satan est venu s'asseoir là-bas. Vos vies ne sont pas misérables. Je vais vous dire la vérité. L'ennemi est en train de jouer à vos sentiments, c'est tout. Mais bien aimé, elle éprouvé la vérité. Ta vie n'est pas aussi moche que ça. L'une des choses que le diable fait là, il vient s'asseoir sur vos vies. Jackie, Sambou, si tu veux, tourne nos yeux là jusqu'à ce que tu amènes ça où tu veux. C'est de toi que je parle. J'ai dit oh, tu as m'appelé après, tu as dit, frère, pourquoi tu as dit mon nom? Elle dit, elle dit ton nom parce que tes yeux là, tu as fait ça comme ça. Donc, l'ennemi, les gens vous mentent. Frère, elle te dit quelque chose. C'est vrai que le diable vole les gens. C'est vrai que les sorciers volent les gens. Amen. Mais quand ta bouche, ça se promène dans la vie des gens là, tu veux quelle onction? Si les sorciers là, t'avaient vraiment totalement volé. Tu t'es jamais posé la question pourquoi ils viennent te combattre toutes les nuits. Ils savent que ce n'est pas encore fini. L'une des choses que les sorciers font, c'est qu'ils te perturbent le maximum. Ils t'empêchent de jeûner. Ils t'empêchent de prier efficacement. C'est la vérité que je vous dis. Ils savent que la prière du juste a une grande efficacité. Vous avez l'impression que moi, j'ai dit des choses que je les répète tous les jours, mais je vais les répéter. Chacun a sa mission. Moi, ma mission, là, c'est de répéter ça. <laughs> Juste à ce que vous tous vous changez. C'est tout. Le prophète, sa mission, c'est de prophétiser sur toi. Moi, <laughs> moi ma mission, là, c'est ça qui est là. Donc, si tu n'étais pas au courant, moi, je t'informe. Que ça ne fait que commencer. Donc, les gars, vous mentent. Ma soeur, si tes sorciers, là, n'étaient pas sûrs que toi, tu pouvais récupérer ta vie, là, ils allaient te laisser tranquille. C'est la vérité que je vous dis. Des fois, tu es là, tu dis non, ma vie est bloquée. Oh non, ma vie est ci. Oh non, ma vie est ça. Mon ami, si ta vie était aussi moche que ça, là, ils allaient te laisser tranquille. Parfois, les problèmes vous ont forcé à vous voir comme des misérables. Mais vous n'êtes pas aussi misérable que ça. Et je vais vous dire la vérité. Vous n'êtes pas aussi misérable que ça. Pourquoi un prophète peut vous regarder voir le mariage? Pourquoi vous faites des bons rêves parfois? Pourquoi vous êtes béni? Pourquoi toutes les nuits l'ennemi vient vous attaquer? Il sait que si seulement il vous laisse un écart de temps, vous rentrez dans la bénédiction. Mais bien aimé, je vais le répéter. Votre affaire des faux, faux cheveux là, je vais le répéter. Vos affaires de faux ongles de maquillage, je vais le répéter. Si tu n'es pas délivré, c'est ton problème. Depuis que vous avez des flatteurs que vous suivez là, votre vie allait où? Ça fait combien 50 ans de conversion, 10 ans de conversion, mais vous avez eu quel impact dans le monde Vous avez eu quel percée dans le monde Mais quelqu'un comme moi, je vous dis que j'étais un pécheur comme vous. OK J'étais un pécheur. Je suis honnête. Je vous dis la vérité. Quand, je vais répéter ça encore. Quand j'étais jeune là, moi j'ai fait 4 ans et demi d'impunité. <laughs> ça, tu viens de commencer. <laughs> moi, j'ai fait 4 ans et demi. <laughs> 4 ans et demi de galère donc tu entends donc c'est pas toi le plus dur il y a 20 ans de cela 20 ans moi j'ai fait 4 ans et demi dedans tu vois un peu non 4 ans et demi Dieu a parlé fatigué est-ce que moi je l'écoutais même j'avais même pas le temps pour lui <laughs> donc toi là quand on te parle et puis tu veux pas écouter là faut m'écouter voici quelqu'un qui témoigne toi pour toi là faut cacher donc, moi, je te dis la vérité. Quatre ans et demi de galère. Quatre ans et demi de souffrance. Vous savez, parfois, on est fidèle même dans les bêtises. Tu vois un peu Donc, il faut bien écouter ce que je te dis là. Si malgré ça, Dieu m'a utilisé pour être son serviteur. Il a oublié mes quatre ans et demi de gasoil. C'est même pas plusieurs femmes. Il ne faut pas t'imaginer n'importe quoi. Quatre ans et demi dans la souffrance. Quatre ans et demi à attirer la colère de Dieu. Toi, peut-être, tu as fait deux ans. Il y en a même qui ont fait huit ans. Il ne faut pas rire. Toi aussi, tu as fait quelques temps. Donc, il ne faut pas venir rire. C'est un croyant, gay, hey, le pasteur. <laughs> si tu es faute ta bouche là pour aller où tu veux, c'est ton problème. Donc, voilà un serviteur de Dieu. Il doit être honnête et dire la vérité. C'est vous qui croyez qu'on est là pour pirater vos cas de gré. On n'a pas le temps pour ça. On dit à quelqu'un, Hélo, il n'a pas le temps pour ça. C'est vous là qui croyez que oui, on est là pour pirater vos cas de crédit. <laughs> on n'est pas là pour pirater vos cas de crédit. On est là pour faire l'œuvre de Dieu. Si vous ne croyez pas, c'est votre problème. Donc, mon ami, de toi à moi là, si quelqu'un doit donner conseil à quelqu'un, pas par pas, prétention pour te dire que c'est moi. Mais moi, au moins, je te dis que je fais partie des gens qui peuvent te donner conseil. Qui peuvent te dire, hey, quand Dieu dit qu'il faut laisser, il faut laisser. Voici que quelqu'un qui dit a fait 7 ans. Il y a des gens, même, qui ont fait 20 ans. Ce n'est pas pour mes 4 ans et demi, tu ris. Dieu même, il est là-haut, il m'entend. Il dit, au oh, moins, mon fils, il dit la vérité. Celui qui cache ses transgressions ne, ne prospère pas. Toi, tu as fait combien d'années Toi, tu as fait plus de 10 ans. Bravo, tu m'as dépassé. Euh... <laughs> Donc, euh, toi, tu as fait combien de temps Miracle. Dis-moi, tu as fait combien de temps dedans Amen. <laughs> Donne-moi ton temps, toi qui me regardes là. Tu as fait combien d'années Si tu ne dis pas, Dieu te voit quand même. Alléluia, toi tu as fait 11 ans. Laisse-moi <laughs> laisse afficher ton témoignage. Dieu t'a pardonné. Toi tu as fait 11 ans. Tu as pardonné ma fille dans le nom de Jésus. Voici l'affaire là qui est là. Voilà, qui d'autre qui, qui peut battre le record Toute personne qui vient de confesser pour elle que le Seigneur te visite avec ta nouvelle vie dans le nom de Jésus. Toi tu préfères fermer ta bouche. C'est bien. 30 ans. C'est bien. 12 ans. 20 ans. Donc vous comprenez que mes quatre 4... <laughs> et demi n'ont rien à voir. Je suis même parmi les plus petits. Donc vous comprenez 10 ans. Alors quand on parle l'arrêter de quoi que Elojki c'est là pour jouer. <laughs> voilà, bétenez pour toi combien d'années En fait, il y en a même qui ont fait 2 ans multiplié par 3. 5 ans, 6 ans. Et il y en a même qui avaient, en fait, euh, plusieurs branches. Tu comprends? Plusieurs quartiers généraux. <laughs> Donc, vous comprenez qu'il y a des gens, pour eux, c'est catastrophique. 8 ans. Donc, vous comprenez que quand je prêche, je n'invente pas. Alléluia. Donc, moi, je suis le plus petit parmi les, les gens. Vous voyez toutes les années qui défilent là, 10 ans, 13 ans, 20 ans. Donc, là, il y a des doyens qui sont là. Il y a même des doyennes, 17 ans. Et il y en a même qui sont encore dedans. Vous voyez comment c'est facile pour nous d'aller en enfer. Et si au moins, où on est là, on avait décidé pour vrai de quitter cette vie. Imaginez combien notre Dieu serait fier de vous bénir. Mais bien aimé, il y a plein de jeunes filles qui refusent de dire pour elles, mais elles sont dedans. Il y en a qui ont eu le courage d'avouer leur faute, mais il y a ceux-là qui sont là, qui me regardent là, qui cachent. elle là, ces dix ans de commérage, toute une vie de mensonges et d'escroqueries. Et il y en a qui traînent un péché lourd. Faux mariage pour avoir des papiers. Tu sais pas quoi tu es passé. Donc, quand on parle des de gens, l'arrêt des rire. Tu es allé marier ta cousine pour avoir des papiers, non? Tu es allé marier ta grand-mère pour avoir ses papiers. Il y en a même qui sont allés marier leur petit-fils. Faux mariage avec le petit-fils pour avoir des papiers pour venir pour rester en France. Bien-aimé, Dieu sait tout. Et il y en a qui sont dedans maintenant. Et il y en a qui ont tellement duré dedans qu'ils ont oublié la date et le nombre d'années. C'est pour ça que les calculs sont difficiles. Alors, répondons-nous. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'ai changé de vie. Et je, te, je me retourne en arrière pour te dire que tout ce que vous faites là, nous tous on connaît ça. Donc, ça ne nous effraie pas. Alors, mes bien-aimés. Je reviens à mon message. Bien aimé, l'ennemi sait, écoute-moi, que la prière du juste a une grande efficacité. Ils savent, ils savent que la prière du juste a une grande efficacité. Bien aimé, moi, quand je m'assois là, là, je tente d'être honnête. Si je n'étais pas honnête là, Dieu n'allait pas se souvenir du ministère au Seigneur des grâces. Les gens là qui se font passer pour du bonbeur là, ça c'est leur choix. Mais moi là, devant Dieu là, je veux être propre. Tu es en train de corriger maintenant. Il faut bien corriger. Ce <laughs> n'était pas, pas 17 ans, c'était 20 ans. Vous êtes en train de corriger. Moi, je préfère... Être. Le Seigneur nous voit. Il connaît le cœur d'un homme. Un homme qui veut sauver des vies. Un homme qui veut aider les gens. Et je vais le répéter. Longtemps, vous avez cru que votre vie était une misère. Je vais le répéter. Votre vie n'est pas une misère. Mais bien aimé, le seul problème que vous avez, c'est que l'ennemi s'assoit sur vos vies. L'ennemi envoie des esprits pour s'asseoir sur votre vie. L'ennemi envoie des démons de lourdeur pour s'asseoir sur votre vie. L'ennemi envoie des esprits de souillure pour s'asseoir sur votre vie. Tu peux raconter ce que tu veux, diable, c'est ton problème. Tu peux, tu, peux, tu peux fuir la vérité, mais la réalité est là. Tout ce que l'ennemi fait, c'est qu'il vient s'asseoir sur votre vie. Il faut, il faut regarder. La Bible dit, sans ta misère. La Bible veut qu'on ait du dégoût à notre misère. Qu'on constate qu'il y a un temps où il ne faut plus faire semblant. C'est ce que Dieu dit. Sans ta misère et répands-toi. Car la prière du juste a une grande efficacité. Et imaginez, mes bien-aimés, depuis qu'on est converti, on a toujours été dans ça. On va se poser la question, une question sérieuse. On allait où alors? Au ciel ou en enfer? Bien-aimé, tu peux imaginer après nos baptêmes. Après avoir accepté Jésus, combien d'années on a fait dans le péché Combien de mois Combien de temps Combien de fois Ma question est de savoir, on allait où Et si Jésus venait, on serait où En enfer ou au ciel Regardez quel risque nous les chrétiens, on a pris. Et vous qui êtes encore dedans là, dans les conflits, dans les histoires dans des problèmes à un point fini, dans des querelles et commérages, dans des mensonges incroyables. Il y a des mamans qui ne diront jamais certaines vérités quant à l'enfant que je t'ai donné n'est pas ton enfant. Plein de filles en France, en Europe, en Occident. Je me trompe. C'est vrai, c'est un lourd secret. Tu préfères garder ça et aller en enfer. Une vie de mensonges. Tu es allé ramasser l'enfant de quelqu'un pour venir donner à quelqu'un d'autre. Tu as peur de dire la vérité, mais tu acceptes d'aller en enfer. Tu ne veux pas avoir honte devant les hommes, mais tu es prêt à assumer l'enfer avec ça. Combien de femmes sont allés soulever des grossesses dehors pour venir demander à la maison. Elles traînent ces lourds secrets avec elles. Elles vont toujours à l'église. Ça est dans leur cœur. Il y en a même qui avaient des doutes. Parce que si tu étais seul à la maison et ton mari, on pouvait comprendre. Tu avais des doutes. Et tu as gardé ces doutes. Parfois même tu regardes l'enfant, tu te dis mais, est-ce que c'est vraiment son enfant même? Mais tu vis avec ça. Et j'ai qu'ici ment. Envoyez-moi un test pour me dire, frère, tu mens. Et très souvent, c'est lorsque lorsque vous êtes en dispute que vous allez ouvrir la bouche. Comme vous voulez lui faire mal. D'ailleurs, même là. L'enfant, là, ce n'est pas ton enfant. On est mauvais, nous les noirs et nous les hommes. On bénit le nom de Dieu que ce n'est pas dans tous les cas. Mais vous voyez combien d'hommes et de femmes qui ont pris des chemins qui risquent de leur coûter cher. Je ne suis pas là pour vous faire peur, mais au moins je vais éviter une tragédie. Je veux éviter que tu gardes ce loup secret jusqu'en enfer. Pour dire si, j'allais dire car je préfère être pardonné que d'avoir le jugement de Dieu. Ayez le courage de lui dire je ne t'aimais pas mais j'ai couché avec toi, j'ai fait exprès, je t'ai manipulé parce que je voulais avoir les papiers. Parce que Dieu sait ce que tu as fait mais il veut te racheter aujourd'hui. Mais bien-aimé, ce n'est pas pour rien les seules belles choses que certaines femmes et certains hommes ont eues en Europe, c'est papier. Ce n'est pas pour rien les seules bonnes choses que des frères, que des hommes ont eues en Europe, c'est papier. Après ça tout le reste est bloqué parce que Satan te tient. Te tient pas tout ce par quoi tu es passé. Si tu te répandais pour dire Seigneur, j'ai été obligé de mentir, j'ai été obligé de faire un faux mariage, Dieu peut comprendre que tu t'es repenti, que tu promets de ne plus le faire. Soyons honnêtes. Dieu respecte sa parole. Je ne le dis pas pour vous accuser. Mais je le dis pour vous ouvrir les yeux, pour que, étant dans votre camp et dans votre coin, vous vous mettiez vraiment à genoux pour dire Seigneur, je te demande pardon. Je sais que je ne le mérite pas, mais accorde-moi ta grâce. La Bible dit qu'avant que la chute d'un homme n'arrive, l'orgueil se lève dans son cœur. Et l'orgueil, c'est quand tu sais qu'on dit la vérité. Et que tu as tort, mais que au lieu de te repentir, tu préfères plutôt attaquer, répliquer, parce que tu n'aimes pas qu'on touche à ton petit secret. Donc bien aimé, je vais te dire que l'une des choses que l'ennemi fait, c'est de vous blaguer et de vous maintenir là. Et il a le pouvoir sur vous. Votre vie n'est pas une misère. Je vais dire à une femme qui m'écoute, je vais dire à un homme qui m'écoute, tout ce que le diable te fait voir en rêve, c'est une couverture qu'il met à tes yeux pour déjouer ton regard, pour déjouer ta foi, pour déjouer ton courage. Sinon, ils savent que la prière du juste a une grande efficacité. Ma soeur, toi qui me regardes là, tu peux me prouver par A plus B, sur la base et à la lumière de la parole de Dieu, que qui s'y ment. Si l'ennemi savait que ta vie était vidée et moche, pourquoi t'attaque-t-il encore? Pourquoi quand tu pries, ça les dérange? Pourquoi quand tu prends un moment de jeûne? Ils viennent tout faire pour créer la tentation, les disputes, et les querelles pour détruire ton jeûne. Ils savent que la prière du juste a une grande efficacité. Pourquoi est-ce qu'ils ne laissent pas tes pensées tranquilles? Ils te bombardent les pensées. Ils savent que la prière du juste a une grande efficacité. Pourquoi? Dès que tu finis de jeûner, prier, aussitôt, ils t'envahissent avec des émotions, des envies que tu n'arrives même pas à contrôler, des histoires n'ont point finies. Ils savent que si tu restes juste pendant le temps que Dieu fixe à toute personne qui demande, alors ta bénédiction viendra. Tous ceux qui demandent et qui jeûnent, ils ont un temps d'attente, un temps d'épreuve. Pardonnez-moi de le dire. C'est vous qui, dans votre ignorance, vous croyez que quand on finit de jeûner, c'est fini. C'est faux. Après le jeûne, la Bible dit qu'il y a un temps d'épreuve. On l'a vu dans la vie de notre Seigneur Jésus, qui, après avoir jeûné, il a été tenté. C'est un modèle. Et la Bible dit de faire comme ceux qui, après avoir été tentés, obtiennent la couronne. Après les sept jours, vous entrez dans la destinée. Moi, je plus le temps d'étudier le système de l'ennemi. Alors, soit au départ, ils vont gâcher vos jeûnes. Vous commencez le jeûne parfois déçu. Vous commencez parfois le jeûne en colère. Vous commencez le jeûne parfois dans la tentation. Vous commencez le jeûne parfois avec des pensées négatives. Vous commencez le jeûne parfois avec des erreurs et des disputes. Vous mangez parfois, vous oubliez que vous êtes en jeûne. Ou bien pendant le jeûne, ils vont passer par ton mari, ta femme, quelqu'un pour te perturber. C'est pendant ton jeûne que ton mari te veut. Il était là pendant des mois, là, il, il s'en foutait de toi. Tu es en train de prier là. C'est là, il s'est plaint que tu pries trop. Mais tu étais là, là il s'en foutait de toi. Hein. Tu écoutes un pasteur, il fait jalousie. Ça dit que c'est comme si tu dois t'asseoir là, là, comme un morceau de bois qui ne bouge pas. On ne se soucie pas de ça. Pas de soins, pas d'affection, rien. Mais commence à prier pour que Dieu améliore ta vie. Le diable va aller soulever dans son cœur des envies, des affections et un faux amour. Pareil pour les femmes, tu vas rester là, là elles s'en foutent de toi, tu as besoin d'elles, elles elle s'en foutent, toujours sur internet et sur télévision, mais bien aimé, rentre dans un moment de prière, intimité avec Dieu, c'est là que tu vas voir ta femme ou ton mari venir se plaindre, oh oui, tu pries seulement, oh oui, tu dis, mais bien aimé, je prends le temps d'étudier comment le diable travaille la vie des gens. C'est là que la personne, tes amis, ceci, cela, ont venu faire leur jalousie inutile, leur plainte inutile. Des jours là, tu pries seulement. Oh oui, des jours là, madame, tu pries seulement. Des jours là, tu écoutes les pasteurs seulement. faut venir dormir, il faut venir ceci. Tout ce qu'ils vont faire, c'est de vous perturber. Vous vivez ça, mais vous ne comprenez pas. Il faut le discernement pour comprendre. Je n'ai pas incité, insulté quelqu'un et je n'ai pas ciblé quelqu'un. Vous savez que j'ai dit la vérité. C'est un jeu. Si vous ne le comprenez pas, vous allez croire que c'est Dieu qui ne veut pas vous bénir. Or, oh, il vous bénit. Mais c'est vous qui ne comprenez rien dans le combat spirituel. Et là, j'ai s'il n'a pas insulté maman de quelqu'un. Regardez ce que j'ai dit, vous allez voir. Il y a des hommes qui sont là, là, leur femme, on dirait ces tableaux de décoration. Ils s'en foutent pendant des mois. Parfois, même tu as besoin de lui. Il dort, il te dit, il est fatigué. Ma soeur, prends un moment de jeûne. C'est là que tous tes copains vont penser à toi. C'est là que toutes tes envies vont se réveiller. C'est là que toutes les nuits, monsieur, exige l'attention et autres. Parce que le diable sait que la prière du juste a une grande efficacité. Commence à travailler sur un projet. Assieds-toi devant ton ordinateur. Assieds-toi là. Décide que tu vas changer la vie de tes enfants. C'est là que ta femme va trouver que tu travailles trop. C'est là que ton mari va trouver que tu travailles trop. Ce n'est pas la faute à la femme. Ce n'est pas la faute au mari. Mais l'ennemi va s'incarner. Tes amis vont trouver que tu n'as pas le temps pour eux. Ils vont commencer à se plaindre. Ils vont commencer à te manipuler. Les gens vont commencer à te prendre en désordre. C'est la vérité que j'ai dit, bien aimé. Avec mes plus de 20, 20 ans de combat spirituel, j'ai appris, j'ai observé. Pardonnez-moi de le dire, je vous aime beaucoup. Votre problème, c'est que vous combattez Satan, mais vous ne le connaissez pas. Et toujours, vous gâtez vos bénédictions. Vous jeûnez, 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 mais vos bouches là, ça ne reste pas tranquille. Vous jeûnez, 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 vous n'avez aucun contrôle sur votre corps. Les envies, vous êtes faibles. Je ne vous ai pas insulté. Faible. Vous êtes faible. Vous quittez à l'église, il hein, y a des disputes à la maison qui vous attendent. Il n'y a pas quelqu'un qui va se calmer pour dire non, je suis quitté à l'église et Vous vous jetez dedans sans réfléchir. Vous sortez d'un moment de jeûne. Aussitôt les envies, les disputes, les querelles, les commérages, les choses s'élèvent. Vous vous jetez dedans. Parfois même en pleine route, vous faites palabre. Il y a des femmes, tu peux les voir prier, prier, prier. Elles sortent de là faire palabre. On est trop faible. Et l'ennemi arrive à gâter vos bénédictions. Parce qu'il sait que la prière du juste a une grande efficacité. Il sait que la prière du chrétien qui se garde, qui se préserve, a une grande efficacité. Je vais entendre quelqu'un dire Seigneur, aide-moi à surmonter toutes les faiblesses dont l'ennemi se sert. Dis, Seigneur, ce n'est pas parce que tu ne m'exhaustes pas, mais après mes prières, je gâte tout. Dis-lui, Seigneur, aide-moi à surmonter toutes mes faiblesses, aide-moi à rester calme quand on me provoque, aide-moi à me maîtriser, aide-moi à contrôler ma bouche, aide-moi à contrôler mes émotions au nom de Jésus. Le diable contrôle le monde, même vos amis. Tu seras étonné que c'est au moment où tu dois être béni qu'on va envoyer un prétendu chrétien qui va venir t'attaquer au téléphone, te mettre en colère? Et puis tu te dis, mais ah, même un chrétien qui a été utilisé pour ta voix. Tous ceux qui vous mettent en colère, est-ce que ce sont des païens? Ce ne sont pas des païens. Tous ceux qui viennent à des commérages, est-ce que ce sont des païens? Ce ne sont pas des païens. Toutes ces femmes-là qui ont fait tomber des hommes de Dieu, est-ce que ce sont des païennes? Ce ne sont pas des païennes. Tous vos prétendus frères en Christ qui ont couché avec vous gratuitement, là, ce sont des païens. Ce ne sont pas des païens. Ce sont des chrétiens. Celui-là qui doit corriger sa vie pour pouvoir dire non aux filles, qui se laisse utiliser par le diable, là, c'est toi. Celle-là qui doit contrôler tes émotions, tes envies, pour pouvoir dire non à ces hommes-là, c'est toi. Je vais te faire mal au cœur, mais c'est pour ton bien. Parce que la raison pour laquelle tu as couché hein, au moins 1000 hommes là, c'est parce que ta chair, là, tu ne peux pas la maîtriser. Donc, l'ennemi sait que il te suffit seulement de persévérer. Tu auras tout ce que tu veux. La vie t'a peut-être fait croire que tu es misérable. Tu n'es pas misérable. Le seul problème. Ce sont les défauts qu'ils ont mis en toi que tu n'arrives pas à surmonter. La prière du juste a une grande efficacité. Mais bien aimé, apprenez à maîtriser vos démons et vos portes seront à permanence ouvertes. Pardonnez-moi de le dire. Il y a beaucoup de femmes que vous voyez comme ça là. Elles parlent beaucoup, 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 beaucoup. C'est rien que des bavardages. Je vous respecte beaucoup. Mais aussi, ça ne m'empêche pas de prêcher la vérité. Je vais le dire, si ça te fait mal, il faut te déconnecter pour digérer, puis tu reviens. Tu les vois comme ça, là. Parler beaucoup, 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 beaucoup. C'est tout. Parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a rien. Un gars vient tout de suite, là, tombe deux minutes. Parce que ça fait longtemps même qu'elle attendait dans tous les cas. Même pas de réflexion. Elle ne prendra même pas le temps de voir si c'est Dieu qui l'a envoyé ou ça. C'est tout, quoi. Parler beaucoup, 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 mais pardonnez-moi de le dire, mais il n'y a rien. C'est pour ça l'ennemi est arrivé à vous voler si facilement. Comme à une jeune fille de 30 ans, déjà tu comptabilises combien d'hommes Tu as un problème. Tu as besoin d'une délivrance sérieuse. Tu n'es pas la femme de tout le monde. Il y a un homme qui t'est destiné. Même si tu veux tester pour voir si c'est bon, est-ce que tu as besoin de tester pour voir si c'est bon Si c'est l'homme que Dieu t'a envoyé là, tu crois qu'il va te dire on va tester il n'y a pas de compromission dans le plan de Dieu. Soit il te prend ou il te laisse. C'est vous qui faites des compromissions qui vous détruisent. Des compromissions. Il n'y a pas de compromission dans le plan de Dieu. Dieu ne peut pas t'envoyer un homme qui va t'exiger de, te, de, 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 de te finir en six mois avant de se décider. Pardonnez-moi de le dire. C'est vous qui sabotez vos vies. C'est vous qui jouez vos corps. Mes frères, c'est vous qui jouez vos vies. Mes soeurs. Et moi, je vais le dire. Ça ne va pas vous plaire. Mais la vérité est la seule chose qui nous libère. Parfois, là, c'est votre incapacité à vous maîtriser, à vous contrôler, là, qui vous détruit. Si seulement vous pouvez décider que je rentre dans ma destinée, je me donne six mois, je me donne un mois, ça va vous coûter quoi? Mais on prie beaucoup, on combat le diable et puis on reste faible. Votre vie. N'est pas aussi misérable que ça. L'ennemi sait ce qui se trouve en vous. L'ennemi sait ce que vos prières valent. Bien-aimé, si c'était faux, dis-moi, mon bien-aimé, pourquoi il t'attaque quand tu pries Si c'était faux, pourquoi il te combat quand tu pries Si c'était un mensonge, pourquoi ils veulent t'empêcher de prier Ce que je te dis là, si ta vie était aussi misérable que ça. Si toi tu n'étais pas capable de sortir de leur, de leur emprise, si ta prière n'allait pas apporter des bénédictions, pourquoi ils te perturbent Pourquoi au moment où tu dois prier, c'est là ils envoient des copines Pourquoi au moment où tu dois jeûner, c'est là ils créent des disputes Parce qu'ils savent que la prière du juste a une grande efficacité. Ne croyez pas que le Seigneur ne vous entend pas. Le Seigneur entend toutes vos prières. Votre problème là, c'est parce que vous refusez de vous convertir. Je peux insulter papa de quelqu'un. Regarde bien mon visage. Je sais que quand je vous dis la vérité là, vous me fuyez. Mais au moins, je préfère que vous me traitez de tous les noms. Que vous croyez que je suis là pour votre mal. Mais au moins, ceux qui réfléchissent savent que qui aime bien châtie bien, qui veut le bien dit la vérité. Votre problème, c'est que la chair, la faiblesse, le comportement, la paresse, la lourdeur, la négligence, l'esprit de vagabondage et d'instabilité qui vous ont donné là. C'est ça votre problème. Vous n'êtes pas ferme. Vous devez être des gens fermes. Vous devez être des femmes fermes. Vous devez être des gens qui savent. Regardez, pendant deux ans, avant que ma femme et moi entrent en contact, elle s'est privée pendant deux ans. Elle a coupé connexion pendant deux ans. Je n'ai prié pendant deux ans. Vous avez son témoignage qui est sur Internet. Deux ans. Tu vas aller dire ça à certaines filles. Il faut faire deux ans. <laughs> <laughs> tu as tué enfant des gens ici. Deux ans. Des gens même qui s'exposent, qui cherchent clients. Tu vas aller dire deux ans. Tu dis un mois même, tu as tué certaines personnes finies. Un mois. Ça, c'est suicide. Un mois. Je sais qu'il y en a qui vont dire non, j'ai fait deux ans, j'ai fait trois ans, je sais que tu as fait tout simplement deux ans et que tu ne passais pas toutes tes nuits dans ta douche. Parce qu'arrêtez de venir mentir ici aux gens. On n'est pas des enfants. OK Donc voilà l'affaire là qui est là. On, a, on a avançons seulement. Allons seulement. Vos faux deux ans là, ce n'est pas de ça que je parle. <laughs> C'est ça la vérité. <laughs> ah oui Pourquoi elle pas dit la vérité Je ne parle pas de vos faux deux ans. Je parle de vrais deux ans. Ou tu ne peux pas taper 10 minutes par jouer matin, midi, soir, dans la douche. Je ne parle pas de ça. C'est bon. Je ne parle pas de tes deux ans, regarder des films pornographiques et apprendre à faire des positions au lit. Non, 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 ce n'est pas de ça qu'ils parlent. Je parle de vrais, vrais deux ans. Donc arrêtez de vous foutre de moi ici. Donc allons seulement. Non, les chrétiens croient qu'ils peuvent se jouer les malhonnêtes, et puis Dieu ne voit rien. Vous croyez que vous pouvez mentir aux hommes? Et puis Dieu, il est bête. Si tu veux, tu mets Amen, je parle. tu ne mets pas Amen, je parle. Parce que c'est comme ça, que vous prétendez. Moi, je vis dans la chasseté. Qu Quelle chasseté était? Quittez était devant moi là-bas. Quelle que chasseté Puis Dieu n'a pas encore trouvé place pour mettre un homme. Quelle chasseté Quelle chasseté Chassé où <laughs> Donc, je vais répéter encore. Je ne parle pas de deux ans avec les cinq doigts. Je parle de deux ans dans la sainteté où tu vraiment c'est vrai deux ans. Voilà. Allons seulement. Donc, mon ami, quand tu t'en prends ta douche là, il faut penser à moi. Il faut changer. Il faut changer. Je le dirai, c'est vos pasteurs qui ont peur de parler de ça, ils appellent ça sujet tabou. Mais Dieu appelle ça repentance. <laughs> Donc, allons seulement. Le Seigneur a déjà des choses en vous. Le diable sait. Et c'est pour ça que ce message-là, il n'aime pas. Parce que ça lui enlève tout le pouvoir qu'il avait sur vous. Il faut dire la vérité. Parce que si nous ne voulons pas vous aider, ça ne sert à rien de venir être des pasteurs. Quand nous venons en ligne là, la meilleure façon de vous aider en ligne, c'est de vous dire la vérité. Parce que vous nous faites confiance. Parce que vous faites confiance à nos prières. Mais on ne va pas seulement se contenter de vous faire prier. On veut que vos prières soient efficaces. Alors s'il y a des choses, on prêche, on prêche, on prêche, les gens écoutent, mais ils n'exécutent pas. Ne vous inquiétez pas. On va prêcher. On va insister. On va s'asseoir dessus. Juste à ce que vous sortiez de ce bouvier-là. Bien aimé, on ne lâche pas. On est là pour une mission. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on vienne se faire le beau visage ou je ne sais quoi, se mettre en cravate pour que vous nous voyez et à la fin, apporter les 10 000 les offrandes. 10 000 offrandes, là, vous allez apporter. Mais la vérité, là, on va prêcher. Est-ce qu'elle est qu y a menti? Pourquoi on vient jouer les sentiment des gens? Donc, dis à quelqu'un, je vais insister encore, je ne dis pas deux ans à ta manière. Parce que très souvent, il y a des gens qui sont des menteurs et des menteuses. Il y a des hommes qui disent, oh, moi, elle fait deux ans sans toucher femme. Oui <laughs> Sans toucher femme physiquement, mais ta femme virtuelle, là. Ta femme virtuelle. Tu sais de quoi je parle, non, mon frère Toi, là, qui passes tout tes temps dans, le, dans la douche à finir tes savons, là. Ta femme virtuelle, là. C'est de ça qu'on parle. Frère, il y a des choses que nous devons retirer de notre vie. On n'est pas parfait, mais on doit faire un effort. Car... La prière du juste a une grande efficacité. Ça peut être ce que je dis là, mais ça peut être aussi la médisance. Ça peut être aussi tes faiblesses. Qu'est-ce que tes ennemis utilisent Regarde. Montre-leur, maintenant je connais. Maintenant je sais. Maintenant je sais. Je sais ce que vous utilisez pour m'avoir. Maintenant, je sais que c'est la colère. Maintenant, je sais que c'est la médisance. Maintenant, je sais que c'est le mensonge. Il y a des femmes qui mentent et qui n'ont même pas honte. Ma soeur, si tu es une menteuse, ça veut dire que tu peux mentir. Tu ne peux pas parler, faire deux phrases, deux lignes sans mentir. Homme qui ment, on comprend que tous les hommes mentent. Mais femme qui ment, c'est une tragédie. Et elle peut mentir pour atteindre ses buts mentir aux hommes. Et elle n'a pas peur. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont déposé dans ta vie, ma soeur. Peut-être que tu es devenu quelqu'un qui invente les histoires. Tu peux inventer tout ce que tu veux. Mais pense à ta vie. Pense à ta vie. Pense à ta vie. Ils n'ont pas mis cet esprit de mensonge dans ta vie pour rien. Ils ont placé ça parce qu'ils savent que c'est ça ils vont avoir. Donc que nous soyons tous des menteurs, mais au moins repentons-nous pour notre vie de mensonges. Ma soeur, ta vie n'est pas aussi misérable que ça. L'ennemi sait que la prière du juste a une grande efficacité. Ton seul problème, c'est que l'ennemi s'est arrangé. Il s'est arrangé à ce que tu ne te répandes pas. Il s'est arrangé à ce que tu ne trouves pas le temps de prier. Il s'est arrangé à ce que tu ne te concentres pas. Il s'est arrangé à ce que tu ne changes pas vraiment. Il s'est arrangé à ce que tu ne trouves pas vraiment le temps pour Dieu. Voici ce qui te fatigue depuis des années. L'ennemi est malin. Il ne veut pas que tu te répandes. Il ne veut pas que tu pries. Ma soeur, tu as vu? Regarde-moi. Tu as vu depuis que tu as acheté le livre né pour combattre le diable là? Tu as eu la force pour lire. Parfois, tu as feuilleté un peu. Tu as vu que les prières sont pourtant puissantes. Mais est-ce que tu les lis? Même pas. Regarde. Ils ne veulent pas que tu aies la connaissance pour les chasser. Est-ce que tu arrives à lire ta Bible? Même pas. Même pas. Mais ton téléphone est collé dans ta main tous les jours, même si ça ne t'apporte que des problèmes. Donc, l'ennemi sait que là où tu es là, tu as toutes les chances de réussir. Si tu décides de devenir sérieux. Il y, a des, il y en a là, il y a une ma fille qui est là, là. Elle a plein de problèmes, mais elle est devenue vagabonde d'Internet. C'est de toi que je parle. Elle dort sur Internet. Ça veut dire qu'elle ne va même pas trouver le temps pour aller faire autre chose. Vous dormez sur Internet. Vous ne foutez plus. Vous êtes sur tous les sites pour gagner quoi, on ne sait pas. Si au moins vous appreniez des choses que vous allez appliquer pour changer votre vie, mais vous êtes juste là pour brûler le temps. Ils savent. La prière du juste a une grande efficacité. Et vous devez commencer à prier. La parole de Dieu dit la prière fervente. Donc, où tu es là, mon bien-aimé il n'y a pas quelque chose que tu vas mettre en prière et que Dieu ne va pas faire. Parfois là, ce n'est pas vous qui avez besoin de prières. C'est l'une des vérités que les gens ne vous ont pas encore dites. Bien-aimé, parfois là, ce n'est pas toi qui as besoin de prières. Je vous l'ai déjà dit dans mon message, le pouvoir de l'intercession. Parfois, ce n'est pas toi qui as besoin de prières, Mais c'est ton mariage sur lequel ils sont assis là, qui a besoin de feu, que tu invoques le feu. Un jour, je l'ai su. Une femme a pris mon passeport pour aller faire suppositoire. Et j'ai compris que c'est le pasteur passeport qui avait besoin d'intercession. Ils sont allés bloquer ton travail. Est-ce que quand ils étaient en train de, de t'attaquer là, ils sont venus t'attaquer directement? Mais ils sont plutôt allés bloquer ton mariage. Ils ont maudit le mariage. Ils ont attaqué le mariage. Ils ont verrouillé le mariage. Ils ont maudit l'homme qui doit venir dans ta vie. Ils sont allés bloquer. Ils sont allés verrouiller. Et parfois là, ils sont allés verrouiller tes portes. Ce message-là, je vous l'ai déjà prêché un million de fois. Mais je ne sais pas si certains comprennent ce que je veux dire. Même Dieu a dit dans sa parole en somme que c'est à la porte qu'on doit parler. Porte, élevez vos lenteaux. Élevez-vous, pauvre éternel, que le roi de gloire fasse son entrée. Je vous l'ai déjà enseigné. Je vous l'ai déjà enseigné. Parfois, là, vous vous promenez, zogo, 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 un hein, pasteur, j'avais un devrier, mon mariage, mon mariage, bien aimé. Parfois, là, ta bouche, là, ton mariage attend que tu pries. Pour prier, je libère mon mariage, je libère ma vie, je libère mon âme. Parfois, vous interprétez mal le mot prière. Parfois, vos enfants ont besoin de prière. Votre vie a besoin de prière. Vos finances ont vraiment besoin de prière. Bien aimé, toutes les fois que tes ennemis t'attaquent là, parfois, ce n'est même pas toi. Ils vont maudire ce qu'ils ont vu dans ta vie. Donc, si tu veux la restauration, tu dois plutôt prier pour ce qui a besoin de prière. Si je me trompe, pourquoi Ézéchiel avait un problème où le peuple d'Israël était mort? Mais Dieu l'a dit de parler à l'esprit. Il a plutôt dit de parler à ses esprits morts il a plutôt dit de parler à la chair qui est morte. Il a plutôt dit de parler à ta vie. C'est pour ça que toi aussi, ta bouche là. Ton mariage n'attend que ta prière. Ton travail n'attend que ta prière. Vous savez, dans mon livre, un jour pour toucher le cœur de Dieu, un jour pour toucher le cœur de Dieu, le Seigneur m'a permis de dire quelque chose. Il y a des prières qu'on adresse à Dieu, mais il y a des prières qu'on adresse au problème. Ce n'est pas pour rien vous êtes promené depuis des années pour chercher des prières, des mariages, et puis vous êtes au même endroit. Ce n'est pas pour vous insulter. Parce qu'en réalité, ce n'est pas toi qui as besoin des prières. Dans ce cas-là, c'est ton mariage qui a besoin d'être délivré. C'est ton enfantement qui a besoin d'être libéré. Et là, là, Dieu t'a donné le pouvoir dans ta bouche pour parler à ton problème, pour parler à ta montagne, pour parler à la mer, pour parler au vent en lui disant, silence, car la prière du juste a une grande efficacité. Je suis d'accord que tout le monde n'a pas la même connaissance et la même formation dans le combat spirituel, mais au moins ce que j'ai dit là. C'est clair pour tout le monde. C'est clair. C'est si simple. Donc, la parole de Dieu nous dit que la prière du juste a une grande efficacité. Et comme nous allons vers la fin, je voudrais au moins vous donner un bon enseignement. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Actes 26, verset 20 à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée. Et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec des pratiques d'œuvres dignes de la repentance. Donc vous comprenez que pour que notre prière soit bien, nous devons poser des actions dignes de la repentance. Je ne vous accuse pas, mais je vous prêche la parole de Dieu. Parce que la repentance rend nos prières puissantes. Parce que toutes les forces qui devraient s'opposer à toi en t'accusant n'ont plus le droit de t'accuser. Acte 26, verset 20. Maintenant, regardez ce que Samuel a dit. 1 Samuel 15, verset 11. Je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Frère, le même serviteur de Dieu qui a établi Saül s'est senti déçu, qui a béni Saül. Mais bien aimé, une fois qu'il a crié à Dieu, le Seigneur a retiré son esprit à Saül. Quand un serviteur de Dieu vous prêche, si c'est l'autorité qui a été établie sur votre vie, la Bible dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si le père spirituel prie, il peut vous établir. Mais si il voit que ses paroles ne sont pas écoutées, sa frustration même est une prière, parce que la loi divine dit obéissez à vos conducteurs. Mais qu'en est-il? Des gens à qui on prêche, ils se bouchent les oreilles. Le serviteur de Dieu peut ne pas réagir. Mais le Seigneur qui lui a mis ses paroles dans la bouche sait que y a des gens qui n'écoutent pas. Alors il prend leur nom et le jour où tu vas venir dire, Seigneur, j'ai besoin d'aide, il sait que toi, tu fais partie de ceux qui n'écoutent jamais rien. Alors lui aussi n'écoute pas ta prière. Mais la prière du juste a une grande efficacité. Vous êtes déjà allé voir des pasteurs. Quand ils ont prêché, vous avez fui. Vous les avez trouvés durs. Quand vous êtes allé ailleurs, est-ce que Dieu vous a exaucé? Ce n'est pas parce que je souhaite qu'il ne vous exauce pas. C'est pour dire que ce que le serviteur de Dieu prêche, c'est ce que le Seigneur a trouvé bon de vous dire d'abandonner pour que votre vie avance. Si vous voulez, prenez, si vous voulez laisser. Mais celui qui ferme l'oreille à la loi pour ne pas écouter ce qu'on lui prêche. La Bible dit à son tour, quand il crie, Dieu ferme l'oreille. Mais la prière du juste a une grande efficacité. Regardez, Luc 6, verset 12 dit ceci, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier. Quand le jour parut, il appela les disciples et il en choisit douze auxquels il donna. Le nom d'apôtre. Bien aimé, voici le Seigneur Jésus lui-même, ton Dieu, qui devrait aller dans une mission. Tu as vu? Le Seigneur devrait aller en mission. Il a fait le choix de ses disciples. La Bible dit qu'il a passé toute la nuit à prier. Toi aussi, tu peux passer toute la nuit à prier pour un homme. Tu peux passer toute la nuit à prier pour que Dieu te montre si c'est vraiment l'homme. Bien aimé, tout ce qui brille n'est pas de l'homme. Il y a des boulots qui ne sont pas des boulots qui viennent de Dieu. Le diable est capable de t'envoyer un boulot pour te sortir du boulot de Dieu. Il y a des voyages. Tu dois prier. Sinon, tu vas aller te mettre en Afghanistan ou te bloquer au Maroc, quelque part, où Dieu n'a pas prévu de chemin pour toi. Parce que tu as entendu, les gens dire qu'il y a voyage au Maroc. Et ça fait 12 ans que tu es bloqué là-bas. Il y a des décisions qui ont besoin d'être précédées et accompagnées des prières. Parce qu'il n'y a que dans la prière que Dieu peut nous aider. Sinon, un beau jour, tu te mets dans une situation, tu as déjà fait 50 enfants. C'est là que tu demandes à Dieu de révéler l'homme de ta vie. Mais tu perds ton temps. Sauf sa grâce. Ça fait combien d'années tu es là-bas? C'est maintenant que tu demandes quoi? Après avoir tapé 25 ans dedans, là, tu te fous de qui Et puis l'homme de ta vie, là, lui, n'a qu'à rester là, t'attendre. Il n'a rien à foutre de sa vie. Voilà, il n'a rien à foutre de sa vie. Il n'a qu'à t'attendre que tu ailles faire des bêtises. Et parfois, on fait des choix sans réfléchir. Du boulot, sans réfléchir. Et autres. Jésus-Christ de Nazareth va passer toute une, toute une nuit avant de faire un choix. Aujourd'hui, il y a tellement de ruses et les gens sont tellement hypocrites. Les femmes sont tellement hypocrites. Les hommes sont tellement hypocrites qu'à moins que tu ne pries le Seigneur, tu peux tomber dans un guet-apens spirituel. De quelqu'un même qui te dit même qu'il est l'enfant qu'il était enfant des cœurs. Mais un tueur né, un tueur de destinée né, une tueuse de destinée né. Vous savez combien de gens souffrent, combien de femmes souffrent, combien d'hommes souffrent, mais avec des femmes qui sont passées pour des princesses, des hommes qui sont passés pour des, pour des quoi Princes charmants, mais des vrais pervers, des vrais pervers, des vrais prédateurs, des vrais prédatrices qui cherchaient seulement une occasion pour atteindre leur but, pour révéler leur vrai visage. C'est pour ça, en tant que chrétien, vous ne devez pas prendre certaines décisions. À la légère. Quand l'homme veut quelque chose, il sait devenir bon et il sait être patient. Mais la prière du juste a une grande efficacité. Matthieu 14, 23 dit ceci. Quand il eut envoyé, quand il lui, il lui, il lui, quand il, quand il lui renvoyé, il monta sur une montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était tout seul. Qu'est-ce qui rend la prière du juste efficace Bien-aimés, nous intercédons. Mais il y a des prières où tu dois être seul. En tant que Père spirituel, nous vous enseignons à prier. Nous vous donnons toutes les prières. Je sais que vous pouvez appeler le Père spirituel pour lui dire bonjour et le soutenir aussi de temps en temps. Mais la Bible dit que... Le Seigneur Jésus a renvoyé tout le monde, tous ceux qui le suivaient. Et il est allé seul et passer le temps dans la prière. L'une des choses qui rend le juste puissant dans la prière, c'est qu'il est déterminé. Et il sait quand pour passer des moments seul dans la prière, mais il y a des gens qui sont là, oui, si deux ou trois s'accordent, bien aimé. Il y a des choses où Dieu, deux ou trois s'accordent. Mais il y a des moments, toi-même, tu dois aller devant Dieu. Parce que leur histoire de deux ou trois s'accordent, là, ce sont des paresseux qui ne sont capables de prier que qu'en présence de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'ils cherchent deux ou trois. Si c'est eux-mêmes, ils vont passer deux minutes et puis c'est fini. La prière du juste a une grande efficacité. Mais le juste doit avoir des stratégies. Qu'est-ce qui rend la prière du juste efficace C'est qu'il est déterminé. Il n'est pas distrait. Il n'est pas lourd. Il n'est pas négligent. Regardez ce que Luc dit. Luc 9, 28. Luc 9, 28 à 30 dit ceci. Environ huit jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui. Pierre, Jean et Jacques. Il monta sur une montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changeait et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici deux hommes s'entretenaient avec lui. C'était Moïse et Élie. Jésus-Christ n'est pas allé juste se mettre là à prier et puis élier. Élie et puis Moïse sont sortis. Frère. Il y a des prières qui ont besoin de huit jours dans la solitude. Huit jours, soit avec tes guerriers de prière. Huit jours avec tes partenaires de prière. Jésus n'a pas pris tous les disciples, mais il a pris seulement trois personnes avec lui. Et la Bible dit, huit jours avant que la réponse ne vienne. Huit jours. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une femme. On parle de Jésus, le Fils de Dieu, le Messie. La parole de Dieu dit que pour une seule prière, il y a passé huit jours. Madame, toi qui prétends que tu pries et puis ça ne monte pas à Dieu, est-ce que tu as déjà pris une retraite? Pendant huit jours, tu ne veux pas revenir sans ta réponse. Pendant huit jours, sans passer le temps à dormir. Pendant huit jours, sans tripoter ton téléphone. Pendant huit jours, sans impudicité. Pendant huit jours, sans dormir. Ce n'est pas vos faux jeûnes de sommeil là. Pendant huit jours, sans te mêler des choses inutiles. Le Seigneur, mon mariage, je le libère. L'homme de ma vie, qu'il me localise pendant huit jours, frère. Mon but est de vous ouvrir les yeux, et je vais le dire encore, même si ça déplaît à certaines personnes. Notre problème chrétien, notre problème, c'est la paresse, la négligence, la lourdeur, la distraction, les bavardages, l'entêtement et non. Seigneur Jésus là, il est allé passer huit jours à la montagne. Et la Bible dit qu'il a jeûné. Ton Seigneur Jésus là, la Bible dit qu'il a jeûné 40 jours, 40 nuits, avant même de déclencher sa mission. Madame, toi tu es là en train de jouer les paresseux. C'est pour venir appeler le pasteur éloge. Pasteur éloge, je vais appeler le pasteur Jérémie pour qu'il prie pour moi, mais il dit qu'il est t'appeler. Il était appelé. faut rester là. Tu n'as rien compris encore. Vous voulez des grandes choses, mais vous êtes paresseux dans la prière. Si c'est pour bouffer tout ce qui est dans la maison, là, là, vous êtes prégnés. Les serviteurs de Dieu sont là pour vous enseigner. Ils sont là pour vous accompagner. Ce n'est pas à eux de se taper toute la job après avoir sacrifié leur journée. Leurs nuit, leurs heures, le temps qu'ils doivent passer avec leur famille à préparer des messages, à préparer des choses, à préparer des programmes, à faire des jeunes, à organiser. Après, vous êtes encore collés sur leur dos comme des Akmanis. Même pas de temps pour nous reposer. Même pas de temps pour nous, aucun répit. On est sur ta tête matin, midi, soir. Maintenant, on ne parle plus à Dieu, c'est aux hommes de Dieu qu'on parle. On n'a pas dit de nous appeler pas, mais parfois les gens sont vraiment paresseux. Ils exagèrent. Bien-aimé, tu as deux minutes de prière que tu passes là, là. Et puis tu crois que tu as prié là. Il faut aller regarder l'exemple de, 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 ton, de ton Seigneur Jésus. Madame, j'ai déjà prié. Il faut aller regarder l'exemple de ton Seigneur Jésus. Jésus-Christ ne prenait pas des jeunes et prières pour dormir. Jésus-Christ ne prenait pas des jeunes et prières pour dormir en entendant 17 heures pour couper. Parce que c'est ce que vous faites. Jésus-Christ ne prenait pas des jeunes et prières. Et puis non, je suis au travail. Amen. Jésus-Christ ne prend pas des jeunes et prières pour aller faire du commérage. Jésus ne prend pas des jeunes et prières pour passer les 14 jours avec son mari au lit à faire des bêtises. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Vous voyez? Est-ce qu'on peut décider qu'aujourd'hui, là, on va sortir du problème? Est-ce qu'on peut décider que finalement, on va briser la chaîne? Est-ce qu'on peut décider que finalement, on va, te, on va se faire violence? Il faut se faire violence. Parce que beaucoup de gens jeûnent, on va prier tout à l'heure et puis on va arrêter. Beaucoup de gens jeûnent, mais ils gênent mal. Ils gênent, mais il n'y a pas d'implication. Ils jeûnent, mais ils dorment seulement. Combien de gens jeûnent, mais ils sont incapables de prier une heure, trois fois par jour? Il y a rien. Il y en a même qui jeûnent. Du matin au soir, ils sont occupés à faire d'autres choses. Et à la fin, ils coupent. À la fin, ils coupent. Quand ils ont deux minutes, ils marmonnent un peu quelques paroles. Excusez-moi du thème, c'est du n'importe quoi. Parce que si tu étais décidé à sortir de tes problèmes, la nourriture ne devrait pas t'intéresser. Aller faire l'amour et ton mari ne devrait pas t'intéresser. Bien-aimé, est-ce que tu sais quelqu'un qui est déjà préoccupé vraiment? Est-ce que tu sais vraiment quelqu'un qui veut sortir de son problème? Est-ce que tu sais quelqu'un qui en a assez de souffrir et qui est prêt même mourir pour atteindre sa vie? La prière du juste a une grande efficacité. Mais aujourd'hui, on cherche des gens qui vont prier pour nous. Ce n'est plus nous qui prions. On cherche des gens à qui expliquer nos problèmes. Parfois, ton enfant est en train de mourir. Ton mari est en train de mourir. Toi-même, tu es en train de mourir à petit feu. Tu préfères juste aller expliquer le problème à quelqu'un et venir continuer à dormir. Frère, ce que je vous dis là, on s'est laissé trop détruit. La Bible dit que... Jésus-Christ pria. Mes frères, Jésus a prié jusqu'à son sang. Sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. La Bible dit qu'il a tellement prié jusqu'à sa sueur s'était transformée en sang. Tes jeunes prières, là, c'est pour regarder Netflix. Tes jeunes prières. C'est pour dormir. Tes jeunes prières, tu n'ouvres même pas la bouche pour parler à Dieu. Comment veux-tu que Dieu entende tes prières? Et la Bible dit que Jésus-Christ, pendant huit jours, il pria. Et la Bible nous dit aussi que... C'est vers la fin, c'est vers la fin qu'il y a une porte invisible qui s'est ouverte. La lumière est parue, Et Élie et Moïse sont apparus dedans. Après huit jours. Mais ma soeur, toi-même aujourd'hui, tu as des livres de prière. À savoir même si tu les as. Tu as même la Bible. À savoir même si tu la lis. Tu ouvres deux minutes, tu fermes et tu passes tout ton temps sur les réseaux. Tu ouvres deux minutes, après tu es ici, après tu es là-bas. Bon, toi-même là, tu es dans une situation déjà où tu veux que Dieu te bénisse. Mais ton comportement là, ça déçoit Dieu. Tu aimes la facilité. Tellement la facilité que tu veux juste croiser tes doigts et puis ça va tomber du ciel. Mais la parole de Dieu nous dit que environ huit jours, Jésus a prié. Huit jours. Huit jours de prière ciblée. Huit jours où il avait décidé qu'il fallait entrer en contact avec le ciel. Vous connaissez l'histoire des disciples qui ont prié. La Bible dit trois jours, et c'est le quatrième jour que le Saint-Esprit est descendu. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui nous enseignent des bêtises. Oh non, vous n'avez pas besoin de trop prier. Mais bien aimé, depuis que vous faites vos prières là, vous n'avez pas vu que les choses deviennent de plus en plus dures. Le jour que vous poussez un peu loin dans la prière, l'ennemi vous agresse violemment. Pour que vous arrêtiez. Dès que vous commencez à pousser un peu fort dans la prière, il commence à venir bourrer votre, nourriture, votre ventre à la nourriture. Il commence à venir vous attaquer. Il vous perturbe parce que les prières les dérangent. Maintenant, imaginez que vous persévérez. Marc 9, verset 2 dit quoi Six jours après, Jésus prie avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduisit seul à l'écart en haut de la montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devaient resplendissants et d'une blancheur qui n'est pas foulant sur terre, qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent et s'entretenaient avec lui. Tu veux que le Seigneur s'entretienne avec toi? Tu veux que le Seigneur te visite Il peut te visiter. Mais bien-aimé, ce n'est pas que Dieu ne peut pas venir. Il peut venir. Mais il faut que tu pries juste à ce que les barrières autour de toi tombent. Parce que bien-aimé, parfois tu pries mais dans la distraction. Tu n'arrives même pas à te concentrer. Or, il y a un niveau où la prière monte au ciel. C'est lorsque tu peux être dans la présence de Dieu. Sans que ton esprit se balade, sans que tu penses à ton assiette, sans que tu penses au cousin que tu vas visiter, c'est lorsque le chrétien qui prie arrive à un niveau où, quand il prie, c'est l'esprit qui prend le dessus. Là, là, les pensées sont dans la prière, l'esprit dans la prière, le cœur dans la prière. Mais vous, là, vous ne savez pas que. La prière dure un certain temps. On est encore dans la chair. Un certain temps, on commence à être dans l'esprit. Un certain temps, le ciel s'ouvre. C'est à partir de ce moment que vous allez voir que on n'a plus la notion du temps. Même si on a dit qu'on va prier pour une heure, on prie pour deux heures, on prie pour trois heures. La prière franchit des paliers et des étapes. Maintenant, vous, on vous a juste fait croire que la prière, là, c'est prier, parler à Dieu. Oui, c'est parler à Dieu. Mais la prière franchit des étapes. Ça veut dire que quand je viens là, là, je suis d'abord dans la chair. Je prie, je prie, je prie, juste à ce que l'esprit prenne le dessus. C'est là que les gens tombent en transe. C'est là que les gens ont des visions. C'est là que les gens ont des connexions et des frissons et des visitations et parlent en langue. Maintenant, toi, quand tu viens faire deux minutes devant Dieu là, tu as atteint quel but? Ce n'est pas on qui dit, c'est la vérité que je vous dis. Le jour que vous voyez quelqu'un manifester sur le champ, c'est qu'il s'est bien préparé avant de venir. C'est qu'il était dans la louange, dans l'adoration. Il était dans l'atmosphère. Là, quand il vient, il prend le micro, c'est fini. Tout le monde va tomber. Maintenant, vous, vous allez juste parler à Dieu dans la chair. Et parfois, vous êtes en train de prier, mais vos pensées sont dehors. Est-ce que les enfants ont mangé même Vous priez même, en train de ranger la maison. Vous priez même, l'esprit n'est même pas concentré. Tu es là, tu es en train de prier. Quelque chose te dit Gobelé là-bas, ça fait quoi là? Gobelé là. Jusqu'à même, tu es en pleine prière, tu ne vas jamais te concentrer. Le Gobelé, le gobelé, le. <laughs> jusqu'à tu vas aller enlever Gobelé là. Comme si Gobelé là t'empêchait de prier. <laughs> ça dit que tu sens que les gens ne comprennent rien dans la prière. <laughs> tu comprends? Tu pries, tu pries quelque chose, tu te dis, mais est-ce que tu as chauffé la sauce de ton mari? Jusqu'à ce que tu vas aller même dire aux enfants, les enfants, <laughs> sortez la sauce de votre papa. S'il sort là, dites-lui que je suis en train de prier, mon ami. Aïe! Donc tu comprends que les gens n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. mais, Jeff, les gens n'ont rien compris. Et avec ça, ils m'ont dit qu'ils prient. Tu pries quoi? Tu parles, c'est tout, tu parles seul. <laughs> Aïe, tu as, on, peut, on peut prier en travaillant, hein. mais une personne qui prie en conduisant, là. parfois, elle est concentrée qu'une personne qui est assise chez elle en train de prier. C'est la vérité? Quand tu pries en conduisant, tu es concentré. Ça dit que tu as une concentration. Ah oui! C'est le seul moment où tu deviens sérieux. Au volant, tu sais que erreur de toi. <laughs> C'est pas bon. Parti. Donc, les gens sont là, ils se blaguent depuis des années. Ils disent qu'ils prient Dieu. Ils disent qu'ils prient Dieu. Vous-même, là, regardez. Quand je suis dans le combat spirituel avec vous, là, souvent le Saint-Esprit se manifeste le, le, les premiers moments, selon ma préparation. Mais très souvent, c'est après six heures du combat qu'il vient. Et même quand tu veux partir, tu te dit tu restes. Alors, la prière franchit des étapes. Maintenant, quand tu viens prier là, ton corps te démange. Ta tête te démange. Tu as l'impression que des choses se promènent sur ton visage. Ok? Ton dos te démange. Partout te démange. Tu as quelle concentration? Tu es là, tu te promènes, tes pensées au village. Tes pensées chez ton copain. L'ennemi va soulever des, des images de ce que tu allais faire le samedi, ça revient dans ta tête. Il n'y a même pas de concentration, tu dis tu pries. Tu pries quoi? L'ennemi sait que si tu te concentres, ce n'est pas bon. Parfois, même quelqu'un t'a fait mal, t'as parlé mal, ils vont aller soulever pour devenir déposer sur ta tête. Donc, mes amis, ceux-là qui vous ont dit non, que la prière, c'est parler à Dieu là. Moi, je vais vous dire que c'est faux. Il faut savoir parler à Dieu. La prière, c'est se disposer pour parler à Dieu. La prière, c'est s'organiser pour parler à Dieu. La prière, c'est se mettre en esprit pour parler à Dieu. La prière, c'est se sanctifier pour parler à Dieu. Ce n'est pas te lever un beau matin, parfois même tu es chez ton copain. Vous avez fait des bêtises toute la nuit, tu dois te mettre au salon, tu dis non, mon ami, j'arrive, attends, moi, j'arrive. <laughs> Aujourd'hui, c'est dimanche. <laughs> Je dois suivre le direct du pasteur Éloge. Amen. Et après, tu reviens et dis, tu as fini. Tu dis, oui, j'ai fini. Passe ici. <laughs> Donc, euh, les gens, ils se mentent. Pendant des années, ils savent pas qu'ils se mentent. Amen. Donc, dis à quelqu'un, la prière, c'est pas n'importe quoi. La prière, c'est se mettre dans les conditions. C'est préparer. <laughs> <laughs> C'est préparer. Ce n'est pas ces histoires-là où vous allez faire le show le samedi soir et après vous dites non, je dois vite rentrer. Tu es rentré pour faire quoi Non, il faut que j'arrive avant 13h. Pourquoi Le pasteur éloge, le prophète éloge, je va passer en direct. Vous vous foutez de qui Donc, je dis à quelqu'un que, pardon, la prière du juste a une grande efficacité. Et très souvent, les conditions dans lesquelles on prie, ça ne plaît pas à Dieu. Donc mon ami, comme on va couper ça maintenant, regarde ce que la parole de Dieu déclare. Je vais répéter ça encore pour toi. La Bible dit, et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre. Il s'assit au-dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Le Seigneur, le Seigneur, est capable de faire descendre un ange, mais il faut que tu pries jusqu'à ce que le chemin s'ouvre. Il faut que tu pries jusqu'à ce que le chemin s'ouvre. C'est comme ça, ça se passe. Donc la prière, c'est pas parler à Dieu. Parce que tu peux parler à Dieu, mais Dieu n'entend pas encore, à cause des barrières qui empêchent l'oreille de Dieu d'entendre, à cause des obstacles qui empêchent la prière de monter à Dieu. Je te garantis que le jour où ta prière monte à Dieu, la réponse vient toujours. Amen. Donc, la Bible dit que Jésus-Christ a prié jusqu'à ce que ses vêtements deviennent blancs. Frères et sœurs, je suis devant vous. L'ennemi m'avait mis dans une situation chaotique et délabrée. Mais après 40 jours de jeûne et prière, après six mois de combat, un changement radical, ce qui était impossible est devenu possible. C'est le Seigneur Jésus qui m'a délivré. Mes bien aimé. pour que Jésus-Christ puisse apparaître dans mon songe, il a fallu vraiment que j'ai prié. Juste à ce que les barrières tombent. Les barrières du péché tombent. Les barrières d'accusation tombent. Les barrières tombent. C'est alors que la réponse est venue. Daniel avait été bloqué parce que sa prière n'arrivait pas. Donc toi, tu penses que quoi? Tu vas juste rester là, jouer les paresseux, et te promener pour expliquer ta vie aux gens. Et tu dis que tu pries ton Seigneur Jésus même. A fait une prière fervente. Et la Bible dit qu'il est resté avec ses guerriers de... pendant environ huit jours. C'est-à-dire pendant sept jours et demi. Voici le chiffre secret. Sept jours et demi. Sept jours et demi. Avant que Dieu n'envoie un ange pour le nourrir, il a jeûné. Pendant 40 jours, 40 nuits de jeûne et prière, il va commencer sa mission. Il voulait être encore plus rempli. Maintenant, ma sœur, toi, parfois, tu vas à des rendez-vous sans faire ce que Jésus t'a enseigné. Toi, tu es là en train de jouer les paresseuses. Mon mariage, mon mariage, mon mariage, mais je vais te le dire c'est à cause de toi que ton mariage est bloqué. C'est à cause de toi que ton mariage est bloqué. Océan des Grâces avait besoin d'un local. et J'ai demandé à Dieu. On a besoin d'un local. D'ailleurs, même c'est pour ça que j'ai mis <laughs> le test là pour dire le ministère Océan des Grâces a besoin de votre aide. Non, mon ami. Après avoir chassé tes démons là, faut pas oublier ça. <laughs> Vous voyez ça qui est en bas là Faut bien lire. Faut pas faire comme si tu vois pas. Et pendant qu'on cherche le local, frères et sœurs. La personne qui doit nous donner le local, les sorciers de sa famille sont venus. Moi aussi, les sorciers de ma famille sont venus. Coalition des sorciers. Ce n'est pas un qui dit. J'ai des témoins qui sont là. Ça dit qu'ils se sont levés pour que la dame ne nous donne pas le local, la maison. Et en même temps, aussi, de mon côté, les gens se sont levés. Parce qu'ils ont vu que Dieu voulait me donner quelque chose. Et, frères et sœurs, je suis debout. Que le feu tombe, que le feu tombe. Pendant deux semaines, je ne dois pas. Que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe. Et ma femme a fait un rêve. Un homme est passé là-bas pour faire une pression à la femme, pour que la femme n'accepte pas de nous donner le local. Que le feu tombe, que le feu tombe, que le feu tombe. C'est le dernier jour, quand tout a été conclu, que mon agent est venu me dire, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? J'ai dit oui. Il dit, quelqu'un est allé derrière vous pour aller donner, pour aller proposer, plus que vous. Dieu l'a révélé. S'élever dans la prière. Ma sœur, la Bible dit que quand Jésus-Christ de Nazareth a senti que quelque chose arrivait, il est allé, il s'est mis à prier. Mais toi, quand tes rêves t'annoncent que quelque chose arrive, toi, au lieu d'entrer dans la prière, tu vas plutôt expliquer tes rêves aux gens et tu continues d'aller dormir pour rêver. Ce n'est pas étonnant que tu es bloqué depuis des années malgré que tu pries. Ce n'est pas que je souhaite que tu sois bloqué, mais c'est le cas. On peut fuir la vérité, mais on est dans la réalité. Parce que tous les rêves qui annoncent un danger ont besoin d'une prière fervente. Tous les problèmes, toutes les opportunités ont besoin d'intercession. Et c'est pour ça que Dieu passe par toi, pour te révéler. Je vais encore te bénir. Ils se sont levés. Je vais encore te bénir se sont levés. Toi aussi, lève-toi. Je suis prêt à te défendre. Mais bien-aimé, combien de fois, au lieu de vous mettre à prier, au lieu de dire, je sens que quelque chose arrive, j'entre dans la prière. Je sens que je vais être béni, j'entre dans la prière. Je sens qu'ils veulent changer mon destin, j'entre dans la prière. Vous restez couché. Vous vous réveillez au beau milieu de la nuit après des rêves effroyables, après des rêves prophétiques. Après des signes qui montrent que vous êtes sur le point d'être béni, l'ennemi s'est levé. Les cauchemars l'annoncent. Les mauvais rêves l'annoncent. Il faut vous poursuivre. Ils vous tracassent. Ils vous oppressent. Vous avez commencé à sentir la lourdeur, la paresse. Ça annonce quelque chose. Mais est-ce que vous vous levez dans la prière pour dire non? Deux jours là, je sens que quelque chose arrive et que je ne dois pas me laisser faire. Deux jours là, je sens que je suis trop en colère. Deux jours là, je sens que je suis trop sensible aux provocations. Deux jours là, je sens que je suis trop affleur de peau, ce n'est pas normal. Deux jours là, je sens que je suis trop distrait. Deux jours là, de ces deux jours-ci, je sens que je suis trop devenu paresseux, je baisse dans la prière. Mais bien aimé, ce sont des signes qui annoncent que quelque chose arrive. Ils veulent te changer ton destin. Mais bien aimé. Pourtant, tu pouvais changer ton destin toi-même. La prière du juste a une grande efficacité. La Bible dit que Jésus nous a donné l'exemple d'une femme. Il dit qu'il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi une femme dans cette ville qui, avait, qui allait voir une femme veuve. La Bible dit que pendant plusieurs jours, la Bible n'a pas dit deux jours. La Bible n'a pas dit un jour, la Bible n'a pas dit deux minutes après, on a essayé, ça n'a pas marché, puis on se décourage. Mmh, oui, des chrétiens faibles, des chrétiens qui se découragent, des chrétiens qui n'ont pas la foi, des chrétiens qui n'ont pas de fermeté, on prie le matin, on pleure le soir, des chrétiens impatients, des femmes impatientes qui ne savent pas réellement ce qu'on veut qui changent leur bouche, on dirait on change habit, qui demandent mais qui ne sont pas persévérantes, des femmes négligentes. La Bible n'a pas dit que cette femme était négligente. La Bible n'a pas dit que cette femme courait partout. La Bible n'a pas dit que cette femme s'affolait et paniquait si facilement. La Bible dit que c'était une femme sereine, une femme déterminée. C'était une femme courageuse. C'était une femme pour qui le nom n'est pas la réponse finale. C'était un d'autres termes, une femme de foi qui dit, ça là, tu me donnes ou tu me donnes un point, un trait. Ça rend rien à voir à hein, un spirituel vagabond là, qui manque de fermeté, de loyauté. Je vais le dire, c'est de toi que je parle. Ça n'a rien à voir avec ces chrétiens paresseux du 21e siècle-là. Ça n'a rien à voir avec ces chrétiens papillons-là qui courent partout à la fois, qui n'ont ni la foi ni la stabilité, qui ne croient en rien, qui se contentent de prier seulement mais qui n'ont aucun repère. Je vais répéter encore pour toi. Ça n'a rien à voir avec ces paresseux de nos jours-là qui prient deux jours, qui ronflent pendant 50 jours. Ça n'a rien à voir. Avec ces chrétiens fébriles et faibles de nos jours. Ça n'a rien à voir avec ces bébés chrétiens à vie, là. Ça n'a rien à voir avec toi qui me regardes, là, qui pleure tous les matins, là. J'ai dit, ça n'a rien à voir avec euh, ces sœurs, ces là, qui se jouent les grandes sœurs, mais devant les problèmes, là. J'ai répété ça encore. C'est pour toi que je suis en train de dire ça. J'ai dit, regarde-moi un peu. Ça n'a rien à voir avec ces chrétiens qui manquent de fermeté dans leur bouche. Ça n'a rien à voir avec les gens qui sont là. Jésus, 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 mais ben, tu ne comprends rien dedans. Je vais répéter encore. En fait, je veux que tu te fâches. Mais ben, j'y arrive pas. J'ai dit, oh, ça n'a rien à voir avec ces petits bébés chrétiens qui tremblent parce qu'ils ont rêvé au grand-père. Je vais répéter encore. Linda, il faut m'aider à dire ça à quelqu'un. Ça n'a rien à voir avec hein, ces chrétiens qui aiment plus le maquillage que leur vie. Ça n'a rien à voir avec hein, ces femmes-là qui peuvent persévérer, assises, en train de mettre que des faux cheveux jusqu'à tes reins te font mal. Là, là, tu si ne te lèves pas parce que tu veux te faire pour trouver mari, <laughs> Là, tu n'as pas mal à l'ange. Là, tu as mal, tu as mal au dos, mais tu supportes. Tu as mal au cou, tu supportes. Parfois, même après avoir serré, serré ta tête, là, comme on dit en Côte d'Ivoire, zimis tes cheveux-là. Tu as migraine, tu prends des comprimés pour supporter. Mais quand il s'agit de prier, là, on se joue les paresseux. Vos pères spirituels sont au chômage. Il faut leur envoyer des problèmes, leur expliquer des problèmes. Ils n'ont rien à faire. Ils sont plus là pour sauver des âmes. Ils sont maintenant là pour sauver des mariages. Ils sont maintenant là pour sauver des travaux. Ils sont maintenant là pour sauver des emplois. Ils sont maintenant là pour sauver des Mercedes. Continuez comme ça. Donc, je vais insister. Ça n'a rien à voir avec ces faux chrétiens qui sont en train de mentir. J'ai un chrétien à la fois. C'est de toi que je parle. Pourquoi tu ne te fâches pas? <laughs> J'arrive pas à te faire fâcher. Ça n'a rien à voir avec nos seuls là. Oh, nye, 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 qui prient mais qui ne bougent pas. Mon ami, si tu as vraiment la foi la il faut prier, il faut sortir aussi. Va chercher. Ça n'a rien à voir avec ces chrétiens peureux là. Qui sont seulement que dans les associations des femmes sans vision. Les chrétiens de Facebook. <laughs> Donc, je vais répéter encore. J'ai dit, oh, ça n'a rien, qui rien à voir avec ces chrétiens qui ne quittent jamais impudicité et impudicité. J'ai failli dire un mot, là. J'ai dit, ça n'a rien à voir avec ces chrétiens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Voilà, c'est de toi que je parle. Ça n'a rien à voir avec ces frères chrétiens, là, ces frères qui n'ont pas le temps pour Jésus. Un beau matin, oh, pasteur, il faut servir Dieu. Tu es un homme comme moi, voilà. J'ai dit mon ami, faut venir, on va prier. Faut t'asseoir là. A pas de yo ici. Parfois on se joue les paresseux. Voici une femme qui allait voir un juge. Est-ce que toi tu peux aller voir un juge? Premier jour que le juge va te donner un avertissement, tu as peur de prison, tu as à te sauver. Tu vois un peu? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Et quand tu sais que tu es dans tes droits, tu n'abandonnes pas. Donc voilà, avant la prière, laisse-moi appuyer un peu. La Bible dit que il y avait aussi une veuve dans cette ville. Ce n'est pas comme les acquis peureuses là. La Bible dit. La, 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 la veuve dit: fais-moi justice dans ma partie adverse. Ce n'est pas comme les quoi, si peureuses là. La Bible dit, il y avait aussi dans cette ville. Une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice dans ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Tu as entendu? Pendant longtemps, Zungrana, Zungrana, il faut écrire en bas, pendant longtemps, elle a persisté. <laughs> non, je vais persister. Zungrana, il faut écrire. Samuel, pendant longtemps. Ça, là, si c'était nos seuls. Donc, il faut mettre les cœurs, mettez les. Que mettez les cœurs, ils sont en train de signaler la vidéo. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, les cœurs. Donc, la Bible dit, pendant longtemps, voici une femme qui savait ce qu'elle voulait. C'est pas comme nos paresseuses de nos jours-là qui savent seulement que mettre les maquillages et les fonds de teint. Si c'est pour ça, là, on peut taper deux heures dans la douche. Les faux ongles, là, si c'est pour les poser, là, vous êtes très bonne dans ça. Mais voici une guerrière. Jésus-Christ dit, pendant longtemps, le pouvoir de la prière fervente, la persévérance, pendant longtemps, et ça pouvait être très longtemps, parce que pour qu'un juge qui te dit non soit agacé, c'est que pendant des années, ça n'a rien à voir avec ces chrétiens qui tremblent là. Anne-Marie, c'est de toi que je parle. Pendant longtemps. Ça dit que dans son cas, c'est Satan qui s'est fatigué. Mais aujourd'hui, là, vous êtes seulement bon dans les poses de maquillage, faux cheveux, faux cils, là. Vous avez le temps, vous pouvez taper des heures, effacer et redessiner vos visages. <laughs> effacer et redessiner votre visage. Effacer, raser et redessiner. Raser et redessiner. Même si ça doit vous prendre des heures. Et des kilomètres. Vous êtes prêts à ça. Imaginez-vous en train de faire des kilomètres de prière. Comment Jésus serait heureux de vous voir. Imaginez-vous. Deux hein? heures, euh, trois jours pour faire djanjou. Les, Ivoir, les Ivoiriennes, là. Elles ont des coiffures qu'on appelle brandy. Brandy, tu sais, ça ressemble à quoi? Ce sont des mèches qui sont plus fins que ça, là. Brandy. Ça prend sept jours pour faire Brandy. Tu vas, tu y reviens. Le matin, même quand tu arrives, elle demande est-ce que tu as déjeuné Oui, j'ai déjeuné. Ça va, oui. On continue de faire Brandy. Et tu vas voir sa grosse tête là. Il y a Brandy partout. Et après, ça fait deux semaines pour faire Brandy. Et après, quand elle finit, elle dit Ah, on a fini de faire Brandy. <laughs> brandy là. Et puis bon, et puis tu demandes Bon, de toute façon, j'ai souffert là. C'est pour combien de mois ah non, ça, cette coiffure-là, ça peut durer six mois. Entretiens, ça seulement. Et après avoir fait brandy, là, elle doit faire shampoing. <laughs> shampoing de brandy. Taper à un truc. Parfois, elle doit mettre voix dedans. Gratter pendant des heures. Tout ça là, c'est entretien, de... <laughs> entretien de brandy. <laughs> Et après là, quand il s'agit de prières, dites bonjour à Dieu. Bonsoir à Dieu. Elle a le temps pour faire Brandy ou bien Djanjou. Elle a le temps pour faire Laisse les gens parler. Et quand il s'agit de prier, là, elle cherche de guérir des guerriers de prière. Vraiment. Hein? Donc, mon ami, là où on est arrivé maintenant, là, c'est pour ta repentance qu'on est là. Il n'y a pas de là. Donc, tu vois que quelqu'un peut aller tous les matins, de 7h à 18h, parfois 22h, Brandy. Le 31 décembre, avant vont s'asseoir au salon de coiffure. La dernière cliente part à 23h. Elle est venue faire rang. Rang depuis quelle heure? 8h du matin. Elle est très patiente. À 23 ans, on la récupère. Elle va aller chez le couturier. Le couturier là-bas, elle s'assoit. Bien aimé, mets les cœurs. Elle attend son habit, son bas def, son, son quoi on appelle entonnoir. Elle veut fêter. Le, le couturier là, elle lui dit Ton pied, mon pied. <laughs> Aujourd'hui, dit, si tu finis pas mon habit, <laughs> si tu finis pas mon habit là, tu n'as pas aller dormir. Il y a même qui font palabre là-bas. Tout ça là pour la fête. Mais il faut les mettre en train de prier. Il faut leur dire, venez en prier deux heures. Le pasteur éloge. Ces prières sont trop longues. Le pasteur éloge. Le pasteur éloge. Quand c'est pour causer les gars au téléphone, là, ce n'est pas long. Parce que le gars te dit qu'il t'aime. Parce que le gars te fait prendre ses positions-là. Tu comprends, là, ce n'est pas trop long. Parfois, même s'il si dit que la somme, <laughs> quand il te dit la sommeil, il dit déjà, déjà, <laughs> on vient à peine de commencer. <laughs> amen, Amen, Amen. <laughs> amen. Et bien, quand il s'agit de pour Dieu, là, là, c'est eux qui sont en train de jouer les paresseuses. <laughs> Alors, mon ami, il faut te répentir. La prière du juste a une grande efficacité. Alors, on va voir ce que le juge a dit. Donc, la Bible dit, pendant longtemps, le juge refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai pas d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve vient m'importuner, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Amen. La Bible dit que la femme est allée pendant plusieurs jours. Ma soeur, récupère aujourd'hui ton sujet de prière. Récupère ta demande, cette demande, si tu veux. Décide que tu dois appeler ton homme. Décide que tu dois détrôner l'homme fort. Sache que la prière du juste a une grande efficacité. Bien-aimé, votre problème-là, c'est la négligence de vos sujets. Votre problème-là, c'est que vous n'arrivez pas à distinguer les plaisirs des priorités. Et moi, je suis bien là pour vous les répéter. Pourquoi je le répéterai tous les jours Croyez-moi, c'est ce mal-là qui gangrène l'Église. Alors moi, je le dis pour vous interpeller. Je me trompe, mes bien-aimés. Nous savons le mal qui gangrène l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que notre Dieu dort qu'il ne veut pas vous exaucer. Sa parole même dit que la prière du juste a une grande efficacité. Mes soeurs, certains d'entre vous, là, pardonnez-moi de le dire, ce n'est pas pour vous accuser, puisque nous allons prier tout à l'heure, il faut être dans des bons termes, là, on va s'entendre dans la prière. Si ce n'est pas parce que depuis des semaines et des années, j'insiste, est-ce que vous allez changer? Vous n'auriez jamais changé. C'est parce que j'ai persisté. J'ai persévéré que finalement un jour vous avez eu le courage, sans quoi vous avez fait l'Église des années, des années. Ça ne vous a jamais effleuré l'esprit d'arrêter ce que je vous dis là. Ça ne vous a jamais passé par l'esprit parce que les serviteurs de Dieu n'insistent pas assez dessus. Et vous croyez que c'est normal. Ils se contentent de parler de spiritualité. Or, oh, le mal... Qui gangrène votre vie, qui gangrène votre vie, c'est pas le péché, c'est pas l'impudicité, c'est pas le mensonge, c'est pas la paresse, c'est pas la négligence. Ce ne sont pas les décisions précipitées, irréfléchies. C'est ce qui vous a bloqué, c'est ce qui vous fatigue. Mais bien aimé, c'est pas parce que je vais être grossier, le Seigneur veut que je parle de ça. Ça vous détruit. Depuis que vous êtes chrétienne, je vous aime beaucoup, mais je dois vous dire la vérité. Vous n'avez jamais eu de temps pour vivre une vie de chrétiennité stable. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. On se dispute, on se relève. On se querelle, on se relève. On va ici, on se relève. On critique, on se relève. On ment, on se relève. On vit dans un bazar. C'est comme si le diable devait s'assurer que, malgré notre chrétiennité, on va quand même aller en enfer. Dans ce que je dis là, ça n'a rien à voir avec grossièreté pour vous là qui pensez le mal. Mais ça a quelque chose à voir avec un mal qui ronge l'église. Au point où même au sein de l'église, on trouve des pasteurs qui ne s'aiment pas. Au point même au sein de l'église, on enceinte nos filles spirituelles. Au point même au sein de l'église, on cherche seulement à coucher le pasteur. On n'est pas venu chercher l'œuvre de Dieu. On cherche seulement, le jour où le pasteur s'est marié, tout le monde fuit. Parce qu'on était là pour coucher le pasteur. Donc, ce que j'ai dit là, où est le problème J'ai insulté maman de qui J'ai insulté papa de quelqu'un. Je parle juste de quelque chose qui nous tue, qui nous détruit, mais que personne n'ose en parler, alors que ce sont les raisons pour lesquelles on risque d'aller en enfer. Et si on n'en parle pas, on vous aurait aidé On vous aurait aidé vous nous aurez aidé à faire grandir nos ministères, mais vous, on aura oublié les vrais problèmes qui vous empêchent de rentrer dans la grâce de Dieu, parce que seule la prière de Dieu, la prière du juste, pardon, a une grande efficacité. Et pendant que j'en parle, parle, tu sais qu'effectivement, homme de Dieu, tu le dis toujours, mais c'est ma faiblesse qui est là. Tu sais que homme de Dieu. Moi, je suis déjà coincé dans une situation, je fais comment Tu as besoin de la grâce de Dieu Parce que beaucoup sont effectivement coincés dans des situations. Il y a des femmes qui vivent dans cette situation, pas parce qu'elles l'ont voulu. Elles y sont allées en croyant que l'homme était de bonne foi. Avant de se rendre compte qu'elles sont juste tombées dans un piège, des menteurs qui se fait passer pour ton futur mari et qui, après avoir profité de toi, ne sait plus ce qu'il va faire de toi. Donc, je n'ai pas insulté maman de quelqu'un, je n'ai pas insulté quelqu'un, et même mes frères qui me regardent savent que je dis la vérité. Et il y a des gens qui sont coincés dans ces histoires. Il y a des hommes qui sont coincés dans ces histoires. Il y a des femmes qui sont coincées dans ces histoires. Pourtant, ce sont des chrétiens. Obligés d'être un foyer illégal, dans un foyer illégal, dans un mariage bizarre. Pas de dot, pas de mariage, rien. Rien n'est clarifié, rien n'est restauré. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas la femme qui. Forcer le monsieur, il dit, il ne veut pas, il veut forcer l'attraper, et parfois il veut, mais n'a pas les moyens. Donc l'ennemi est capable de vous coincer dans une histoire bidon, une histoire bizarre, que celle qui comprend. au dehors, dit, mais pourquoi cette fille vit comme ça Bien aimé, elle est coincée. Elle est prise dans un piège. Pourquoi ce monsieur ne peut plus avancer à cette fille Il est tombé dans un piège. Il croyait être tombé d'une bonne femme se rendre compte que c'était une femme polie insolente. Maintenant, il a peur de s'engager. Donc, comme femme, vous savez que je dis là -dedans. parfois, ce n'est pas les moyens qui vous manquent. Les moyens, là, vous êtes capable d'en trouver sur volonté. Donc, euh, il faut parler de ce dont nous... Au lieu de prêcher aveuglement et d'annoncer des choses, vous vendre le vent. Mariage, 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 mariage. Quel mariage si Dieu même n'approuve pas ton comportement, il va te donner quel mariage? Donc, on vient sur les réseaux sociaux. Ce dont on doit parler, on n'en parle pas. On vous flatte. C'est pour ça, moi, j'ai décidé que je ne passerai pas à côté de ces choses parce que je vais en parler juste à ce que chaque personne surmonte ses faiblesses. Je ne suis pas le seul et le meilleur, mais au moins, moi, j'ai décidé de ne pas fermer l'œil dessus parce que que vous le voulez ou pas. Et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. C'est le mal qui gangrène l'Église. Le péché. Le péché. Le péché entre les pasteurs et leurs filles, entre les filles et leurs pasteurs, entre les servantes et leurs filles, disputes, querelles, mésententes, on ne s'entend pas, on se dispute, on n'est pas stable et autres. Oh, on va à l'Église, mais on n'a pas encore quitté cette relation impudique. On a des goûts, on a des gars, on a tous c'est un bazar. Et je le dirai toujours, pour la gloire de Dieu. La prière du juste a une grande efficacité. Mon frère, est-ce que tu es coincé dans une situation qui te laisse perplexe? Est-ce que tu as fait une erreur que tu aurais aimé tellement rattraper? Mais là où tu es là, ma soeur, il te faut la grâce de Dieu. Est-ce que... Tu es dans une situation où tu es coincé. Il te faut la grâce de Dieu. Mais pour que le Seigneur t'accorde sa grâce, il faut arriver à une décision. Vous savez, dans ces derniers temps, le diable est en train d'user de certaines armes. Il est en train de refroidir beaucoup d'églises. Il est en train de refroidir beaucoup de chrétiens. Il est en train de refroidir la vie des chrétiens. Et bien aimé, la première arme pour retirer un chrétien de la présence de Dieu, c'est le faire chuter. Ma soeur, on va prier. Peut-être que tu te connectes pour la première fois. Je t'encourage à rester. La première arme que le diable utilise, c'est de te faire tomber. S'il veut détruire ta vie, mon bien-aimé, il n'a pas besoin de se fatiguer. Il te piège. Il te met dans une situation bizarre. Il t'encombre de mauvais amis. Il te met dans des conflits. Au départ, tu vas croire que c'est un mariage, bien-aimé. Tu es en train de rentrer dans une zone de conflit et de disputes infinies. Une fois que tu es tombé dans son piège, c'est fini. Ta vie devient calvaire parce que cet homme-là est un véritable palabreux déguisé. Même si c'est une femme, véritable palabreuse déguisée. Au départ, tu croyais que c'était une bonne personne. C'est au moment où tu vas t'ouvrir les yeux que tu sauras que en fait tu es tombé dans un piège. À partir de là c'est fini. Si vous ne vous ressaisissez pas, pour que le bonheur visite votre maison ça ça devient. Parce que le bonheur ne peut jamais venir dans la maison de deux personnes qui ne s'entendent pas bien. aimé, protégez la vidéo, protégez la vidéo s'il vous plaît. Le bonheur ne visite jamais la maison de deux personnes où l'esprit des querelles mes ententes de rancune, de colère et et Pour voir quel est l'esprit qui dirige votre foyer. Regardez ce qui vous domine le plus. Si Elojé qui s'y ment, dites-le moi. Regardez ce qui vous domine le plus. Regardez ce qui influence votre maison le plus. Y a-t-il la joie? Y a-t-il la paix? Y a-t-il une vie de prière? Une maison influencée par le Saint-Esprit a une vie de prière. Une vie de lecture biblique, une vie de méditation biblique. Quand monsieur ne prie pas, c'est la femme qui prie. Quand la femme ne prie pas, c'est le monsieur qui prie. L'esprit de Dieu dans ta maison te fera prier. L'esprit de Dieu dans ta vie te fera prier. Mais quand une vie est contrôlée par des démons de distraction, ce qui domine, c'est ce qui règne. Regarde un peu ta vie. Analyse un peu ta vie. Est-ce que ta vie de prière a été restaurée? Est-ce que tu es arrivé à un moment où, si tu ne pries plus, tu n'es plus à l'aise? Est-ce que tu es arrivé à un moment où tu veux seulement être dans la présence de Dieu? Est-ce que ton père spirituel, quand il ne passe pas en direct, tu as un vide en toi, tu as un manque en toi? Tu fouilles sur Internet, tu veux qu'il passe, tu veux être dans la présence de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu est revenu en toi. Est-ce que tu commences à sentir le dégoût par rapport à certaines choses que tu faisais? Parce que si l'Esprit de Dieu te touche, il y a des choses qu'en tant que couple, vous n'avez plus envie de faire. Vous n'avez plus, plus envie de regarder certaines émissions. Vous n'avez plus envie de... Parce que l'Esprit de Dieu en toi te donnera le dégoût du monde. Le dégoût des choses que tu faisais avant. Le dégoût de la cigarette. Le dégoût de la médisance. Parfois, même si tu, tu fais l'erreur de retomber dedans, tu t'en veux même. Tu te réponds immédiatement. Est-ce que tu es arrivé à ce moment-là Au moment où tu n'as plus le goût pour la vie. Au moment où tu n'as plus le goût pour les faux cheveux, au moment où tu n'as plus le goût pour certaines choses, en fait, tu le fais parce que, mais en réalité, tu peux vivre sans ça. Mais si tu es incapable, si tu es incapable, ouf, de rester sans ça, c'est que tu es encore charnel. Si tu es incapable de te passer de ça, c'est que tu es encore charnel. Si tu es incapable de lire la parole de Dieu, c'est que tu es en côte charnelle. Ce soir, j'ai voulu te le dire, pas pour t'accuser. J'ai voulu te le dire, pas pour te blesser. Mais il fallait mettre le doigt sur le problème pour que tu t'asseilles pour dire à Dieu, Seigneur, Seigneur, Seigneur. J'ai besoin d'être restauré. Mon bien-aimé, je termine en disant la prière du juste a une grande efficacité. Comment est-ce que tu dois faire pour que tes prières soient efficaces Mets tes sujets sur un papier. Peut-être que tu vas te dire non, homme de Dieu, euh, c'est vrai, la prière du juste a une grande efficacité, mais moi, mais moi, mais moi. Si c'est ça là, mets tes excuses de côté. On a un programme qui est en train d'arriver. On a un moment de jeûne et prière. On va faire de jeûne et prière. On est en train de préparer ça. Tu peux tout simplement, après ce programme, aller sur notre site internet. Tu crées un compte. Tu pas obligé, mais tu crées un compte. Parce que, bien-aimé, sur le site internet, il y a des prières qui sont là-bas que tu ne trouveras jamais sur YouTube. Je te le dis. Même si tu crois, il y a des prières là-bas que tu ne trouveras pas sur YouTube. Donc, soit tu profites de l'occasion, ou bien, bien aimé, tu restes là. L'inscription sur le site est gratuite. Tu vas là-bas, tu cliques sur se connecter. Et de là-bas, tu crées un compte. Si tu n'as pas le mot de passe, tu n'as qu'à retrouver le mot de passe. Et nous allons prier. Nous allons passer au moins 7 à 10 jours à prophétiser. Nous allons passer 7 à 10 jours. Parce que Jésus-Christ, ça fait plus de sept jours. La Bible dit environ huit jours. Il a été visité. Donc, bien-aimé, je ne veux pas seulement venir m'asseoir pour parler d'un problème et après tu es tourmenté parce que tu as appris, mais il n'y a pas de solution. Je te donne l'opportunité de venir sur notre site Internet, de créer un compte gratuitement. De créer un compte gratuitement. Et puis tu as accès à nos salles de prière. D'ailleurs, même là, dans le programme, trois jours, il y a déjà des prières là-bas. Trois jours à la montagne. Il y a des prières là-bas, bien-aimés, qui ont failli, qui ont bouleversé le monde des ténèbres. Quand vous allez sur Océan des Grâces, notre site Internet, allez-y dans, soit, euh, comment à la foi déplace les montagnes, ou bien, allez-y dans, trois jours à la montagne. Il y a des prières contre les malédictions là-bas, bien-aimés. C'est terrible. C'est terrible. J'ai fait ça toute la nuit hier. Mais ce qui s'est passé, le monde des ténèbres était vraiment secoué. Je vous dis la vérité. Vous allez là-bas, vous qui êtes là-bas, vous avez déjà vu les prières. Non, mais bien aimé, allez-y, profitez, c'est gratuit. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez acheter des livres pour avoir plus de prières. Parce que les prières aussi qui sont sur le site ne sont pas aussi dans le livre. Les prières qui sont dans le livre aussi ne sont pas sur YouTube. Le Seigneur nous a accordé la grâce d'avoir une source infinie de prières. Le Seigneur nous a accordé la grâce d'avoir une source infinie d'inspiration. Mais bien aimé dans le combat spirituel pour être efficace, il ne faut jamais manquer de ressources. Alors, si tu fais partie de ceux et de celles là qui auraient peut-être aimé avoir des livres puissants, bien aimé, tu n'as qu'à aller sur notre site internet en passant. Si tu fais aussi partie de ceux qui veulent soutenir notre chaîne télé. Alors, je laisse ce contact-là. Voilà. Et voilà, vous pouvez nous soutenir plus tard. Mais maintenant, nous allons prier. C'est ça le plus important. Voici les contacts qui sont là. Tu peux aller sur notre site. Tu peux faire ton don pour, pour nous aider. Mais, bien aimé, tout ce que Dieu fait est bon. On a commencé, on va terminer. On a eu des défis. Mais, bien aimé, nous finirons ce que nous avions commencé. Alors, nous allons maintenant passer à la prière. Aujourd'hui, nous sommes là que tu saches que la prière fervente a une grande efficacité. Maintenant, je vais t'expliquer comment faire pour que la prière fervente ait une grande efficacité. Il faut noter ça avant la prière. La prière fervente a une grande efficacité. Mais pourquoi la prière fervente a une grande efficacité? La prière fervente doit être ciblée. Amen. La prière fervente doit être ciblée pour avoir une grande efficacité. Il faut noter ça. Je vais te donner les, les indices. Amen. La prière fervente de Dieu, d'une de, 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 personne, pardon, a une grande efficacité. Amen. Qu'est-ce que tu dois faire pour que ta prière soit puissante? La Bible déclare en 1 Samuel 2, verset 2, Anne pria. Elle a dit, mon cœur se réjouit en l'éternel. Ma force a été révélée révélé par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Il faut faire la prière fervente dans la joie. Amen. La prière fervente doit être faite dans la joie. Voici pourquoi on appelle ça prière fervente. Tu rentres dans la présence de Dieu, mais il faut être dans la joie. Amen. Et pendant que tu es en train de faire la prière fervente, il faut voir et penser à ce que tu demandes. Il faut voir et penser à ce que tu demandes à Dieu. Les pensées ne doivent voir seulement que ce que tu demandes. Amen. Pendant que tu es en train de faire ta prière fervente, tu dois insister sur ce que tu demandes. Même si ça doit te prendre des jours, même si ça doit te prendre des mois, il faut demander juste à ce que l'ennemi lâche prise. Amen. Pendant que tu es en train de faire la prière fervente, bien-aimé, n'oublie jamais que ta demande doit être accompagnée de louanges et d'adoration. Ne chante pas n'importe quelle chanson, mais chante tes meilleures chansons. La louange et l'adoration deviennent efficaces. Bien-aimé, la louange et l'adoration deviennent efficaces lorsque l'on chante les chansons que vous aimez vos chansons préférées, c'est un secret de combat spirituel que je vous montre. Vous allez remarquer qu'à l'église là, même quand on loue, quand on adore là, vous n'êtes pas partant, vous n'êtes pas disposé, vous n'êtes pas vraiment dégourdi. Mais le jour qu'on met votre chanson préférée, votre esprit va se connecter. Non, vous allez voir, vous allez être emporté, vous allez être en esprit, vous allez même vous manifester. Beaucoup de gens prient, ils soulèvent même qu'on fait les chansons ils jouent. Non, 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 non. Il ne faut jamais aller dans le combat spirituel avec n'importe quelle chanson. Il faut aller avec tes chansons préférées. La connexion, la manifestation, c'est immédiat. Voici pourquoi les choses se préparent. C'est un secret que je vous donne. Allez-y à l'église. Parfois, on chante des chansons, personne ne bouge. Mais qu'on met la chanson préférée de l'église. Hey! Regardez les Congolais. Alors qu'on avait chanté des chansons, ils n'ont pas réagi. On a chanté Jésus par ton sang précieux. Ils n'avaient ni chaud ni froid. Tout compris, brisé. Et puis tout à coup, quand ils entendent, oh mon Dieu, tu vas voir les positions qui vont sortir. Les gaspillages. Non. Oh. Bon, Aïe Demande aux Ivoiriens, Jésus, prends mon beau, prends mon beau, Jésus, prends mon beau. Entre-temps, là, les gens ont chanté pendant des heures. Il n'y a pas quelqu'un qui a bougé. Mais quand il s'agissait de sauter comme s'ils étaient dans la boîte de nuit là, 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 maintenant, là, il faut les voir en train de se défouler. Peut-être qu'aujourd'hui, même tu as fait ça. Donc, c'est un secret. Il n'y a pas des zambé dans là ici. Donc voilà, c'est un secret. Il faut que la louange soit adaptée. Maintenant, pour que votre prière fervente soit efficace, ayez l'habitude de refaire la prière chaque jour jusqu'à la victoire. Amen. Chaque jour jusqu'à la victoire. Amen. Chaque jour jusqu'à la victoire. Chaque jour, vous devez refaire la prière. Chaque jour. Vous devez refaire la même prière. Vous devez insister juste à ce que... C'est qui? Bien sûr, c'est moi. Papa est en train de prier, il faut m'envoyer du jus. Okay. Chaque jour, vous devez reprendre la même prière. Vous envoyez le feu. Celui-là qui est assis sur votre vie, il faut qu'il dégage. C'est ce que tu veux, non? Ils sont assis sur ton ministère. Ils sont assis sur ta vie. Tu te répands sérieusement. Tu mets tes chansons là. Tu danses bien. Il ne faut pas commencer la prière sans avoir rendu grâce à Dieu. Si tu ne fais pas ça, ça ne va pas marcher. Offre à l'éternel des argumentations. Tu le loues, tu le magnifies, tu gaspilles bien. Tu fais comme les Américains là. Tu t'en fous même que tu es à l'église. On te regarde, on ne te regarde pas, on s'en fout. Tu danses mal, tu danses pas mal, on s'en fout. Le plus important, c'est que ton cœur se réjouit à Dieu. Il ne faut pas dire, non, moi, je ne sais pas danser. Dans ce cas, il faut aller dormir. Il <laughs> faut aller dormir. Voilà. Ça ne sert à rien de venir t'arrêter. C'est pour dire, Seigneur Jésus, bénis-moi. Donc, c'est un autre secret qui est là. Il faut noter. Maintenant, comment vous saurez que vous avez la victoire dans la prière? Bien-aimé, selon toi, <laughs> comment tu sauras que Dieu t'a exaucé? Selon toi, c'est quand tu as eu la bénédiction. Donc, on ne fait pas deux minutes de prière pour aller rêver. On ne fait pas deux minutes de prière pour aller tchatcher. Non, on s'en fout. On veut notre bénédiction. Ce mois-là, il faut que notre bénédiction -là vienne. Amen. Voilà. Donc, tu envoies le feu. Toute sorcière qui est assise sur mon mariage, que le feu tombe et te consume. Toute association de sorcellerie de ma famille, groupée autour de mon bonheur, que le feu tombe. Tonnerre, feu, foudre, canon, feu. Bien même si tu veux te dire, Seigneur, décapite l'homme fort de ma vie au nom de Jésus. C'est ta prière pendant un mois. Seigneur, si l'homme fort de ma vie boit l'eau, qu'il meurt. S'il respire, qu'il meurt. S'il mange, qu'il meurt. S'il mange du sel, qu'il meurt. S'il dort, qu'il meurt. <laughs> tu t es déçu. On ne lâche pas. Tous les jours, coupe sa tête. <laughs> décapite au nom de Jésus. Feu, feu, feu. Pendant un mois, je te dis la vérité. Lui-même, là, il va venir se repentir pour dire qu'il veut donner sa vie à Jésus, sinon il risque de mourir. C'est la vérité que je te dis. Petite anecdote avant la, avant la prière. Moi, j'étais dans la prière, le combat spirituel. Le combat spirituel. Et puis, il y a une sorcière, là, <coughs> qui voulait me donner une leçon. Donc, je disais à Dieu, mais pourquoi moi je prie, mais c'est comme si la prière ne marche pas. Pourquoi je prie, mais ça ne marche pas? Tu vas prier tout à l'heure, attends un peu seulement. Maintenant, le Seigneur voulait me montrer que mes prières étaient faibles, mes prières n'étaient pas ferventes. C'est le genre de prière où tu supplies Dieu tout le temps. Là. Il y a des prières où tu supplies Dieu. Quand tu ne peux pas vraiment prier à la force, mais il y a des prières où on ne supplie pas Dieu. Il y a des prières où on tabasse l'ennemi. <laughs> On tabasse, faut soulever marteau, pilon même là, les piler pendant des jours. Tu prends papier, tu déposes tu dis c'est ton ennemi, tu le mets dans ton mortier, je te pile. <laughs> faut les piler, tu mets du papier dans ton mortier. Pour vous qui avez les mortiers là, les Ivoiriens qui ont envoyé mortier de la Côte d'Ivoire pour piler Foutou là, tu restes bien, tu mets le papier. Tous tes ennemis, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Hein? faut dire au revoir aux gens. Au revoir. Faut oh, saluer d'abord. Et salut. Au Et voilà. Au revoir. Allez. Ciao. Donc, bien-aimé, tu t'assois là, là, tu piles tous tes ennemis. <laughs> On les pile même. Tous les jours. Assieds-toi. Tu dis leur nom. Tu les cites un à un. Je te pile au nom de Jésus. <laughs> Amen. Je te dis la vérité, ça marche. Faut dire, je te pile. Toi qui es assis sur mon mariage, je te pile, je te pile, je te pile, je te pile. Ça te fait rire. Il <laughs> faut l'épiler. Je te donne une semaine. Tu vas aller aux funérailles de tous tes ennemis. J'ai dit, je te pile, toi as qui es assis sur mon mariage, au nom de Jésus, je te pile. Je te pile, je te pile, je te pile. La parole de Dieu dit, tout ce que je fais, si je crois, je verrai cela s'accomplir. Je verrai cela s'accomplir. Au nom de Jésus, tout sorcier qui est assis sur ma vie, qui me bloque, qui me poursuit, je pile ta tête, je pile tes côtes, je pile tes pieds, je pile ton cœur. <laughs> je te donne une semaine de pilage. <laughs> pile même. Au nom de Jésus, tu dis à Dieu, ta parole dit tout ce que je fais, si je crois, je verrai cela s'accomplir. Pour des sorciers têtus, il faut des solutions têtues. Ça marche. Ça marche. Il y a une madame qui disait Satan, je te purige. Ça marchait. <laughs> ça marchait. Et vous êtes là, au lieu de faire preuve d'imagination, vous jouez les ozos. faut les piler. Quand ça a devenu poudre, là, tu vas brûler. Tu dis c'est mes problèmes, je brûle. Pile-les. Je dis ce pas de la comédie. Je te, dis, je te donne un sujet de prière. Tu t'assois, mais avant d'aller piler la il faut te répentir. <laughs> Sinon, eux-mêmes, ils vont te piler à leur tour. Ils vont te piler là-bas, Amen. Avant d'aller te dire à Satan que tu le piles là, <laughs> faut te répentir. Parce que bien aimé, c'est une prière avec effet immédiat. Donc, avant de piler, enfin, des gens là, il faut te répandre. Si tu te laves avec le sang de Jésus. Tu cites le nom de tous tes copains, tes gars, tes mensonges, tes faux coups là. Tu te répands sérieusement. Tu prends ton tabouret. Tu t'assois. Entre 23h et minuit. <laughs> Parce qu'il y a affaire là qui est là. 23h et minuit. Tu prends des feuilles, tu allumes, tu dis sorcier, tu dis son nom. C'est toi que je brûle au nom de Jésus. C'est toi que je brûle au nom de Jésus. Il ne faut pas aller brûler ta maison là-bas, pardon. C'est dehors, tu fais ça. Je te brûle au nom de Jésus. Ça, ce sont des prières à effet immédiat. Voilà. voilà. Et puis, tu t'assois tranquille. Boum. Tu piles. Il faut piler. J'ai dit, si tu ne peux pas les piler, là, il faut les écraser. Parce qu'il ne faut pas en France, tes <laughs> ils vont appeler la police. Pour dire, non, il y a quelqu'un qui perd la tête à 2h du matin. Même si tu n'es pas les piler la 2h du matin, tu les piles à 17h. Pile les ils vont te laisser tranquille. C'est vous qui jouez la prière. En tout cas, vont vous donner petit à petit, là, ils vous donner des secrets. Ils vont laisser. Tu dis à Dieu, je sais pas qui est assis sur ma vie, mais la sorcière qui est à la base, la personne là qui a mon mariage en main. La personne là qui me combat et qui veut me tuer, au nom de Jésus, je te pile, l'homme fort de ma vie, je te, pile, je te 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 pile, 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 pile. Une semaine de pillage avec un effet immédiat. Ça marche. Je veux que quelqu'un dise, homme de Dieu, merci pour la réponse. Si toi, tu n'as pas mortier, il faut chercher un morceau de bois. Tu les piles dans, derrière ta coupe, Pile-les! Ta condition est simple, tu te répands, tu donnes ta vie à Jésus, mais je te garantis que ton pilage va marcher. Pilet. Dernier secret prier avec effet immédiat. J'ai une sœur qui s'appelle Célestine, une grande sœur. Elle est en Côte d'Ivoire. C'est une femme baoulée. Si elle m'entend là, elle va confirmer que ce que j'ai dit est vrai. Voici un autre secret. Toutes les nuits, les sorciers l'attaquaient. Et elle avait une tante sorcière qui l'attaquait. Elle lui a dit, Célestine, je vais te montrer une action prophétique. Quand tu vas dans la douche, lave-toi. Trouve une éponge neuve, même si ce n'est pas neuve. Une serviette neuve, un savon, et tu poses une action prophétique dans le nom de Jésus. Quand tu vas dans, le, dans, la, dans la salle de bain, quand tu es en train de te laver, dis à Dieu, je me lave. Ce savon n'est plus le savon de le savon naturel, mais c'est le sang de Jésus. L'éponge, c'est l'éponge du Saint-Esprit. L'eau, c'est le sang de Jésus. Toutes les actions que tu vas poser dans la douche, dis que tu te laves avec le sang de Jésus et tu invoques le sang de Jésus sur toi. Je lui ai dit, tes ennemis ne vont plus pouvoir t'approcher. Si tu le fais dans la sainteté, Marie de nuit, sorcière, ils ne te localiseront plus. Elle dit, avant, ah bon? j'ai dit oui. Première des choses qui est arrivée à Célestine, avant, elle avait une sorcière. Elle avait une sorcière qui la coiffée. Pendant des années, elle ne savait pas que c'était une sorcière. Or, pendant que la sorcière, la coiffait, là, elle lui retirait ses chances. Elle disait que quand elle partait, elle avait mal à la tête. Elle sentait que sa tête était lourde. La fille faisait des pratiques sur sa tête. C'est pour ça, chaque fois qu'elle quittait au salon, elle sentait que sa tête était lourde. Ça arrive à beaucoup de gens qui ne comprennent rien. Alors, quand elle a commencé à poser l'action, elle allait se faire coiffer. Elle a eu la réponse avec un effet immédiat. Quand la fille est venue, elle a posé ses deux mains sur la tête. Le Saint-Esprit l'a frappée. Elle est tombée. Elle a commencé à crier et se confesser. Car Jean-Paul II. Elle est là, elle peut témoigner. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Donc cette sorcière manipulait sa tête avec des mains mystiques. Quand elle finissait de se coiffer là, ce n'est pas la coiffure qui pesait, mais elle sentait sa tête lourde, comme s'il y avait un poids dessus. Elle est tombée. Elle a confessé sur le champ devant tout le monde. Je suis une sorcière. Je faisais ça sur ta tête. Je faisais ci. Je faisais ça. Première victoire. Elle est venue me raconter ça. Je lui ai dit, continue de faire. Elle avait la soeur de sa maman, qui ne l'aimait pas et qui pratiquait la sorcellerie avec elle, contre elle. La soeur de sa maman. maman. Et à partir du moment où elle a commencé à faire, la dame ne la contrôlait plus toutes les nuits. Donc la dame s'est rendue compte que hum, la dame, là, on dirait qu'elle connaît un secret. On ne la repère plus la nuit. On ne la localise plus la nuit. Et quand peut-être qu'elle veut l'approcher, peut-être qu'il y avait du feu et autres. Frères et sœurs, ce n'est pas on qui dit, célestine est, est vivante et elle peut témoigner de ce que je dis. Plusieurs jours après, la sorcière ne comprenait pas pourquoi elle n'arrivait plus à localiser et contrôler la fille. Elle est rentrée dans la douche. Célestine est allée se laver. Elle a posé les actions. Elle a lavé son corps, les envoûtements, les paroles. Je me lave, je purifie ma tête, mon corps. Pardonnez-moi du terme, elle est même allée plus loin. S'il y a un mari de nuit qui vient coucher avec moi, là. Je me lave avec le sang de Jésus. Tout ce que je dois faire, je fais à elle, le sang de Jésus. Le mari de lui n'a plus de pouvoir. Bien-aimé, la dame l'a attendue devant la douche. Dès qu'elle est sortie de la douche, elle est allée se mettre devant elle. C'est quel savon que tu te laves là? C'est quel savon que tu te laves? Quelle éponge? La dame lui a arraché, 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 arraché tout. Parce que quand elle-même est rentrée dans la douche, elle, 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 elle ne supportait pas. La prière fervente du juste a une grande efficacité, mes bien-aimés. Quand on rend des témoignages, ce n'est pas pour que vous riez, mais c'est pour que vous retenez les secrets que Dieu a donnés à ses enfants pour leur donner la victoire. Purifiez-vous. Éloignez-vous de tout ce qui peut vous souiller. Je vous donne quelques temps. Ils ne pourront pas. C'est pour ça qu'ils viennent souiller vos corps. Et ça, là, si vous le faites là, ça marche toujours. Je n'ai pas besoin de vous dire on. Je n'ai pas besoin de vous dire on. Donc, voilà, je voulais vraiment vous le dire. Et encore, si vous avez de l'hysop, oignez votre éponge avec ça. Ça, là, ça n'a rien à voir avec sorcellerie. C'est biblique. Et quand tu rentres là, lave. Tout ce que mes amis ont dit de mal. Je lave, je me purifie, je me sanctifie. Les injures, les salives, les impuretés, l'eau qui tombe sur moi, c'est le sang de Jésus. Je prophétise que je reçois la faveur, la grâce au nom de Jésus. Tu vas commencer déjà par te répentir. On a quelques minutes de prière avant que j'arrête. Je t'ai donné des enseignements pendant près de quatre heures. Et tu as compris que, parfois, il faut une retraite spirituelle. Il faut un moment de prière. Et c'est ce moment-là que je vais t'offrir. C'est cette opportunité que je vais t'offrir. Parce que, bien-aimé, si c'est toi seul, là, c'est difficile de trouver l'inspiration. Si c'est toi seul, c'est difficile de trouver l'onction. Même quand tu prends le jeûne, tu ne peux pas. Mais quand tu es dans la présence de la prière, en ce moment, tu trouves la force. Bien-aimés, va sur l'Océan des Grâces pour faire des prières puissantes. Et d'ici quelques jours, vous aurez la date dans la semaine. Nous allons commencer sept jours de jeûne et prière. Sept jours de jeûne et prière. Où tu vas attaquer tes vrais problèmes. Regarde bien aimé, on est seulement en, av en avril. Bon, parle pas seulement, on est déjà en avril. Déjà, les quatre premiers mois de l'année n'ont pas produit de fruits. Bien aimé, le résultat n'est pas encore bon. Si tu regardes bien ta vie, c'est comme ça ça a commencé au départ l'année passée. C'est comme ça ça avait commencé l'année surpassée. Tu as banalisé en te disant, ça va aller. Et c'est comme ça que tu t'es menti. Ça va aller. Peut-être que jusqu'à la fin de l'année, ça va aller. Bien-aimé, pour que quelque chose aille dans ta vie, là, il faut un changement radical. Il faut une force qui provoque quelque chose. Il faut un déblocage. Il faut une puissance. Il faut une, 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 il faut une manifestation divine. C'est comme ça les années passées, tu t'es menti. Ça va aller. Bien aimé, ces histoires de ça va aller là, qui ne sont pas suivies de véritables prières là, c'est une belle façon de te mentir. C'est une belle façon, bien aimé, de t'aider à persévérer dans la souffrance. Aujourd'hui là, je te donne l'occasion de comprendre que certains sujets ont besoin de beaucoup de prières. Parce que c'est toi qui dois intercéder. Je suis resté là. Tu as vu, ça fait combien de fois je, je te passe des prières aujourd'hui. Ça fait deux fois. Je vais te poser une question. Si moi-même, peut-être je ne te connais même pas, peut-être même que depuis que je, tu me suis, même tu ne m'as jamais appelé, même pour dire, frère Hello, je suis là aussi. Toi, tu es juste là. Si je peux autant vouloir ta bénédiction et ta délivrance. À combien plus forte raison toi-même tu dois faire l'effort Malheureusement, il y a des gens qui croient que oui, quand on parle d'océan des Grâces, c'est pour les forcer à aller s'inscrire. Bien aimé, si tu ne vas pas là, tu m'enlèves quoi Tu m'enlèves rien Mais je ne le dis pas par orgueil. Parce qu'il y a des gens qui m'appellent Oh non, est-ce que si Océan des Grâce, il y a les mêmes prières que sur YouTube Bien aimé, même prière, pas même prière, on s'en fout de ça. Si tu veux, tu vas, si tu veux, tu restes. Ceux qui y vont là, ils savent ce qui se trouve là-bas. Ma soeur, voici l'occasion. Voici l'occasion. Soit tu laisses encore cette année passer pour avoir un an de plus sans succès, ou bien tu décides d'utiliser cette méthode-là. D'utiliser cette méthode que le Seigneur nous a révélée. Et je serais très heureux si tu pouvais être participant. Dans tous les cas, c'est moi qui me défoncer, mettre des prières en ligne pour vous. Ah, vous, vous n'avez qu'à venir prier, puis on va avancer, non? Alors. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas lui dire, Seigneur, vraiment, je comprends maintenant que pour faire des prières ferventes, je dois me détacher de certaines choses. Élevons la voix et demandons pardon à Dieu. Dans les 30 minutes qui suivent, tu vas dire à Dieu, pardon. Tu vas lui dire, je veux rentrer dans ma destinée. Tu vas lui dire, Seigneur, tout ce que je veux, aide-moi, Père. Aide-moi seulement à trouver la force. Tu vas lui dire, Seigneur, je sais que l'une des choses que l'ennemi fait, c'est de m'empêcher d'avoir la force. Avant de commencer la prière, veux-tu partager Arrête-toi une minute, partage rapidement. Parce que, bien-aimé, ils ont tenté de couper la, le direct pendant, pendant deux à deux reprises. Ils ont tenté de couper le direct à deux reprises. Vous n'avez pas remarqué, mais ils ont tenté de couper ça à deux reprises. Mettez les cœurs, repartagez. S'il vous plaît, repartagez au moins à deux, trois, quatre, cinq, dix personnes. Faites ça pour moi. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi à vous donner les prières. Tu vas lui dire, Seigneur. Voilà, bien aimé, le Seigneur me met un sujet à cœur. Après, on va prier pour notre chaîne télé. On va prier pour notre salle télé. Je dis pas que c'est forcément toi. Peut-être que toi, depuis que je parle là, tu es indifférent. Mais tu vas prier pour que Dieu touche au moins les cœurs des bonnes volontés pour notre salle télé. Tu vas lui dire, Seigneur, aide logique ici. Parce que toi-même, tu sais que les prières que j'ai fais te font du bien, pas pour me vanter, mais si on n'arrive pas à avancer, on va, on va faire comment? Tu vas lui dire, Seigneur, soutiens ce ministère, soutiens la chaîne télé. On a eu beaucoup d'attaques et beaucoup de défis, beaucoup d'opposition. Mais nous y sommes presque. Amen. Tu vas lui dire, Seigneur, je te demande pardon. Tu vas lui dire, Seigneur. Pardonne-moi au nom de Jésus. Tu as dit, Seigneur, vraiment, pardonne-moi. Pardonne-nous et donne-nous la force. Maintenant, tu vas dire, Seigneur, que tous ceux qui sont en train d'attaquer qui, ici sur le plan financier, afin qu'ils n'aient pas les moyens pour réaliser ces films, que la honte soit dans leur camp, fais cette prière pour moi. Que le sang de Jésus mette la confusion dans leur camp. Ceux-là qui sont en train de nous attaquer sur le plan financier, en espérant que nous n'ayons jamais les moyens pour terminer ce qu'on a commencé. Seigneur Dieu Tout-Puissant, mets la honte dans leur camp dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui poursuivent mon âme nuit et jour, que la honte soit dans leur camp, que l'échec soit dans leur camp, que la honte soit dans leur camp, que leur plan échoue, que leurs œuvres échouent, que leurs projets échouent, que leurs activités échouent, que leur plan échoue. Il faut prier. Prie, s'il te plaît. Ne joue pas avec ça. Tous ceux-là qui font des complots contre l'océan des grâces, tous ceux-là qui méditent le mal, même ces faux serviteurs-là, qui se disent, il dit, va créer une chaîne, on va voir ce que ça va donner. Que la honte soit dans leur camp. Et que Dieu soutienne les vrais serviteurs qui, qui contribuent à ce projet, qui travaillent pour ce projet. Que la honte soit dans le camp de nos ennemis. Que la honte soit dans le camp de nos oppresseurs. Amen. Que la honte soit dans leur camp. Que la honte soit dans le camp de ceux qui nous mettent les bâtons dans les roues pour nous empêcher d'avancer. Au nom de Jésus. Que la honte soit dans leur camp. Que la honte soit dans leur camp. Que la honte soit dans leur camp. Que la honte, la honte, la honte, la honte soit dans leur camp. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier. Pendant quelques minutes, tu vas prier. La prière que je veux que tu fasses là, c'est simple. Je vais t'expliquer ça. Il y a des échecs, ma soeur, que tu dois refuser. Mon frère, il y a des insuccès que tu dois refuser. Je vous ai déjà parlé de la loi du premier. Il y a des échecs qui se répètent, qui impactent ta vie et qui définissent ta vie. Tu vas dire adieu. Tout échec conjugal, tout échec professionnel, tout échec spirituel qui est en train d'impacter négativement ma vie, soit brisé et soit arrêté aujourd'hui. Frère, c'est très mauvais d'échouer dans un projet pour la première fois. Si vous sortez un album qui a échoué, il faut la grâce de Dieu pour que l'un de vos albums cartonne. Vous allez avoir l'impression que l'échec est tracé déjà. Si vous avez échoué dans, un, dans une relation, il faut la grâce de Dieu pour trouver quelqu'un qui va te marier. La loi du premier va commencer à vous suivre. C'est la vérité que je vous dis. Vous allez remarquer que avant que moi et ici, je trouve une bonne équipe qui va travailler sur la chaîne télé, pour être honnête avec vous, j'avais été escroqué. Mais bien-aimé, les quatre personnes qui ont suivi après m'ont aussi escroqué. Avant que je ne comprenne que c'est l'échec de la première tentative qui est en train de m'impacter pour briser ça. Ma soeur, écoute-moi. Tu sais de quoi je parle. Peut-être que toi aussi, il y a un échec qui semble t'impacter. L'échec de ta première tentative, l'échec de ton premier projet, l'échec de la première personne avec qui tu as voulu collaborer et puis ça n'a pas marché. Depuis lors, tous ceux qui viennent se comportent de la même façon. La loi du premier doit être brisée. Toute loi qui t'a été imposée depuis le premier jour où tu as échec, échoué, je brise cette loi au nom de Jésus. Je brise dans ta vie toute loi tout impact de l'échec tout impact de l'échec tout échec depuis ta première tentative depuis ton premier mariage qui est en train d'impacter ta vie je brise cela au nom de Jésus il faut prier c'est l'échec là qui est en train de t'impacter c'est pour rien tous c'est pas pour rien tous ceux qui viennent se comportent de la même façon l'échec tout échec qui est en train de m'impacter depuis la première tentative depuis les premiers projets tout échec soit brisé. J'ai détruit tout échec qui est en train d'impacter ma vie. J'ai détruit tout échec qui est en train d'impacter mon âme. J'ai détruit tout échec qui est en train d'impacter ma vie. J'ai détruit tout échec dans les affaires avec qui que ce soit, avec n'importe quelle personne. Toute escroquerie dont j'ai été victime soit brisée au nom de Jésus. Il y a des sœurs qui ont essayé de faire des affaires au pays. Depuis que la première personne t'a escroqué, tout le monde t'escroque. Comme si cette personne est venue tracer un chemin pour l'escroquerie. On arrête ça aujourd'hui. J'arrête ça dans ta vie. Les mains des malchances qui ont touché à ta vie et qui t'ont laissé dans la malchance, on brise l'impact. Au nom de Jésus, tout échec qui est en train d'impacter les enfants de Dieu soit brisé. Je brise l'échec de la première tentative. Et je déclare que l'échec s'arrête. La loi du premier, toute loi qui a été établie depuis la première fois que j'ai essayé de faire les affaires, toute loi de l'échec, toute loi de malheur, toute loi de trahison, soit brisée au nom de Jésus. Je brise l'échec. L'échec et l'escroquerie. L'échec, 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 l'échec dans ta vie, bien-aimé. L'échec dans ta vie, je brise. Prie avec moi. Toute loi d'échec qui a été établie dans ta vie soit brisée, bien aimé. Avant que le Seigneur rétablisse les choses, il a fallu que je comprenne ça. Il a fallu que je comprenne ça. Il faut briser toute loi qui a été établie dans ta vie. La prière fait bon du, du juste a une grande efficacité. Ce que tu es en train de dire là, le Seigneur écoute, il t'aidera à briser l'échec. Toute loi qui a été établie, depuis l'échec de nos parents dans le mariage, depuis nos parents ont subi des échecs, nous brisons la loi au nom de Jésus. Je brise toute loi d'échec établie sur ma vie, toute loi de non-accomplissement, toute loi de retard, toute loi de rétrogradation établie sur ma vie. Je te brise au nom de Jésus. Je te brise. Je brise tout échec. Que toute loi qui a été établie sur ma vie, sur mon âme, sur mon esprit soit brisée. Je brise au nom de Jésus la loi d'échec. Je brise toute loi diabolique que les hommes ont établie sur ta vie, bien-aimé. Toute loi établie sur ta vie par les gens avec qui tu as essayé certains projets qui n'ont pas fonctionné. Leur mécontentement, leur colère, leur trace sur ta vie soit brisée et effacée. Je brise au nom de Jésus. Toute loi qui a été établie dans ma vie depuis mon enfance. Toute loi qui a été établie dans ma vie. Toute loi qui a été établie dans ma vie. Toute loi qui a été établie dans ma vie. Toute loi qui a été établie dans ma vie. Dans ma vie. Je brise au nom puissant de Jésus. Je détruis toute loi satanique établie dans ma vie. Je révoque la loi. Je révoque toute loi diabolique que mes ennemis ont établi dans ma vie, j'ai brisé, j'ai détruit toute loi satanique, toute loi diabolique, toute loi maléfique, toute loi satanique, toute loi occulte, toute loi de non-accomplissement dans ma vie, soit brisée au oh nom puissant de Jésus. Que toute loi de l'échec soit brisée, toute loi de l'échec, toute loi de l'échec, toute loi de non-accomplissement, que toute loi... Qui m'a été imposé, qui m'a été imposé, qui m'a été imposé par le monde des ténèbres, soit brisé au nom puissant de Jésus. Je referme toute porte qui est ouverte à l'échec. Je referme toute porte. Que les portes qui ont été ouvertes depuis lors se referment. Que les portes se referment. Que les portes se referment. Que les portes se réferment. Que les portes négatives se referment. Que les portes des malheurs se referment. Que les portes des difficultés se referment que les portes les portes les portes les portes les portes les portes, les portes se referment se referment se referment se referment que toute loi satanique établie sur ma vie par la bouche des hommes et des femmes soit brisée il faut prier toute loi qui a été établie sur ta vie bien aimée je ai brise je détruis toute loi satanique établie sur ma vie toute loi établie sur mes enfants toute loi établie sur ma maison toute loi établie sur ma vie toute loi établie sur mes finances soit brisée au nom puissant de Jésus. Je brise toute loi. 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 Je brise toute loi et je ferme les portes négatives au nom de Jésus. Je ferme les portes négatives. Je ferme les portes négatives. Je ferme, 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 je ferme. Au nom de Jésus. Frère, c'est pour cela, avant qu'on termine cette prière, puisque c'est l'enseignement, depuis matin, il y a eu un direct. Tu as passé le temps seulement à prier. Vous allez remarquer que cette loi-là, ça se passe partout. C'est pour ça, dès que tu fais une affaire, et puis le Seigneur te bénit, quand l'argent tombe dans ta main, avant que tu utilises l'argent, je te dis enlève la part de Dieu. Frère, je te parle par expérience. Tu enlèves la part de Dieu. Une fois que tu enlèves la part de Dieu, tu viens de fermer les portes aux dévoreurs. Mais étonnamment, si la première somme que tu obtiens, tu n'as pas enlevé la part de Dieu, tu vas remarquer, ton premier salaire, tu as oublié Dieu, non? Regarde, tous les salaires qui sont tombés dans ta main, tu te rends compte que tu n'as rien fait avec ça. Tout s'est succédé. Tout s'est succédé. Tu vas remarquer que depuis lors, quand l'argent tombe dans ta main, tu as forgé l'habitude sans même le savoir. La loi du premier. Alors, il est très important qu'on s'élève pour briser certaines choses qui sont devenues une routine. Tu vas dire à Dieu que tout problème que tu as eu et qui est devenu une routine, soit brisé aujourd'hui. Le premier agent qui est tombé dans ta main, tu as pris pour acheter du n'importe quoi. Bien aimé, tu vas remarquer que depuis lors, ton salaire, tu achètes du n'importe quoi avec ça. C'est pour ça, pour fermer la porte, Dieu dit apportez à, à la maison vos limites, vos offrandes, pour que je menace le dévoreur. Ce que tu dois chasser, c'est l'esprit dévoreur. Tu dois le lier. On ne se rend pas compte, mais c'est la vérité. Tu vas chasser de ta vie tout esprit dévoreur et tu vas briser toute loi satanique qui s'est imposée à toi pour que la gloire revienne à Dieu. Amen. Donc tu vas dire à Dieu que toute loi de l'échec qui s'est imposée à toi, qui fait que depuis que tu as échoué, que tu as mal fait un projet, tout ce que tu fais échoue. Je brise la loi au nom de Jésus. Toute loi de la sorcellerie, tout échec qui me suit dans les finances, dans les investissements, dans les projets, dans les affaires, je brise cette loi satanique. Je détruis la loi de l'échec. Je détruis toute loi, toute malédiction qui est entrée dans ma vie depuis un échec au nom de Jésus. Et j'ordonne à l'échec de s'arrêter définitivement. L'échec s'arrête définitivement. L'échec s'arrête définitivement. L'échec s'arrête. L'échec s'arrête. L'échec s'arrête. L'échec s'arrête définitivement. Je brise l'échec au nom puissant de Jésus. Nous brisons toute loi satanique. Tout échec. Tout échec. L'échec de la première tentative. L'échec. La malédiction. Soit brisée au nom puissant de Jésus que les portes qui ont été ouvertes soient refermées. Que toutes les portes soient refermées, que toutes les portes soient refermées, que toutes les portes négatives soient refermées, 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 soient refermées. Je brise toute loi satanique, toute loi de l'échec, toute loi satanique, toute loi de l'échec, toute loi satanique. Toute loi de l'échec, toute loi satanique, toute loi de l'échec, je, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, je brise, toute mauvaise loi établie sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bien-aimé, est-ce que tu es béni ce soir? Est-ce que tu es béni? N'oublie pas, quand on aura fini, d'aller sur le des grâces et de créer ton compte ou bien de te connecter pour les prières. Tu vas détruire la limitation. Certains échecs nous imposent des limitations incroyables. Bientôt tu vas aller dormir, mais je veux que tu ailles dormir dans la paix et dans l'assurance que le Seigneur te donne. Amen. Tu vas aller dormir mais en étant sûr que cette fois-ci le problème, il est réglé ou il a commencé à être réglé. Bien-aimé quand je vous prêche là, je touche les sujets qui sont les plus grandes préoccupations des chrétiens. Ce n'est pas que je veux insister. Parfois, il faut insister. Tu vas détruire les limitations. Certains échecs t'imposent des limitations. À moins qu'après avoir échoué, Tama, si je me trompe, tu me dis à moins qu'après avoir échoué, tu as la chance de tomber sur quelqu'un de merveilleux ou de merveilleuse. Mmh. J'ai pas envie de dire des noms. Bien-aimé, tu seras étonné que tes anciens échecs vont secouer ta vie. C'est un peu comme s'il y a quelque chose qui te suit partout depuis que tu as échoué. Tes anciens échecs secouent tes relations, secouent tes amitiés. Tes anciens échecs, à moins que tu n'aies la chance et la faveur de Dieu d'entrer dans son plan. Bien tes anciennes mésententes te suivent. Tes discordes te suivent partout. Tes problèmes au travail, là, ça te suit partout. Amen. Ça te suit. Il faut que tu dises une parole Je vous arrête maintenant. Je retourne à l'époque où vous avez commencé dans ma vie et j'ordonne, je vous arrête. Vous sortez de ma vie, esprit de discorde, esprit de pauvreté, esprit d'échec, esprit de mésentente, esprit de je ne sais quoi, sort et ne reviens plus. La prière, c'est juste une grande efficacité. Très souvent, vous n'avez pas parlé pour fermer les portes, alors que vous auriez dû seulement dire, c'est vrai, j'ai eu tel problème. Mais aujourd'hui, le problème s'arrête là. C'est tout. Le Seigneur a donné une limite à la mère en disant, ton orgueil s'arrête ici. Je te donne une limite que tu ne franchiras jamais. Mais toi aussi, tu dois dire à ce problème-là, moi, Marie, je te dis, toi célibat, toi échec, tu t'arrêtes seulement ici dans cette relation. Tu ne me suivras plus dans d'autres relations. Et l'esprit s'en ira. Le démon s'en ira. Le problème s'en ira. La prière du juste a une grande efficacité. As-tu parlé à ta vie? As-tu parlé à ton âme? As-tu parlé à tes projets? J'ai investi il y a des années. On m'a escroqué. Escroquerie. Ici s'arrête ton orgueil. Je t'établis une limite que tu ne franchiras jamais. Et moi? S'il y a une limite dans ma vie, je la casse. Parle à tes anciennes relations. Dis-leur, j'ai essayé. Ça n'a pas marché. Échec. Ici s'arrête ton orgueil. Au nom de l'éternel des armées, je te l'ordonne. Tu pars de ma vie et tu ne reviens plus. Désormais, cette relation est sécurisée et plongée dans le sang de Jésus. Je bénis. J'invoque le sang de Jésus. J'entoure avec le feu de Dieu. Il n'y aura seulement que le bonheur, la joie et la paix. Il te sera fait selon ta foi. La prière, c'est juste, a une grande efficacité. Pourquoi je m'arrête pour donner les prières Très souvent, vous ne savez pas comment parler. Vous ne savez pas comment orienter. Vous ne savez pas comment déclarer. Et vous ne savez pas comment décréter. Vous ne savez pas comment ordonner. Vous ne savez pas comment parler à votre vie. Vous ne savez pas comment parler à votre vie. Tu dois te parler pour dire, Marilyn, à partir d'aujourd'hui, s'arrête tes erreurs. Cette erreur-là que tu as faite de faire confiance à un faux ami, à une fausse copine, Marilyn, ici, s'arrête toutes tes erreurs. Plus jamais, tu ne te laisseras avoir. Ici s'arrête ton malheur. La prière qui est juste a une grande efficacité. Est-ce que tu as été trahi? Tu as été maltraité. Tu dois dire, Antoinette, yao. Ici s'arrête la maltraitance. Ici s'arrête la méchanceté des patrons. Désormais, tu entres dans une nouvelle vie. Ici s'arrête ton malheur. La Bible dit que... La prière du juste a une grande efficacité. Comment est-ce que quelqu'un d'autre va ordonner et décréter le malheur dans vos vies Vous subissez ça. Et la parole de votre Dieu dit La vie et la mort sont au pouvoir de votre langue. Tout ce que vous demandez, si vous avez assez de foi, si vous êtes assez fervent, la Bible dit Vous le verrez s'accomplir. Pourquoi tu ne parles pas à la terre de ce pays en disant Canada Aujourd'hui s'arrête mes malheurs dans ce pays. Aujourd'hui, s'arrête la malédiction des portes fermées. Oh mon ciel, aujourd'hui tu t'ouvres. Dans ma vie commence des bonnes choses et je prophétise. Pendant que tu conduis, je prophétise. Pendant que tu conduis, je prophétise. Et aujourd'hui commence le bonheur dans ma vie. Commence la richesse. Commence la vie. Commence une nouvelle vie dans la vie de Monique. Commence une nouvelle vie dans la vie de ma gloire. Au nom de Jésus, malédiction familiale, ici s'arrête ton orgueil. Je te donne une limite que tu ne pourras jamais franchir tant que le ciel est ciel et que Dieu existe. Au nom de Jésus, la prière, c'est juste, a une grande efficacité. As-tu parlé à ta maladie? As-tu parlé à l'humiliation? Les hommes viennent et partent, les hommes viennent et partent. Dis, un chèque conjugal, ici s'arrête ton orgueil. Ce monsieur qui est venu dans ma vie pour me mentir et partir, c'est le dernier qui viendra et partira sans me demander un mariage. Le premier et le prochain qui vient, c'est verrouillé, c'est scellé. Tu ne viendras pas pour partir. Tu ne viendras pas pour jouer la malédiction de fausses promesses qui a commencé dans ma vie depuis le premier départ. Tu t'arrêtes ici aujourd'hui. Tu prends autorité et tu parles. Ce n'est pas étonnant que vos mamans et vos grands-parents qui sont au village là ont la foi que vous. On a vu des mamans prendre balai et parler. On a vu des mamans prendre l'eau et parler par la foi. On a vu des gens prendre la terre et parler. Mon enfant ne vous appartient pas. Vous laissez mon enfant, vous mourrez. Et puis on laisse. Au village, dans les coins en Afrique, on a vu de nos yeux. On a vu des vieillards dire, ce que tu as fait là, aujourd'hui j'arrête ton destin. La prière fervente du juste a une grande efficacité. As-tu parlé à ta vie? As-tu parlé à ton destin? As-tu réellement prophétisé? As-tu vraiment mis la foi en épreuve? Est-ce que tu t'es levé pour dire Rachel, aujourd'hui s'arrête tes échecs. Échecs dans ma vie. Aujourd'hui, s'arrête l'échec. Ce que je viens de vivre là, c'est mon dernier échec. C'est mon dernier échec. Ce que je viens de vivre plus jamais. Plus jamais, plus jamais, plus jamais cela va m'arriver encore. Et le bonheur entre dans ma vie. La prière de juste a une grande efficacité. Est-ce que tu crois en ta parole? Est-ce que tu as vraiment la foi même? Tu m'enlèves trop faible, tu pleures trop derrière les gens pour une personne qui dit avoir la foi. Tu murmures trop, tu planiches trop, tu boudes trop le monde, tu tressailles trop, tu as trop peur, tu es trop faible. Lucie, trop faible. Tu trembles trop pour quelqu'un qui se dit chrétien. À prière fervente, Dieu juste a une grande efficacité. Pourquoi? Parce qu'en faisant une prière fervente, autoritaire et remplie de joie et d'espoir. Tu exerces l'autorité que Dieu t'a donnée. Et Dieu aime voir les gens exercer l'autorité pour démontrer qu'il est Dieu. La prière faire vente du juste a une grande efficacité. Est-ce que tu as déterminé ton salaire? Tu es là, tu te plains. Seigneur, je n'ai pas d'argent. Seigneur, je n'ai pas d'argent. Seigneur, mais c'est toi-même qui fait que tu n'as pas d'argent. Si tout ce que tu sais faire là, c'est d'attirer, je n'ai pas l'argent dans ta vie, tu vas avoir quoi? C'est ta bouche là qui te maintient là. J'ai dit. Ta bouche de je n'ai pas de travail. Ta bouche de géné, je suis célibataire. J'ai dit, mon ami, c'est ta bouche qui est en train de te fatiguer. Écoute-moi bien. Ta bouche qui ne confesse jamais rien. Ta bouche qui ne prophétise jamais rien. Madame, je suis malade. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Oh. Ça ne va jamais chez toi. Oh, pasteur Relojosekou. Oh. Pasteur quoi. Oh. Il faut m'appeler encore, tu vas voir. Ah, tes commentaires bizarres là. Il faut m'appeler encore pour me dire au secours. Et te montrer que je ne suis pas ton Dieu. Quel est ton comportement devant ton problème As-tu confessé As-tu montré sa place à l'aurore As-tu exercé un peu d'autorité Jésus t'a démontré l'autorité. Il a dit la mère Silence, toi le vent, silence. Et toi, tu es là en train de jouer les bébés chrétiens. Les chrétiens d'école de dimanche en train de... Ou, 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 ou. On dit, tu es au funéra, tu n'as même pas honte ta bouche. là. Quand c'est pour parler, déjà... Bien aimé, parle à ta vie. La prière du juste a une grande efficacité. Tu vas dire à ta vie, ma vie, ici s'arrête ta souffrance. Ma vie, Ici s'arrête tes malheurs. Ma vie, ici s'arrête les trahisons que tu as subies. Ma vie, ici s'arrête les offenses et commence la joie, une joie infinie. Alléluia. Lova, ici s'arrête les échecs dans ta vie. Anne-Marie, ici s'arrête les humiliations dans ta vie. Élise, ici s'arrête les, les échecs dans ta vie. Toutes choses qui avaient déjà commencé depuis un échec s'arrêtent aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Ma vie, ici s'arrête les escroqueries que tu as subies. Ici s'arrête les petites choses dans ta vie. Éloge. Commence maintenant aujourd'hui des grandes choses. Au nom puissant de Jésus. Ici s'arrête la limitation, Anne-Marie. Ici s'arrête la maladie. Ici s'arrête tout destin tragique qu'ils t'ont imposé. Tout destin tragique qu'ils vous ont imposé. Maintenant commence ton vrai destin. Aujourd'hui, j'ordonne que mes vrais destinées se manifestent. J'ordonne que les plans de Dieu dans ma vie se manifestent. Au nom de Jésus. Véronique. Ici s'arrête ton échec. Ici s'arrête ton échec. Aujourd'hui, commence ton bonheur. Au nom puissant de Jésus. Panza. Ici s'arrête les, les, les échecs et les frustrations. Ici s'arrête tes échecs et tes frustrations. Maintenant, commence dans ta vie des bonnes choses et des bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Je brise toutes les limitations qu'ils t'ont imposées. Je brise toutes les limitations dans ma vie. Je brise les limitations. Je brise les limitations. Je brise tous les problèmes que l'ennemi m'a imposés au oh, nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, ici s'arrêtent les échecs. Ici s'arrêtent les malheurs. Ici s'arrêtent. Ici s'arrêtent les échecs. Ici s'arrêtent les problèmes. Ici s'arrête les fausses accusations. Ici s'arrête la médisance. Ici s'arrête les malheurs. Ici s'arrête le gaspillage. Ici s'arrête le dévoreur, le dévoreur, le dévoreur, les provocations, les provocations maintenant que la faveur de l'Éternel coule sur notre vie maintenant. Que la faveur de l'Éternel coule sur notre vie. Que la faveur de l'éternel coule sur notre vie. Que la faveur de l'éternel coule sur notre vie. Au nom de Jésus. Dis avec moi ces dernières prières. Je brise toutes choses qu'ils ont faites contre moi pour me retarder. Je brise toutes choses qu'ils ont faites contre moi pour me retarder. Je brise tout ce qui a été fait contre moi pour me retarder. Je brise tout ce qui a été utilisé pour m'attacher. Au nom de Jésus. Isa! Ici s'arrête les échecs infinis. Ici s'arrête le non-accomplissement. Maintenant, dans ta vie commence le vrai plan de Dieu. Alléluia. Élise, ma, ma vie, ici s'arrête les méchancetés qui ont été dites contre toi. Maintenant commencent les promesses de Dieu dans ta vie. Répète avec moi, bien-aimé, toi qui m'écoutes, ici s'arrête les malédictions. S'arrête aujourd'hui les malheurs des familles. Les problèmes des familles, la souffrance, l'échec, tout ce qu'ils ont mis sur moi, tout ce qu'ils ont fait contre moi, tout ce qu'ils ont soulevé, tous les problèmes, je vous arrête au nom de Jésus. Je détruis. Bisgo! Ici s'arrête tout esprit qui te fatigue. Ici s'arrête les plans de l'ennemi. Ici s'arrête les projets de l'ennemi. Tout ce qu'ils ont mis sur ta vie pour que ta vie ne prospère pas, soit brisé au nom de Jésus. Ce qu'ils ont dit sur toi pour que tu tournes en rond, s'arrête aujourd'hui. Leur plan s'arrête, leur projet s'arrête. Tout ce qu'ils ont déposé dans ta vie, pour que tu tournes en rond, s'arrête aujourd'hui dans le nom de Jésus. Tout ce qu'ils ont fait pour que ma vie tourne en rond, pour que je tourne en rond infiniment, là où ils ont dit que ma vie est condamnée à tourner en rond, j'ai dit que ma vie n'est pas condamnée à tourner en rond. Je ne suis pas condamné à échouer. La condamnation est brisée aujourd'hui. Je brise la condamnation. Je brise la condamnation. Je brise la condamnation. Je brise la condamnation. Là où mes ennemis disent, ce projet est condamné à échouer. Cette femme est condamnée à échouer. Ce mariage est condamné à échouer. Ces affaires sont condamnées à échouer. Mais bien aimé, moi je vous décondamne au nom de Jésus. Je vous décondamne. Je vous décondamne. Tous vos projets qui étaient condamnés à échouer sont maintenant condamnés à réussir. Bien aimé, que toutes les dispositions disent. Par les anges de l'éternel pour que tu puisses réussir. Je ne suis pas condamné à échouer. Je ne suis pas condamné à souffrir. S'il y avait un homme, une femme en colère qui m'avait condamné à échouer, à souffrir, à tourner en rond, je brise ta condamnation. Ici si s'arrête ta condamnation. Tout homme qui m'a condamné à échouer, toute femme mais a condamné à échouer, toute personne, tout créancier mais a condamné à échouer, je brise ta condamnation. Toute mauvaise langue m'ayant condamné à échouer, je brise ta condamnation. Tout chrétien aigri, tout ennemi aigri ennemi de ta vie, t'ayant condamné à échouer, je brise tes condamnations. Tous mes ennemis cachés derrière la caméra je brise vos condamnations. Tous ces sorciers-là qui nous espionnent quand on prie, je brise leurs condamnations. Tous ces féticheurs qui viennent s'infiltrer, tous les ennemis de l'OGEC qu ici, qui nous jugent dans notre dos, qui nous condamnent et qui s'infiltrent dans nos programmes, j'ai dit, je brise vos condamnations. Je sais que vous êtes là. Vous n'allez pas perturber le programme des enfants de Dieu. Bien-aimés, je brise toute condamnation dans le nom de Jésus. Si quelqu'un t'avait condamné, toi, Fabinta, à souffrir, toutes les mauvaises langues qui te condamnent à souffrir, Malone, toutes ces mauvaises langues-là qui te condamnent à tourner en rond, leur condamnation s'arrête aujourd'hui. Au nom de Jésus. J'ai dit que toutes les mauvaises langues qui me condamnaient à souffrir, qui me condamnaient à mourir, qui me condamnaient à tourner en rond, qui me condamnaient à être malade, soient brisées. Je brise toutes les condamnations condamner toutes les malédictions qui me condamnaient à rester pauvre, les paroles, les rituels, les sacrifices qui me condamnaient à manquer opp des opportunités. Je les brise. Toute malédiction. Qui me condamnait à être l'esclave, à être l'esclave de mes amis, à être l'esclave des autres. Je brise la malédiction. Je brise toute malédiction, toute parole, tout rituel, toute malédiction, toute parole, tout rituel par lesquels ils m'ont condamné à échouer, ils m'ont condamné à souffrir, ils m'ont condamné à tourner en rond, ils m'ont condamné à rester pauvre et misérable. Je brise, je brise les condamnations au nom de Jésus. Tout ce par quoi. Ils t'ont condamné, toi, Gaïe, à rester pauvre et misérable. Je brise toute malédiction de condamnation, toute condamnation, toute condamnation. Je brise le pouvoir de toute langue qui me condamne à rester seul, toute langue qui me condamne à échouer, toute langue qui me condamne à être utilisée, toute langue qui me condamne à être exploité. Je brise, je brise, je brise, je brise toute malédiction qui me condamnait. Seigneur, toute affaire dans laquelle les gens m'ont condamné sans connaître le vrai fond de l'histoire, je brise leur condamnation. Ma sœur, s'il y a une affaire autour de toi, s'il y a une affaire autour de toi que certains ont pris part pour te condamner sans connaître le vrai fond de l'histoire, je brise leur condamnation. Toutes les condamnations qui ont été prononcées contre moi, je vous retourne à l'envoyeur. Toute condamnation, toute condamnation dont j'ai été victime, toute condamnation injustifiée et injustifiable. Je brise les condamnations venant des mauvaises pensées, venant des amis hypocrites, venant des hypocrites, venant des, 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 des alliés de mes ennemis. Je brise toute condamnation. Je brise tout jugement dont j'ai fait l'objet. Je brise les mauvaises pensées qui me jugent, qui me condamnent. Je brise les mauvais cœurs, qui me, le, les pensées des mauvais cœurs. Qui me juge, me condamne. Je brise toute condamnation dans ma vie au nom de Jésus. Je détruis les condamnations et je les annule au nom puissant de Jésus. Seigneur, si j'avais été condamné par des gens que je ne connais pas, que toute puissance du monde des ténèbres qui viendra contre moi maintenant tombe immédiatement et se brise. Tout ce qu'ils ont prévu contre moi soit détruit. Je brise la condamnation. Je brise tous les pièges qu'ils m'ont tendus. Au nom puissant de Jésus. bien nous sommes à quelques minutes de la fin. Nous brisons les condamnations. Si l'ennemi avait condamné ton foyer, ton mariage a échoué, je déclare que cette condamnation n'a plus d'effet. Ma sœur, peut-être que tu es allé leur présenter ton partenaire. Et ils vous ont condamné à vous séparer. Cette condamnation est révoquée, répète avec moi. Si nous avions été condamnés à nous séparer par le monde des ténèbres, je brise cette condamnation. Je brise le pouvoir et la parole de toute langue qui me condamne à échouer, qui me condamne à échouer dans ce pays, toute langue qui m'a condamné à échouer, toute langue qui me condamne à échouer, que ce soit dans les domaines de ma vie, les domaines les plus importants de ma vie, toute langue. Toute langue qui me condamne à échouer, toute langue, tout pouvoir qui me condamne à échouer, toute personne qui me condamne à échouer, je brise tes paroles, je brise tes ruses, je brise tes voeux, je brise tes travaux, je brise et je détruis tout le mal que tu m'as fait. Tout individu qui condamne mes projets à échouer, qui me condamne à ne jamais réussir ce que j'annonce, je brise toutes les condamnations, je brise toutes les condamnations prononcer contre mes projets, contre mes finances. Si j'ai été condamné à ne jamais avoir des moyens financiers pour tout ce que je veux faire, si j'ai été condamné à ne jamais les achever, je brise les condamnations. Toute condamnation dont j'ai été victime soit brisée. Toute condamnation maléfique, toute condamnation méchante, toutes les paroles soient brisées et révoquées au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu viens de faire pour moi. Merci Seigneur pour tout ce que tu viens de faire pour Raïssa. Merci Seigneur pour tout ce que tu viens de faire pour tous ceux qui sont connectés. Merci Seigneur pour tout ce que tu viens de faire pour les frères et sœurs qui sont connectés. Merci Seigneur pour tout ce que tu viens de faire pour nous. Tout pouvoir qui va nous attaquer échoue. Toute attaque contre l'Église de Jésus-Christ échoue. Tous les complots échouent. Toutes les condamnations échouent. Au nom puissant de Jésus. Tout le mal qui a été fait contre nous échoue. Tout le mal qui a été dit contre nous échoue. J'ai brisé, j'annule tout ce qu'ils ont fait pour m'attacher au même endroit. J'ai brisé, j'annule tout ce qu'ils ont fait pour me lier. J'ai brisé, j'annule tout ce qu'ils ont fait pour m'attacher. Au nom puissant de Jésus. J'ai brisé, j'annule tout ce qu'ils ont fait pour me bloquer. Au nom puissant de Jésus. Je brise et j'annule tout ce qu'ils ont fait pour m'enterrer. Toutes les condamnations à échouer sont révoquées aujourd'hui. Je révoque toutes les condamnations à échouer. Je révoque toutes les condamnations. Je révoque toutes les condamnations. Ah oui. Tous les travaux qu'ils ont fait contre moi révoqués. Au nom puissant de Jésus. J'ai détruit tous les jugements au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis, soyez bénis. Je suis béni dans le nom de Jésus. On va remercier le Seigneur avant la dernière prière. Faisons l'avant-dernière prière, s'il vous plaît. Éternel, nous avons compris que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Tu nous l'as démontré. Mais nous aimerions que tu nous aides à rester justes. Tu nous aides à rester dans la louange et dans l'adoration. Que tu nous aides à nous préparer, que tu nous aides à bien faire les choses, que tu nous aides à bien nous préparer, que tu nous aides à rester dans la prière, que tu nous aides à rester dans la louange, que tu nous aides à nous préparer pour des grandes choses. Merci Seigneur pour toutes les victoires que tu as accordées. J'ai béni tous ceux et toutes celles qui sont connectés. Éternel Dieu Tout-Puissant, dans quelques minutes, ces personnes vont aller se coucher. Protège-les. Éternel Dieu Tout-Puissant, toute âme forgée contre nous tombe et meurt immédiatement. Toute flèche contre nous tombe et meurt immédiatement. Toute balle spirituelle contre nous tombe et meurt. Que toute contre-attaque de l'ennemi à distance ou de près soit nulle et sans effet. Toutes les paroles par lesquelles l'ennemi veut nous mettre en colère soient désormais nulles et sans effet. Que les paroles soient nulles et sans effet. Que les provocations soient nulles et sans effet. Que les manipulations soient nulles et sans effet. Que les attaques verbales soient nulles et sans effet. Que les provocations, peu importe par qui l'ennemi veut passer, toute parole d'attaque, toute parole de provocation, toute parole d'humiliation, toute parole de tentation soit désormais nulle et sans effet. Peu importe les armes que l'ennemi va utiliser, nous les déclarons nulles et sans effet. Peu importe la stratégie que l'ennemi va mettre en place pour nous atteindre, les histoires qu'ils vont soulever, je les rends nulles et sans effet. Je ne sais pas quoi ils veulent te piéger, bien-aimé, mais nous rendons tout nul et sans effet. Je ne sais pas quoi ils vont tenter de t'avoir, mais moi je déclare que ce soit des armes, que ce soit des textos de provocation, que ce soit des vidéos de provocation, que ce soit des sujets inventés dans nos pensées par le monde des ténèbres, que ces choses soient sans effet sur nos cœurs. Que ces provocations, ces histoires soient sans effet dans nos cœurs. Que cela soit nul et sans effet. Toute balle tirée contre nous retourne immédiatement contre l'envoyeur. Que tous nos poursuivants soient violemment fauchés, s'écrasent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il reste une dernière prière. Après les annonces. Alors, bien-aimé, j'espère que tu as retenu beaucoup de leçons. J'étais beaucoup choqué parce que je voulais toucher ton cœur. Nous avons fini et il reste une dernière prière que je dois faire pour vous avant de partir. Je dois bénir votre journée. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore de compte sur notre chaîne, à aller en ligne et à aller créer votre compte, ça ne vous coûtera rien. C'est seulement si vous décidez d'acheter des livres là-bas ou je ne sais quoi, mais l'inscription est gratuite. Les prières qu'on met aussi sur Océan des Grâces, si vous êtes inscrit, c'est gratuit. Voilà. Vous pouvez nous soutenir si vous le désirez, mais au moins, on a créé un espace pour vous pour nous aider. Pour vous aider à avancer et nous aussi pour nous aider à vous évangéliser, à bien faire notre travail. Si tu fais partie de ceux et celles-là qui n'ont pas leur compte, nous avons un grand programme de 7 jours de jeûne, peut-être 7 à 10 jours. En tout cas, moi là, je ne veux pas de poisson d'avril. Je veux ma bénédiction. Si tu veux, tu viens prier avec nous. Si tu veux, tu restes dans ton coin. C'est ton choix, on respecte. Déjà, le mois d'avril est en train de partir. Et c'est comme ça les autres mois sont partis. On est resté sans vraiment se faire violence. On est resté sans dire quelque chose. Et mine de rien, 2022 est en train de partir. Tout comme les autres années sont parties. Bien aimé, il est temps de se faire violence. Là où on est là, chacun se cherche. Nous autres, on vient pour l'amour de Dieu avec notre temps. Pour vous prêcher. Bon, qu'on vous connaît, qu'on vous connaît pas, on fait l'œuvre de Dieu. On a créé ce site pour être indépendant. Vous savez, tellement on nous coupe ici, tellement on nous fatigue ici. Belle, divine, on dit d'aller sur le site internet. Quand on dit des gens poser des questions qui n'ont aucun sens, on dit va sur le site que le jeûne aura lieu sur le site. On dit le jeûne aura lieu, toutes les prières du jeûne seront sur le site. Quand vous allez partir là-bas, là, je ne sais pas qu'est-ce qui vous attend là-bas. Vous avez peur d'aller. Sur le site Internet, on mettra toutes les prières. Et aussi, il y aura même une mise à jour du site Internet. On est en train de tout renforcer. Donc, quand vous allez là-bas, s'il vous plaît, mes bien-aimés, utilisez vos vrais noms et vos vrais numéros de téléphone. Parce que si vous n'utilisez pas vos vrais noms et vos vrais numéros de téléphone, dans les mois à venir, vous pourriez retrouver vos mots de passe par téléphone. Ça va être tellement facile pour vous. Vous pourriez retrouver vos mots de passe. C'est sur le site internet. De rien pour la réponse. Merci là-bas. Donc, voilà, je vous invite à aller. Actuellement, il y a des puissantes prières là-bas. Bien hier, j'ai fait l'un des programmes j'ai été vraiment béni. Je suis allé dans trois jours sur la montagne et j'ai récupéré une prière que j'ai faite contre les malédictions. Frères et sœurs, ce n'est pas du n'importe quoi qui est là-bas. Vous-même, vous savez, non, euh, qu'on a vraiment pris le temps, on a fait les montages, on a mis des prières. Et en plus, en plus, je vais encore mettre des nouvelles prières. Vous ne savez pas quelles sont les prières que le Seigneur m'a inspirées. Je ne peux pas me permettre de mettre toutes ces prières sur, sur dessus des sites où on nous coupe tout le temps. Parfois, on nous bloque, on crée un autre, on nous bloque, on crée un autre, on nous bloque, on crée un autre. Donc, on ne peut pas prendre le risque d'aller balancer des prières qu'on travaille durement pour monter sur des sites où on n'est même pas sûr qui va les signaler, qui va les bloquer. Okay. Voici pourquoi vous allez... Il y a des prières puissantes qu'on a mis là-bas. Vous-même, je n'ai pas besoin de vous le dire. Maintenant, s'il y a quelqu'un, ce n'est pas que je vous embête, mais on a beaucoup de défis. Amen pour notre salle de télé, pour l'organisation, pour l'aménagement. Bien aimé, quelques personnes m'ont soutenu que le Seigneur les bénisse. Mais vous savez que c'est un défi, un grand défi et un grand défi et un grand défi. Par conséquent, si quelqu'un est là qui dit, OK, homme de Dieu, d'habitude, je profite de tes prières, je n'ai jamais réagi. Ça fait longtemps que je te suis, je n'ai jamais réagi. Même si tu as l'habitude de réagir, ce n'est pas forcément toi, mais si tu penses que, ah, façon à faire, là, ça s'en va là. Nous tous, on doit s'y mettre pour que ça puisse aller. Tu peux juste nous appeler ou aller tout simplement sur le site Internet. Que le Seigneur te le rende au centuple. C'est main dans la main, on va avancer. Et je sais que si on veut que Dieu nous bénisse, on doit aussi bénir son œuvre. Merci déjà à ceux qui nous soutiennent. Merci. Et sur la description de la vidéo, vous trouverez les liens de PayPal, les numéros Interact et tout, tout, tout. Pas forcé. Mais nous savons aussi que la Bible dit « Faites de toutes parts de vos biens à ceux qui vous enseignent parce qu'ils sont les gardiens de votre âme. La main qui donne reçoit celui qui cherche le bien s'attire la faveur. » Et nous savons aussi que la parole de Dieu déclare que celui qui ferme l'oreille au cri du pauvre là qui a besoin de lui aussi il criera à son tour. Dieu ne répond pas. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais je vous prêche la parole de Dieu. Maintenant, bien-aimés, préparez-vous cette semaine pour notre programme « Je prophétise ». C'est vous-même qu'on doit le faire, qu'on devrait le faire avant le, la Pâque. Alors j'ai aussi décidé que d'ici, avant la Pâque, on démarrera. Le but, c'est de, de vraiment tout faire pour que vous soyez bénis. Bien-aimé, on veut créer un espace pour vous où vous allez partir prier sans que quelqu'un vienne vous déranger, sans que d'autres choses viennent vous perturber. On a créé océan des grâces. Bien-aimés, il y a plusieurs équipes qui travaillent sur ce, 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 ce site. Tous les sites que vous voyez là, il y a la maintenance, il y a l'hébergement, il y a l'entretien, il y a la mise à jour. Donc, moi, presque, je ne dors pas parce que les gens qui travaillent sur ces sites-là, les techniciens, certains ne sont pas dans ce pays. On a une équipe ici, mais beaucoup de gens sont dispersés dans plusieurs pays. Alors, moi, je dois toujours rester debout pour la maintenance du site. Je dois donner les instructions, je dois donner les idées, je dois vraiment. Je suis au four et au moulin, je n'ai pas besoin de vous le dire pour que vous le sachiez, vous-même, vous voyez. Donc voilà, votre aide nous sera d'une grande utilité pour continuer à agrandir notre équipe pour que ce soit moins pesant pour moi. Que Dieu bénisse déjà les, les gens qui sont des partenaires, surtout les membres de notre église. Merci beaucoup. Merci euh, aux passionnés de Christ. Merci à la tour des gardes. Merci aux concurrents. Certains, on les a ajoutés dans le groupe, ils ont fui. Mais vous, vous êtes restés. Bientôt, nous allons prier en zoom. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous les frères et sœurs. Je vous suis vraiment reconnaissant, vous qui passez sur le site, même si je n'ai pas le temps de vous dire merci, mais vous, vous passez toujours. Tout en sachant que si j'avais le temps, j'allais le faire. Merci. Le Seigneur se souvienne de vous. Alors, bien-aimé, je vais vous bénir avant que nous vous alliez. Mais cette semaine, s'il vous plaît, pilons nos ennemis. Voilà, pilons-les sérieusement. Bien-aimés, si tu n'es pas pilé, moi, je vais voilà, c'est ça qui est la vérité. On a fini et j'espère que tu as été béni ce soir par ce message, par cet enseignement. Va avec ta grâce, mais veille sur tes pas. Que Dieu te bénisse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons fini et nous te demandons de bénir tous ceux et toutes celles qui sont connectés. Merci Seigneur pour ceux qui nous bénissent, qui nous aident. Ils vont se coucher. Que tout pouvoir qui va se déguiser pour venir les attaquer échoue. Que tout pouvoir qui va prendre même le visage de leurs proches pour venir les attaquer échoue. Tout homme, toute femme qui voudra leur faire du mal échoue. Toute puissance de la résistance qui va les empêcher, qui va les empêcher de prendre des bonnes décisions échoue. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous savons que la prière du juste a une grande efficacité. Tu as ouvert beaucoup de portes pour tes enfants. Pour certains, des portes de voyage. Pour d'autres, des portes de mariage. Seigneur, bénis-les dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis-nous dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis-nous par ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, bénis tous ceux et toutes celles qui sont connectés. Seigneur, bénis tous les frères qui sont connectés. Seigneur, bénis toutes les sœurs qui sont connectées. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, que personne ne parte sans sa bénédiction. Ta parole déclare que la prière du juste a une grande efficacité. Père, je te remercie parce que nous venons d'avoir une grande victoire. Seigneur, je te remercie parce que nous venons de triompher de nos ennemis. Seigneur, donne à tes enfants la capacité, la capacité à aller prier, que personne ne les empêche et ne les perturbe, que toutes les stratégies que l'ennemi va mettre en place. Pour les empêcher de se concentrer, échoue. Seigneur, l'ennemi a peur d'eux. L'ennemi a peur d'eux. L'ennemi a peur d'eux. L'ennemi a peur d'eux. L'ennemi a peur de leur prière. Il veut les maintenir dans la lourdeur. Il veut les maintenir dans la négligence. Le Seigneur, bénis-les dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Voilà, bien-aimés, je sais que vous avez été bénis. N'oubliez pas, la prière du juste a une grande efficacité. En allant à la maison, en allant chez vous, en allant dormir, prenez une décision. Que le Seigneur éloigne de vous ces personnes-là dont le diable se sert afin que vos prières n'aient pas d'efficacité. Que le Seigneur vous donne la capacité à surmonter. Ces provocations, ces disputes, ces querelles, ces histoires inutiles-là, que ça ne vous intéresse pas. Ce sont des pièges. Ce sont des pièges que l'ennemi vous tend. Alors que Dieu nous donne tout simplement la sagesse. Et surtout la maîtrise. Parce qu'il n'y a pas de sagesse où on n'a pas de maîtrise. Que Dieu nous donne la maîtrise, surtout. Chaque jour, dis-lui, Seigneur, je veux tout simplement la maîtrise. Et que tout ce qu'on va faire désormais, les testos des provocations, les paroles, les questions, les choses conflictuelles, que tout soit nul et sans effet. Confesse-le tous les jours, tu vas voir. Ça va arriver un jour où les gens vont même t'insulter, ça ne va rien te dire. Alors, je t'invite. Qui sera là pour le programme, je prophétise Soyez bénis. Alors, bien aimé, nous avons terminé. Je vais, te, je vais raccrocher dans quelques minutes. Voilà, pour ceux qui le souhaitent, voici notre numéro de téléphone qui est en bas. Voilà, nous avons mis trois numéros pour l'instant parce qu'il n'y a pas assez d'espace. Soyez bénis. Et voilà, pour ceux qui sont là, vous pouvez tout simplement prendre note de, voilà, le, du numéro du site Internet. Après ce programme, vous pouvez m'appeler, il n'y a aucun problème. Vous pouvez m'appeler. OK? Vous pouvez m'appeler et euh, ça ira. Si quelqu'un veut faire un soutien ou acheter des livres, c'est l'occasion de nous appeler. Et aussi, souvenez-vous que on n'a plus assez d'isop. Parce qu'il y a des gens là qui attendent que tout finisse avant de venir appeler. Et après, ça devient difficile pour avoir. Alors, la promotion continue. J'avais promis que depuis quelques jours là, j'ai parlé de ça. Si quelqu'un achète cinq de nos livres, je lui donne un livre plus une bouteille d'isop gratuitement. Bien aimé, c'est en donnant qu'on reçoit. Et si quelqu'un achète deux livres, je lui donne un livre que le feu tombe gratuitement. Mais bien aimé, ce n'est pas pour des gens qui ont acheté des livres il y a des ans, oui? Merci. Soyez bénis. Alors, bien aimé, on va se dire au revoir. OK? J'attends votre appel. OK? J'attends vos appels. Et puis, bon, ben, pour ceux qui veulent acheter des livres, vous êtes libres. Je vous invite à aller sur le site internet. Voilà. Bien aimé, j'ai déjà précisé le rendez-vous, c'est jeudi. Mais on doit valider vos rendez-vous. Si vous n'avez pas reçu de validation, c'est que je ne suis pas encore prêt. OK? Mais vous pouvez aller sur le site. Rendez-vous, c'est jeudi. Voilà. Soyez bénis. On fait le nécessaire. On fait un effort. Mais bon, si tu veux un livre, tu appelles pour acheter. Voici le numéro qui est, à, qui est affiché. OK? Voici le numéro qui est affiché. Bonne nuit à vous. Que le Seigneur veille sur vous. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous protège. Bonne nuit, bonne nuit. Merci. Bon, toi, tu as un faux nom, il ne sais pas c'est qui. Tu dis, bon, bon, tu dis merci, fratello, mais je ne sais pas c'est qui. Kiki 47. <laughs> Kiki 47, bonsoir. Les gens, non, ils sont trop forts. <laughs> Arrêtez-moi ça, là. <laughs> Ils sont trop bons à les faux, non. Bonne nuit à vous, mes bien-aimés. J'attends vos appels. <laughs> non, mon ami. Excuse-moi, tu aurais dû mettre ton vrai nom. Euh, donc c'est affaire hein, qui est là. Allez, bonne nuit à vous. Que Dieu vous bénisse. Salut Pat, patilakma Alors, pour ceux qui veulent acheter des livres, voilà, vous appelez dans cinq minutes et puis bon, ben on s'occupe de vous. Pour ceux qui veulent aussi faire un don, nous aider, on va y arriver. Tout se passe très bien, tout avance malgré les obstacles, mais on va y arriver. Donc voilà, bonne nuit à vous. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous avons terminé, nous te demandons de nous garder, de nous contrôler, de nous, de nous, de nous aider à aller jusqu'au bout. Éternel, tu es le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha et l'oméga. Père, protège-nous, nous te remercions de nous avoir donné la victoire, de nous avoir conduits. Que l'honneur et l'adoration te reviennent, Père. Aide-nous à revenir vers toi.